Bonsoir à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Ferrier. Salut Thomas. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est normal. Alors, Thomas, tu te définis comme un combattant de l'Europe identitaire. Commençons par définir en fait le terme. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi finalement? C'est-à-dire que la notion d'Europe, qui est celle que je porte, est identitaire au sens où elle défend les indigènes d'Europe. C'est une notion importante, les natifs. Oui. On n'est pas sur un terme européen juridique qui désignerait les détenteurs d'une nationalité d'un des pays d'Europe, par exemple, ou qui désignerait les gens qui seraient, par le hasard des migrations internationales, nés en Europe. Oui. Un Européen, c'est un porteur d'un héritage spécifique, humain, complet, anthropologique, culturel, civilisationnel, linguistique, toutes les dimensions. Oui. Donc, ce n'est pas n'importe quel Européen. L'européiste mondialiste, en fait, qui n'est pas du tout européen, a une définition universelle de l'Européen, oui. Exactement comme le souverainiste français a une définition universelle de la France. D'accord. Ce n'est pas du tout le même combat. C'est-à-dire que nous, quand, les européistes identitaires, lorsqu'on définit l'Europe, on définit une Europe rendue, restaurée aux Européens. Oui. Mais ce n'est pas problématique que ce soit le même mot, finalement, pour les européistes mondialistes. Moi, je ne le reconnais pas, en réalité, la notion d'européiste. Oui. Par exemple, on dénonce les eurocrates de Bruxelles. Pour moi, ce ne sont pas des eurocrates, pour deux raisons. D'abord, ils ne sont pas européens, ils n'ont pas de pouvoir. Donc, pour avoir du crate, c'est mal barré. Mais je comprends, en fait, tu ne peux pas te débarrasser de ces termes qui, en réalité, devraient nous revenir. Voilà, je ne laisse pas à l'ennemi des termes positifs sous prétexte que ce dernier en a fait l'usage et de manière détournée. Alors, c'est une question que je pose à la plupart des invités, mais tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit ou le sentiment d'être européen et d'être fier de ça, c'est depuis que tu es né c'est... Ah, moi, je n'ai pas de souvenir de ne pas l'avoir été. Ouais. Après, évidemment, quand on arrive, ce sentiment européen de départ, il va falloir qu'il s'affine en vieillissant. Il va se définir. Au départ, il est instinctif. Moi, j'ai considéré que depuis l'âge de 3-4 ans, vraiment depuis tout jeune, j'avais une conscience européenne extrêmement forte. Ouais. Qui était une conscience, entre guillemets, ethnique au départ. Oui. C'est vraiment une conscience européenne... charnel. Oui, lorsque tu voyais un non blanc, un non européen. Voilà. Alors évidemment, disais, avec des degrés, des distances. C'est-à-dire, par exemple, je peux mieux m'entendre avec des Indiens, de l'Inde, par exemple, qu'avec des populations plus éloignées. D'accord. Donc, d'une certaine manière, il y avait un sentiment européen, et puis il y avait un sentiment, entre guillemets, indo-européen aussi, un petit peu, d'une parenté plus naturelle. Donc, c'est quelque chose que j'avais en mode natif. Il n'y a pas eu d'égarement politique vers d'autres courants Pas du tout. Alors, moi, j'ai par exemple jamais. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai jamais été du tout fasciné par tous ces combats pour lutter contre la pauvreté et la famine en Éthiopie, en Somalie. Moi, j'ai vu Éthiopie, il y avait toutes sortes de chansons, etc. Alors, je me souviens à l'époque, j'avais 9 ans et les enseignants, toujours à la pointe du discours mondialiste déjà, nous invitaient à ramener un sac de farine et un sac de lentilles pour les pauvres Éthiopiens qui souffraient de la faim. Ouais. Et évidemment, donc ma mère avait mis les sacs dans mon sac scolaire alors que j'avais dit que je ne voulais pas. L'enseignant ouvre le sac, il se rend compte que j'ai les fameux sacs de farine, etc. Et j'ai évidemment refusé de lui donner. Alors, il s'est étonné de savoir pourquoi je ne lui donnais pas. Et j'ai dit de manière stylée à l'époque qu'il pouvait aller au royaume d'Hadès directement. D'accord. Je dis, de manière un peu stylisée, c'est-à-dire qu'il pouvait disparaître sans que j'en sois sincèrement ému. D'accord. Bon. Et d'autres expériences qui m'ont, à 10 ans, 11 ans, etc., où il était hors de question que quelqu'un m'impose quelque chose que ce soit, alors qu'il n'avait pas la légitimité de présence suffisante à mes yeux. Les spectateurs peuvent aussi se rappeler de ce moment où il y a eu l'apartheid a été un peu cassé en Afrique du Sud. On nous sommait via les médias gauchistes en fait d'être pour les Noirs. Et moi je sais que ça a été une de mes premières révélations identitaires. Je me suis dit mais pourquoi je serais pas pour les Blancs vu que je suis blanc. Alors le problème ça d'abord ça dépend de l'enseignement des langues en France. Oui. C'est-à-dire qu'au départ l'enseignement des langues c'est pour que les gens soient capables de parler une langue autre que la leur. Oui. Bon, donc en théorie, le culturel, le politique, ça vient après la maîtrise parfaite de la langue. C'est-à-dire qu'on doit manger de la grammaire, manger du vocabulaire, des cassettes pour travailler son oral, pour l'accent, etc. Ouais. Or, pendant les 2-3 premières années, 6e, 5e, on apprend la langue, mais avec des méthodes assez médiocres en général, souvent. Et puis on arrête et on commence à faire du culturel dès la 4e. Et alors le culturel, ben, c'est simple, c'est effectivement, c'est Martin Luther King, c'est l'apartheid, les droits civiques, etc., qui n'ont absolument rien à voir avec l'enseignement de la langue anglaise, etc. Donc c'est complètement détourné. Alors évidemment, quand on fait de l'allemand, l'obsession number one, c'est bien sûr qui on sait. Alors il faut toujours se définir, on demande aux élèves de se définir par rapport à la Seconde Guerre mondiale et au camp de l'Allemagne de l'époque. Il faut évidemment, bien entendu, il n'y a qu'un seul discours admissible de ce point de vue-là. C'est l'évidence.
En cours de russe, par contre, moi qui fais du russe, c'était beaucoup plus libre. Bien sûr, on parlait comme du culturel, mais il n'y avait pas tous ces tabous qu'il y avait dans l'apprentissage de l'anglais ou de l'allemand. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que l'espagnol, c'était pareil. Il y avait des trucs gauchistes, le franquisme qui a tué les républicains, les bons gauchistes cubains. Voilà, en Espagne, le concours d'espagnol, c'était aussi pareil. C'est-à-dire que c'est toujours un seul son. Mais comme l'histoire russe, le soviétisme, le communisme avait quand même tué pas mal de gens, bon, il y avait une certaine liberté d'opinion là-dessus. Sans vouloir, tu donnes un bon conseil aux gens, parce que les personnes qui sont parents me disent « Mais que faire pour que mon enfant échappe un peu au discours républicain ?» Bah, déjà, bien choisir ses langues. Hein. C'est-à-dire que si vous le mettez en espagnol, vous aurez un certain discours. Et en cours de russe, en général, vous n'avez pas trop de discours gauchisant. Les langues les moins dangereuses, à mon sens, c'est l'italien. Apprendre l'italien et le russe. Oui, oui. L'italien, il y a quand même moins, je trouve, de dialectique victimaire. Oui, oui, oui. Dans ce genre de langue, évidemment, on peut choisir le polonais, etc. Mais là, ça devient difficile pour trouver un établissement qui. L'Italie qui le permet. A une politique immigrationniste, mais les gens ne sont pas du tout. Il n'y a pas l'antifasciste obsessionnel qui est en Italie, qui peut y avoir dans les autres pays d'Europe. Ouais. Alors, il y a une bonne méthode pour apprendre les langues aussi, apprendre la culture, c'est de l'interdire à ses enfants. C'est-à-dire, l'idéal, c'est d'avoir un magnifique dictionnaire grec ancien ou latin, et puis de dire « tu touches surtout pas à ce livre ». D'accord. Et on leur interdit, comme ça, dès qu'on a le dos tourné, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est d'aller se plonger dedans et de s'intéresser et découvrir « c'est intéressant le grec » ou surtout les langues qui ont des alphabets différents. Moi, je me souviens que, par exemple, il y avait un atlas soviétique tout en russe qu'avait mon père, il m'avait interdit de toucher. Ouais. Donc, dès qu'il y avait le dos tourné, j'allais prendre cet énorme atlas soviétique. Tout à coup, ça devient quelque chose de très précieux. Voilà. Ouais. Et en fait, on y prend goût parce que c'est pas l'interdit qui suscite l'intérêt, mais ensuite, c'est la langue elle-même qui va créer l'intérêt. C'est intéressant. Voilà, donc c'est le dictionnaire grec ancien, par exemple, pour moi, c'est un indice. Et du coup, par curiosité, est-ce que tu maîtrises des langues étrangères? Alors, je suis un peu bizarre comme garçon, c'est-à-dire que je suis plus sur beaucoup de langues qu'en maîtriser vraiment bien parfaitement certaines. D'accord. Mon niveau d'anglais me paraît assez bon. Oui. En allemand, je ne suis pas catastrophique. En russe, je ne suis pas trop catastrophique. Mais par exemple, je m'intéresse au géorgien, au tchétchène, à l'albanais, au suédois, au hongrois, au lituanien, etc. Oui, oui. J'ai des grammaires à peu près toutes les langues d'Europe. J'ai une vraie curiosité pour les langues du monde. Les langues d'Europe. Les langues du monde. D'accord. C'est bien de le préciser. Ah oui, voilà. Parce que le bambara, le swahili ou le mandarin ne m'intéressent absolument pas. En plus, c'est dur le mandarin, attention. Ah bah, toutes les langues non indo-européennes, pour moi, sont difficiles. Bien sûr, ouais. Mais le finnois, le hongrois, encore, malgré tout, j'arrive à comprendre la logique des langues dites agglutinantes. Il paraît que c'est très difficile, le hongrois. Non, en fait, il faut se mettre dans la logique de la langue. C'est-à-dire que ces langues-là, au lieu d'avoir des prépositions, comme en français, quand on veut dire dans la maison, etc., ils prennent le mot maison et ils rajoutent une terminaison derrière. Ah, d'accord. Ça veut dire que c'est dans la maison, vers la maison, etc., avec la maison. Il faut comprendre ce concept initial et après ça. Mais ce n'est pas si difficile que ça. D'une certaine manière, les mots sont plus simples à structurer. C'est la grammaire des verbes, notamment. Ouais. Les temps, etc., les modes sont plus complexes. D'accord. Mais les mots sont simples. En géorgien, par exemple, le pluriel, on peut facilement faire le pluriel de presque tous les mots en géorgien. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, on peut dire un mot provocateur, Arieli, qui veut dire Arien en géorgien. Ouais. Arieli, c'est le singulier. Arielebi, on met ebi, c'est le pluriel. D'accord. Il n'y a pas de féminin, pas de masculin. Ouais. Il n'y a pas de neutre, donc de toute façon, c'est le contexte qui crée le sens. Mais c'est assez fascinant de s'intéresser à ces langues finalement qui sont parlées dans très peu de. Alors moi, je m'intéresse aussi à la langue mère, c'est-à-dire à ce qu'on appelle le proto-indo-européen. Oui. C'est-à-dire la langue qui était parlée par nos ancêtres, par presque tous nos ancêtres d'Europe, il y a 8000 ou plus d'années, 8000 ans. Donc il n'y a pas de texte écrit. Mais en comparant nos langues modernes, on est capable de reconstituer cette langue originelle. D'accord. Et on peut trouver 4000 ou 5000 mots, des mots racines qui permettent aussi de créer des néologismes assez facilement. Oui, oui, oui. J'avais lu un livre en ce sens, oui, des mots racines, effectivement, qui après, toutes les langues Un exemple basique, le mot père, quand on prend le mot père, c'est... Bon, qui est padré, patré ou père en français, ça vient du latin pater. Si on prend le grec, c'est pater. L'allemand, ça va être fater. Et on peut reconstituer un mot pater, un mot préhistorique pater, qui désignait le père. D'accord, je comprends l'idée. On peut faire ça avec beaucoup de loups, avec beaucoup de intéressant. Beaucoup de loups. Alors, on va attaquer, Thomas, un gros morceau. Oui. Alors, contrairement à beaucoup de figures de droite identitaire, tu n'es pas particulièrement souverainiste. En tout cas, tu ne considères pas que c'est l'État français qui doit rester inchangé pour, on va dire, sauver notre... Le souverainisme anti-européen. Parce qu'on peut défendre une souveraineté de l'Europe, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une Europe unie, un seul État européen, et cet État soit souverain. Oui. D'une certaine manière, dans ce sens-là, en tant qu'européiste, je suis souverainiste. Mais avant que tu continues, je veux dire, tu es pour un, entre guillemets, un empire européen ou pour une Europe des nations? Ni l'un ni l'autre. D'accord. Je suis pour une République européenne.
D'accord. C'est très important parce qu'un notion d'empire est une notion cosmopolite par nature. Oui. C'est-à-dire qu'un empire, ça regroupe des gens qui n'ont rien en commun et qui sont regroupés par un imperium, par un pouvoir politique et militaire, généralement par une autocrate d'ailleurs, alors que là, il s'agit de réunir les frères des deux mêmes sangs. Les Européens, pour moi, sont tous frères nés d'un même sang. Donc, ils forment une république parce que la société européenne est homogène. Je comprends, mais la cellule nation, pour toi, est obsolète. Non, je suis pour une Europe-nation. Donc, pour moi, la nation existe, comprends. C'est l'Europe. Oui, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a... États-Unis d'Europe, voilà. En quelque sorte. Non, parce que je suis contre les États. D'accord. On ne va pas y arriver, c'est drôle. Je suis pour une nation européenne qui a son État d'accord. unitaire. D'accord. Il y a un seul État pour tout le continent. Mmh. De l'histoire de la Russie, un État. D'accord. Pas 28, pas 46, un. Et en quoi le souverainisme, qui est le courant majoritaire enfin, dans l'extrême droite, on va dire, te dérange ? Parce qu'il ment. Oula, d'accord. D'abord, parce qu'on est dans la pensée magique et la protection de l'État, comment dire, l'État parasitaire français. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'État français, c'est l'ennemi principal de notre combat. Mm-hmm. Ce n'est pas l'Union européenne, car elle n'a aucun pouvoir, quasiment aucun pouvoir. C'est vraiment l'État français qui nous persécute. C'est l'État français qui fait les lois contre nous. C'est l'État français qui, depuis 1946 et même avant, a ouvert les vannes des flux migratoires. Oui. Et on en accuse l'Union européenne, qui ne nous protège pas, c'est évident, mais qui n'en est pas non plus responsable. L'Union européenne, elle est créée par des gens qui sont les chefs d'État et de gouvernement. Il faut toujours analyser les structures. Si on fait les institutions de l'Union européenne, c'est quoi ? Il y a donc la Commission européenne. Cette Commission européenne, elle est composée de 28 membres actuellement, qui sont des gens choisis, nommés, choisis par les États, par les chefs d'État et de gouvernement. Moscovici a été imposé par Hollande à la Commission européenne. Donc, les commissaires, ils sont dépendants de ceux qui les nomment. C'est bien normal. Et le président de la Commission, qui généralement est un homme politique grillé dans son pays, comme c'est le cas de Juncker, parce que pour des raisons de corruption, qui est donc en fin de carrière politique, est recasé président de la Commission, parce qu'on sait qu'il va il ne fera d'ombre à personne. Un mec comme Macron, Madame Merkel, c'est pas Juncker qui va leur faire de la concurrence. Oui. Donc Tusk, c'est pareil. Donald Tusk, président de l'Union européenne, c'est un ancien premier ministre polonais qui était grillé dans son pays, qui savait qu'il allait prendre une rouste aux élections et qui a été exfiltré généreusement pour ces places qui sont très bien payées, mais d'autant mieux payées qu'on n'a rien à y faire. D'accord. Donc, ensuite, il y a le Conseil européen qui est composé des chefs d'État et de gouvernement, donc là encore, les États. Il y a le Conseil de l'Union européenne qui la regroupe les ministres, tous les ministres, par exemple, d'un même domaine, c'est-à-dire que le Conseil de l'Union européenne va se réunir sur l'agriculture. Il y aura tous les ministres des 28 qui sont en charge de l'agriculture. Donc, voilà, on découvre une commission, un Conseil européen, un Conseil européen, les trois sont complètement dépendant des chefs d'État et de gouvernement. Oui. Le seul indépendant, c'est le Parlement européen, mais comme il est indépendant, il n'a aucune initiative des lois, il ne peut pas proposer de lois, il ne peut que valider les lois qu'on lui propose et éventuellement se rebeller, c'est sur quoi je compte, s'il a une majorité ou un parti pilote pour s'opposer aux États. Seul le Parlement européen, concrètement, aujourd'hui, pourrait s'opposer aux États, il ne le fait pas, mais il peut le faire. Donc pour résumer, c'est vrai que beaucoup de gens ont l'impression que la France est complètement... on va dire que Bruxelles dirige la France à la place de la France, et toi tu dis c'est faux, c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est qu'une question de volonté politique. Je pense que non, simplement l'Union européenne est à la botte des États, ce ne sont pas les États qui sont à la botte de l'Union européenne. C'est ça la vraie subtilité. Est-ce que les exemples, par exemple, de Orban en Hongrie ne montrent pas que ta théorie est bonne ? C'est-à-dire qu'en fait, même quoi qu'en étant dans l'Union européenne, il mène sa politique migratoire. Voilà. Orban, il a compris comment ça fonctionnait. Mmh. Il sait que de toute façon, même si on lui tape sur les doigts en parole, il n'y aura jamais de sanctions réelles. Oui. Parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens. Oui. C'est un jeu de dupes, cette affaire-là. Le Brexit est le meilleur exemple du foutage de gueule du souverainisme. Oui. Alors, pourquoi le Brexit, c'est le symbole même du mensonge souverainiste ? D'abord, il faut savoir que tous ces souverainistes français, qui se réclament tous de Gaulle sans avoir jamais lu une ligne, à mon avis, parce que s'ils l'avaient lu, ils ne s'en réclameraient pas vu leur discours, eh bien, sont un logiciel anti-anglo-saxon, anti-anglais. Oui. Il suffit d'écouter Asselineau, il est très hostile aux anglo-saxons. Oui. Cheminade, d'autres aussi. Donc, les voilà qui s'extasient devant le formidable courage du peuple britannique qui veut quitter l'Union européenne. Donc, leur ennemi traditionnel, la perfide Albion, comme ils l'appellent, a fait donc une politique formidable. Donc, normalement, quand ton ennemi fait quelque chose, il faut commencer à se méfier. Il faut éviter de commencer à s'en féliciter. En réalité, le Brexit, c'est quoi ? Le Brexit, c'est un référendum dans un pays où on n'en fait jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un pays où on ne fait jamais de référendum ? Eh bien, le seul pauvre référendum qui est fait, il va être détourné de son sens complètement par les électeurs pour envoyer un signal qu'ils ne sont pas capables d'envoyer autrement.
Oui. Surtout qu'en Angleterre, il y a un mode de scrutin qui élimine quasiment tous les petits partis. Donc, les électeurs britanniques, ils ne sont pas en mesure de se faire entendre. Et la seule façon de se faire entendre, c'est de voter non à un référendum, par principe, mm-hmm. pour sanctionner le gouvernement qui est en place. C'était David Cameron, par exemple. Ensuite, il y a beaucoup de Britanniques qui ont voté contre l'immigration en votant contre l'Union européenne. Tout Sauf que le Royaume-Uni n'est pas dans Schengen. Mm. Le Royaume-Uni n'a pas l'euro. Donc, le Royaume-Uni n'est pas, la situation migratoire du Royaume-Uni n'est pas la faute de l'Union européenne. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'immigrés, entre guillemets, polonais, bulgares et autres, qui sont allés s'installer au Royaume-Uni. Mmh. Mais est-ce que ce sont eux qui prostituent les petites filles britanniques dans les rues de Rotherham ? Est-ce que ce sont eux qui mettent des bombes dans les métros de Londres ? Je ne suis pas convaincu. Oui. Donc, les vrais migrants problématiques, on va dire, ils viennent du Commonwealth, c'est-à-dire ils viennent des anciennes colonies britanniques, que ce soit dans les Antilles, que ce soit en Afrique australe ou en Inde, Pakistan. Mm-hmm. Voilà. Et cela, eh bien, c'est pas du tout la faute de l'Union européenne s'ils sont présents. Je vais même plus loin. Winston Churchill, qu'on ne suspectera pas de racisme ou de national-socialisme, Winston Churchill, en 1900, dans les années 50, a fait campagne sur « Keep England white ». Garder l'Angleterre blanche. Et c'est Winston Churchill. C'est pas très intéressant, BNP ou le National Front ou je ne sais quoi. Oui, oui, oui. Il avait demandé aux conservateurs britanniques de veiller à maintenir les composantes ethniques indigènes du Royaume-Uni. Mm. Évidemment, les conservateurs ont commencé à faire l'exact contraire. Mm. Et d'où le discours d'Enoch Powell, là aussi conservateur, pas quelqu'un qui était d'extrême droite, mais qui a été définitivement grillé à partir du moment où il a commencé à dire que les gens allaient se taper dessus en fonction de leurs origines si on continuait à laisser venir des populations des Antilles ou d'Afrique. Qui est pourtant l'évidence même. En voilà. Tout cas. Donc le Brexit va-t-il diminuer le nombre de Pakistanais au Royaume-Uni ? Pas du tout, ça va diminuer le nombre de Polonais. Mm. Est-ce que ça va augmenter le nombre de Pakistanais ? C'est tout à fait probable. Oui. Donc, le peuple britannique de souche, eh ben, de toute façon, Brexit ou pas Brexit, il l'a dans l'os. D'autant plus que l'indépendance nationale, c'est bien gentil quand on n'est pas sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. Mmh. Il faudra m'expliquer l'indépendance réelle du Royaume-Uni, alors qu'il reste le 51e inter-américain. Il y a Échelon qui est toujours sur son territoire, espionné toute l'Europe. Oui. Voilà, c'est-à-dire l'indépendance du Royaume-Uni, le Royaume-Uni a renoncé en 1940, lorsque face aux Allemands, il a été obligé de se mettre sous la tutelle américaine pour s'en sortir. Oui, oui. Et Churchill avait d'ailleurs dit « maintenant, c'est vous qui commandez ». Et c'est ce qui s'est passé. Ces exemples montrent effectivement que le souverainisme n'est pas nécessairement en fait la solution que nous cherchons à nos problèmes. Surtout qu'il y a le mensonge, parce que Farage, UKIP, parce que j'ai demandé ou pourquoi Boris Johnson, ils ont menti, ils ont reconnu qu'ils avaient raconté n'importe quoi sur tous les sujets oui. pour obtenir le oui au Brexit. Mais pourquoi les nationalistes français sont tant attachés à cette idée de souverainisme alors ? Alors, parce qu'il y a une maladie française en particulier, que les autres pays d'Europe ont, mais moins, oui. qui s'appelle l'universalisme français. Oui. Qui est une forme d'ersatz d'Amérique. Mm-hmm. C'est-à-dire cette idée, moi ce que j'appelle le mondialisme dans un seul pays, ou chauvino-mondialisme, c'est salaud d'allemand, mais tout le monde peut être français. Oui. La France universelle, la France sur toutes les mers, la France dominante. Et donc, je t'en ça, rejoins vraiment là-dessus, le chauvino-mondialisme, c'est très... Et je vais garder ça. Voilà. Et c'est ce que fait l'État français depuis très longtemps. Ouais, ouais, alors ouais. Un État qui est complètement hypocrite. C'est-à-dire que la République française est à la fois une République raciale, mm-hmm. c'est le terme d'un ouvrage de Mme Renaud Paligaud, elle a sorti des ouvrages où elle démontre que les discours inégalitaires ethniques mm-hmm. étaient complètement assumés par la République dans les années 20 et 30, oui, oui. ce qu'on oublie souvent. Mm-hmm. Et puis également, donc cet universalisme, avec évidemment comme exemple les Antilles notamment, ou les Harkis, c'était toujours l'idée, regardez les Harkis qui sont battus pour la France, tout le monde, c'est français. Formidable, ça montre que la France est universelle, tout le monde peut être français, c'est le discours de Philippot, c'est le discours de Marine Le Pen, c'est le discours de Chevènement. Mais finalement c'est de l'orgueil en fait, ces gens. C'est de, oui, c'est une forme de, c'est le syndrome de la grenouille qui veut ressembler au bœuf. Hein. Oui, oui. Je pense qu'en fait Jean de La Fontaine a beaucoup analysé la mentalité française, il a bien analysé. Hein. Mais à la limite, être souverainiste en ce sens-là au 19e, pourquoi pas, mais aujourd'hui, le souverainisme, c'est quelle arrogance. Le souverainisme est mort en 1815. Voilà. Napoléon a tué le souverainisme. La France est morte en 1815, l'Allemagne est morte en 1945, et ni l'une ni l'autre ne se sont rendues compte qu'elles étaient mortes. Oui, oui. Parce que le cadavre bouge toujours. Oui, oui. Mais voilà, c'est fini. Chaque nation s'est épuisée. La Russie s'est épuisée avec le communisme. Et aujourd'hui, il n'y a aucune nation d'Europe seule qui peut être indépendante réellement. Mm. C'est-à-dire qu'ils se battent pour une souveraineté de papier, une souveraineté fictive et sans l'identité. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui leur importe, c'est le contenant. Oui. Le contenu n'a plus d'importance. Il faut fait, que le contenant soit bleu, blanc, rouge, il faut qu'il soit bien décoré, etc. Mais le contenu, ça peut être une masse brésilienne, brésilianisée, c'est pas un souci. Donc la souveraineté, aujourd'hui, c'est un mythe, un mythe mensonger, qui est attisé, excité par un certain nombre de démagogues. Alors, Asselineau est assez remarquable dans ce sens-là. Oui. Parce que le père Asselineau,
Évidemment, c'est un pur produit du système. C'est un énarque qui a travaillé dans les ministères et qui a une certaine compétence dans les domaines dans lesquels il a exercé. Mmh. Simplement, il a trouvé une technique rhétorique très simple, c'est, avec assurance, raconter n'importe quoi. C'est un classique. Ça marche pour beaucoup de gens. Alors, il y a un exemple formidable. Par exemple, les exemples du père Asselineau. Oui. Ah, on me balance en permanence pour me prouver la vérité du souverainisme, une vidéoconférence endormante d'Asselineau. Donc, ça devrait suffire pour prouver que l'Union européenne, c'est le mal incarné, que le Frexit, donc quitter l'Union européenne, c'est la solution extraordinaire à tous nos problèmes. C'est-à-dire, tous nos problèmes disparaissent. Il suffit de quitter l'Union européenne et abandonner l'euro. Et ça y est, c'est le paradis sur Terre. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il va nous expliquer que l'Union européenne, c'est le quatrième Reich. Donc, ah oui. Envahie de populations halogènes, donc c'est tout à fait la caractéristique du national-socialisme. C'était assez évident. Que c'est également une nouvelle Union soviétique. Je tiens à préciser que Thomas n'exagère en rien. C'est vraiment ce qu'il dit. En fait. Il a fait une vidéo récemment où il nous explique que la France universelle, tout le monde est français. L'Union européenne, c'est un empire nazi, si vous voulez. Il a dit que l'Union européenne est un projet racialiste. D'accord. Voilà ce qu'a déclaré François Asselineau. Donc, c'est assez fort. C'est aussi la nouvelle Union soviétique, oui. Bien qu'il lui reproche d'être libéral, et que lui est beaucoup plus communiste que les autres, puisqu'il reprend le programme du CNR de 1944, et on ne peut pas faire plus communiste que le programme du Conseil national de la résistance de 1944. Donc, mais c'est l'Union européenne qui est soviétique. Mmh. C'est pas du tout son logiciel, c'est pas du tout l'éducation nationale complètement bouffée par les communistes et les trotskistes, c'est pas du tout la justice complètement communiste, etc. Non. L'Union européenne est communiste, la France ne l'est pas. En fait, l'État français est le dernier État communiste d'Europe, mais c'est l'Union européenne qui étant libérale, est forcément communiste. Bon, en gros, tu penses que... j'ai toujours pensé à la même chose, d'ailleurs, que Asselineau est une baudruche qui joue sur son côté prof... Ah non, mais un exemple. Comment il prouve que l'Union européenne est un projet nazi ? C'est assez formidable. Mmh. Alors, effectivement, il y a un argument qui, d'ailleurs, n'utilise rarement ou jamais, donc je vais lui donner, c'est qu'effectivement, il y a un truc qui a été inventé par les Allemands sous l'occupation, qui s'appelait le EWG, c'est-à-dire Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ce qui se traduit exactement par communauté économique européenne. D'accord. Oui, sauf que ça, c'est un concept qui a été défendu par Walter Funk, et qui, évidemment, n'a jamais eu le moindre début du commencement d'existence. C'est-à-dire que c'était un argumentaire dialectique. Quand l'Allemagne a commencé à voir que la défaite s'approchait et que ça sentait mauvais, alors qu'elle avait été anti-européenne jusqu'en 1942-1943, elle se réveille subitement ultra-européenne. C'est formidable, l'Europe. Je me suis dit, on peut quand même faire du business. Hein. Non, mais pour eux, l'Europe, c'est devenu intéressant. Les Russes, en 1941-42 sont des sous-hommes, en 43 vive l'armée Vlassov et on a un million de soldats russes dans la Wehrmacht. Ça c'est évidemment, et les Français c'est formidable, vive la Charlemagne. Donc tout ça pour démontrer que le projet européen de Hitler n'existe pas. Hitler était anti-européen, il a écrit d'ailleurs un texte contre la Pan-Europe dans son second livre où il a qualifié d'ailleurs Richard Coudenhove-Kalergi, à qui on prête un projet de métissage universel qui est en fait une mauvaise lecture d'un bouquin de 1926 qu'il avait écrit, il le traite de bâtard du monde entier. Donc c'est bien. Et que pour lui, l'Europe, ça s'appelle l'Allemagne, parce que l'Europe, de toute façon, prendra le nom de la puissance dominante du continent qui s'imposera. D'accord. Donc il ne défend pas l'Europe du tout. Et certainement pas une Europe où tous les Européens sont égaux. Certainement pas. C'est une Europe nordique, il y avait un rêve d'empire. Allemande, germanique, où finalement il ne fait qu'appliquer, avec la différence, à part l'obsession antisémite d'Hitler, c'est le même programme que Guillaume II au niveau politique. C'est la même chose que Guillaume II. À peu de choses près. Donc l'Europe hitlérienne, c'est un concept de collaboration pour que les gens qui ne sont pas allemands aident les Allemands à gagner quand ça sent mauvais. Donc voilà. Mais plus simplement, il y a un bonhomme qui s'appelle Walter Hallstein. Alors ce Walter Hallstein, c'est le premier président de la Commission européenne en 1958. Et comme 2,5 millions de fonctionnaires allemands, entre 1933 et 1945, pour ne pas se retrouver au chômage, il a adhéré au parti totalitaire du pays, comme on le faisait en Union soviétique et ailleurs. Donc effectivement, Walter Hallstein est l'un des 2,5 millions d'adhérents de la NSDAP, ce qui évidemment en fait, selon M. Asselineau, une personne de premier plan. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a, malheureusement pour lui, a échappé à la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au bout de 13 ans après, a été proposé comme président de la Commission. Parce que simplement, ce petit engagement politique purement carriériste, comme tous les autres trucs, avait été complètement oublié, comme il y a eu le chancelier Kissinger en Allemagne, comme par exemple beaucoup d'anciens nazis se sont trouvés au Parti social-démocrate et compagnie, et dans plein d'autres endroits. Il suffit de prendre par exemple la Fédération internationale d'automobile. Ils ont eu comme parmi leurs présidents. Ils ont eu M. Jean-Marie Balestre, ancien Waffen-SS, et ensuite Max Mosley, le fils du chef fasciste britannique Oswald Mosley. Bon, chez Dior, dans tous les grands groupes, ils ont tous été rapidement recasés. Ceux qui ont évité la période
44-46, on s'en sont très bien sortis. Louis-Ferdinand Zéine, quand il est revenu au Danemark, ça s'est relativement bien passé. Il fallait juste éviter une période où la justice de l'époque était une épuration. Voilà. Voilà. Mais si quelqu'un survivait à ça, avait eu le temps d'aller se cacher en Amérique du Sud ou ailleurs, au bout de 5-10 ans, il revenait tranquillement. Donc évidemment, ceux qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale ont une deuxième carrière, et c'est le cas d'Hallstein. Est-ce que Hallstein était un militant zélé de la NSDAP? J'en sais rien. Est-ce qu'après 1945, il est resté dans l'ombre un planificateur d'une grande politique de résurrection de l'ancien régime déchu? J'en suis assez fortement sceptique. La fameuse idée des nazis qui se préparent sur la Lune, voilà, à revenir. C'est ça. L'idée générale, de manière très simple, c'est que le père Hallstein, il était nazi quand c'était intéressant d'être nazi, et il était anti-nazi quand c'était intéressant d'être anti-nazi, comme la plupart des gens, et qu'il n'est pas plus nazi parce qu'il a dirigé la... Et c'est pas parce qu'il a dirigé, nommé, choisi par les autres pays d'Europe d'ailleurs, d'être président de la Commission européenne, que la Commission européenne est nazie. C'est-à-dire, de toute façon, s'il avait été réellement un nazi influent, jamais il n'aurait été proposé comme président de la Commission. Ça serait arrêté là. C'est comme le procès du chancelier autrichien Kurt Waldheim, etc. Et on disait, ce machin, qu'est-ce que vous avez fait? Le père de Schwarzenegger, il était membre du Parti National Socialiste. Alors Schwarzenegger, candidat républicain pour être gouverneur, a dû s'excuser auprès de son père, dire que oui, lui-même avait été tenté d'être fasciné par un personnage, parce qu'il avait fait une déclaration dans, je crois que c'était Pump Iron, ou un des films où il fait la gloire de Arnold Schwarzenegger, culturiste, où il avait expliqué de fasciné et rêvé d'être comme Hitler devant les foules en masse en train de saluer. Dans les années 78-79, avant de faire Conan, il était dans ce trip-là. C'est un ami de Jörg Haider. Il y a une image que Canal Plus avait balancée, où on voyait à l'époque Maria Shriver, la femme de Schwarzenegger à l'époque, et il y avait Jörg Haider. Mais ça, tout ça, évidemment, personne n'en parle. Donc les choses sont beaucoup plus simples que ça. C'est-à-dire que Hallstein, il n'était pas spécialement nazi après-guerre, point. Et voilà le grand argument du père Asselineau pour nous expliquer que... Oui, il fait passer pour de la conviction profonde qui était du carriérisme. Il prend un tout petit détail et il se sert de ce tout petit détail pour en faire une généralité. Mais ça, c'est typique de tous les autres, tous les idéologues en chambre qui peuvent exister aujourd'hui, c'est ça. C'est je prends un tout petit machin, oh, il y a le tout petit truc là-bas, et alors tout est révélé. C'est la pensée magique. Est-ce qu'il y a le côté aussi subversion autorisée? C'est-à-dire que finalement, on ne risque pas grand-chose en disant qu'on est contre l'Union européenne. Alors, en société. Absolument. Voilà. C'est plutôt Marine Le Pen, ça. C'est-à-dire que Asselineau, lui, de toute façon, il est pour l'immigration, il l'a dit, ça renforce la France, puisqu'il faut plus de Français de toutes les couleurs pour faire face aux Allemands, aux infâmes Allemands, et aux Anglais, aux Italiens et aux autres Européens. Il faut renforcer le caractère colonial, finalement, de la France. Mais il est cohérent, mais il devrait être combattu clairement par tous les autres. Mais au moins, on peut lui reconnaître ça. Dupont-Aignan, Villiers et tous les autres, ils se sont laissés à des penchants comme ça. Et pas que. Un mec comme Borloo à droite, modérée, est aujourd'hui en croisade pour électrifier l'Afrique. Bérou, il a dit, l'Europe, c'est important pour aider l'Afrique. Donc, au lieu de dire que l'Europe, c'est en soi un projet, non, c'est l'Europe doit aider l'Afrique. Incroyable. Donc, et Villiers s'était vanté d'avoir des relations extraordinaires avec le Bénin, avoir aidé, lorsqu'il était président du Conseil général de Vendée, à la coopération avec le Gabon, le Bénin et des pays comme ça. Il fallait absolument nous expliquer à quel point les souverainistes aiment l'Afrique. C'est formidable, ils adorent l'Afrique, bien que les Français soient fait foutre dehors, mais ça, c'est pas grave. Ouais. La valise ou le cercueil, mais c'est pas grave, ça reste nos amis. Alors, avec une forme de racisme assez tordu, c'est-à-dire que le vrai respect des Algériens, c'est de reconnaître qu'ils avaient le droit à l'indépendance. Et d'une certaine manière, alors que la France ne s'est pas gênée pour épurer ses collaborationnistes ou ses collaborateurs, ça a été refusé aux Algériens, d'une certaine manière. Là, je vais me faire beaucoup d'ennemis, donc je vais pas aller beaucoup plus loin que ça, mais d'une certaine manière, si on se place du point de vue algérien... Mais de ce que je dis, on comprend l'incohérence, c'est-à-dire que d'un coup, on se prétend anti-raciste, mais en même temps, on n'accepte partout pas leur égalité réelle, en fait, puisqu'en fait, on les veut bien comme nos serviteurs, mais on ne les accepte pas comme nos égaux. Le vrai racisme républicain, aujourd'hui, il est là. C'est dans cette condescendance, y compris des antiracistes. Les antiracistes sont, pour grande partie d'entre eux, complètement hiérarchisants, en réalité. Bien sûr, oui, ça c'est un truc... Qu'on oublie souvent. Donc voilà, le Brexit était une arnaque, pareil sur le traité constitutionnel de 2005. Alors, ça ne veut pas dire que l'Union européenne ne nous vend pas n'importe quoi, mais c'est intéressant le traité constitutionnel européen de 2005. Là encore, un argument des souverainistes. On nous a volé notre vote. Voilà. Oui, regardez, Sarkozy, il a fait son mini-traité, le traité de Lisbonne. Ils n'ont rien compris du tout. D'abord, jamais on ne fait voter les gens sur un traité technique, juridique, illisible. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce référendum? Parce que le père Giscard avait envie d'associer son nom
au terme de constitution européenne. D'accord. Donc on a appelé ce texte un traité constitutionnel européen qui n'avait strictement rien de constitutionnel, qui n'était que la reprise de tous les traités antérieurs, Nice et autres, sur lesquels d'ailleurs nous n'avions jamais voté, oui. Et ce n'était que ça, avec simplement la reconnaissance du drapeau et de l'hymne, et de trois gadgets. Et donc un référendum proposé par un Chirac qui est en fin usé de carrière politique, ça faisait 10 ans quasiment qu'il était président, donc il était rejeté massivement, un texte illisible où on pouvait lui faire dire n'importe quoi, que presque aucun Français n'a lu, avec des symboles débiles, style de faire signer à Turquie, qui a signé en tant qu'invité ce texte, oui. Quoi se mêlait-il ? Ça a été mélangé avec la directive Bolkestein sur la concurrence intérieure. Alors moi j'ai voté contre le traité quand même, parce que je voulais vraiment une constitution, oui. Et que je considérais que c'était scandaleux de faire voter un texte qui n'était pas constitutionnel et que ça allait salir le mot constitution européenne. D'accord. Mais je suis donc je fais partie de non-européistes. Il y a des gens qui étaient pour l'Europe qui ont voté non. Mm-hmm. Mais je n'ai jamais été dupe. Autre chose que j'essaie d'argumenter depuis quelques années, et je ne peux pas le prouver, mais je ne suis pas loin, j'ai regardé les résultats du référendum de 2005 dans les banlieues, oui. Et dans les dom-tom. Le non a été écrasant. D'accord. Or, le non a gagné avec 56% à peu près, contre le non, 44%. Si on prend en compte... Comment tu analyses ça ? D'abord parce que les communistes et les réseaux de gauche ont fait voter non, mm-hmm. ont fait voter non au banlieue. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est tout à fait possible que si on ne prend en compte que les Français de souche, mm-hmm. il est possible que le oui au traité constitutionnel soit majoritaire sur les Français de souche, même s'il a été minoritaire au résultat. Et encore aujourd'hui, tu penses que... Donc ça, pour les gens qui sont contre l'immigration et qui sont pourtant souverainistes, ça devrait leur faire réfléchir. Bon, après, la tuile que s'est pris Asselineau à la présidentielle ne prouve-t-elle pas que le Frexit ne marcherait pas, en fait ? En fait, ça prouve simplement que les Français ont peur, malgré tout, de ces discours. Ils sont sensibilisés à ces discours. À gauche, la gauche, c'est l'anti-Europe parce qu'elle va détruire les services publics. Et justement, c'est l'universalisme français. À droite, le souverainisme, c'est plutôt une crainte identitaire, malgré tout. Oui. Mais confuse. C'est-à-dire que quelqu'un qui compte l'immigration, anti-européen ou pas, finalement, ce n'est pas sa préoccupation principale. Le père Asselineau, son gros défaut, d'abord, c'est outre son manque de charisme, mais ça, bon, il n'y peut rien. Mmh. Et son discours complotiste qui rend peu crédible le résultat de l'ensemble. Simplement, et c'est ce côté monomaniaque de l'article 50, Frexit, article 50. Mais le discours de Philippot n'est pas beaucoup plus intelligent. Oui. Et à mon avis, il ne réussira pas davantage. C'est-à-dire qu'il y a un souverainisme diffus, mais qui est en fait dans toute la société, y compris à gauche et à droite, hein, la peur de l'Europe, tout simplement, et de, sans doute d'une Europe authentique, d'ailleurs. Mais il y a, en même temps, il y a une crise identitaire profonde, et cette crise identitaire profonde en France, parfois, se teinte de souverainisme. Mais ce ne sont pas des discours cohérents. C'est-à-dire, on n'est pas en train d'expliquer qu'il y a un discours extrêmement cohérent et que les gens votent de manière cohérente. Non. Les gens ne votent jamais ou très peu de manière cohérente. Voilà, c'est un bel exemple. Sur la question de la sortie de l'Europe, je parle beaucoup à des gens très différents. Et ce qui revient le plus souvent, les gens sont terrifiés à l'idée que notre pouvoir d'achat baisse en sortant de l'Union européenne et de l'euro. Le coût de quitter... Alors déjà, maintenant, d'une fois qu'on est dans l'euro, quitter l'Union européenne ou quitter l'euro, c'est synonyme. Hein. C'est-à-dire que quitter l'Union européenne, c'est abandonner l'euro, hein, dans tous les cas de figure. D'accord. Donc, si on abandonne l'euro... on paye le prix lourd. Le prix lourd, c'est quoi ? C'est la déstabilisation économique du pays, la spéculation, parce qu'aujourd'hui, les gens disent l'Allemagne nous affaiblit économiquement. Alors ça, c'est un mythe que je voudrais casser, qui paraît essentiel. Chez les souverainistes, on nous explique depuis maintenant quelques années que l'Allemagne est la cause de la ruine économique de la France, que l'euro serait trop cher et que donc ça déstabiliserait notre économie. Et que l'Allemagne, évidemment, se défend, et nous, on ne se défend pas face à elle. Donc, on rajoute l'affaire Merkel avec ses déclarations sur les migrants, etc. Alors, pourquoi c'est grave, ce discours-là ? Pour deux raisons. D'abord, la France bénéficie, grâce à l'euro, du bouclier allemand. C'est-à-dire que sur les marchés internationaux, la France est surcotée. Ah oui. Et c'est pour ça qu'elle a un taux de remboursement de la dette qui est si faible. D'accord. Parce que si on regardait l'état réel de la France, on aurait une dette à l'espagnole. Mais simplement, on a la protection allemande, la confiance que les marchés internationaux ont envers l'Allemagne, fait que nous en bénéficions. Donc non seulement l'Allemagne ne nous affaiblit pas, mais en réalité nous protège. Et nous protège contre nos propres conneries. Ouais. Autre chose, la cause principale de la ruine de la France, pour 80% plus de la ruine de la France, est due simplement à l'immigration extra-européenne. C'est-à-dire que quand on attaque l'euro, quand on attaque l'Union européenne, c'est parce qu'on ne veut pas attaquer la question migratoire. Parce qu'on sait que là, on peut prendre des risques juridiques, que c'est beaucoup plus difficile à défendre, qu'il faut être beaucoup plus courageux.
que de taper sur l'Union européenne, ce que tout le monde fait. Oui, oui. Et c'est vrai que Asselineau, lui, il est sincère dans son rejet de l'Europe. C'est dans tout le milieu. Mais Marine Le Pen et les autres. C'est la peur de passer pour des méchants racistes et fascistes. On va dire, pour le Front National, on pourrait dire que c'est de la stratégie, etc. Elle ne veut pas se griller à la télévision. Mais dans le milieu, par exemple, dissident d'Internet, c'est fou à quel point la question ethnique reste un tabou et on parle constamment de ce souverainisme anti-allemand. Alors, il y a quelqu'un, je ne vais pas commencer à le nommer tout de suite. D'accord. Mais faisons monter un suspense là-dessus. Voilà, il va pointer un peu le menton, oui. Puis il va parler un petit peu comme ça. Oui, alors l'Union européenne, ça représente le mal, etc. Donc c'est Monsieur Rougeron. Oui. Alors Monsieur Rougeron, t'as pas pu durer le suspense trop longtemps. Non, mais en même temps, on le trouve assez vite. A une dialectique absolument épouvantable. Oui. Et d'un pédantisme qui est absolument insupportable. Alors c'est rare que je nomme des gens. Pas du tout. Des gens. Il est très modeste. Mais je le trouve d'une suffisance extrême. Et je lui conseillerais amicalement, ne serait-ce que de pure forme, d'essayer de moins l'afficher. Parce qu'après, son égo personnel, on ne peut pas aller dans la psychologie des gens. Mais on peut au moins lui dire, peut-être un petit peu plus de discrétion dans sa suffisance serait bienvenue. Pour information, les gens me demandent, est-ce qu'un jour Rougeron passera sur le plateau de Vive l'Europe ? Il est invité, bien sûr, comme tous les gens du milieu dissident. Mais il a déjà refusé en disant, en fait, il a dit, ça détruirait tout ce que j'essaye de construire. Donc, oui, alors c'est effectivement, comme c'est un... Je pense qu'il construit beaucoup de lignes sur Tetris. Mais bon, ça, c'est une petite méchanceté gratuite. Alors que je suis un bon pro de Tetris quand j'étais jeune. Hein, donc, j'étais très bon pour aller très loin. En plus, sur des versions Apple Macintosh avec le créateur russe directement derrière. Ouais. C'était la vraie version Tetris. Là, je pense qu'il fait des Tetris Windows en couleur. Bon, c'est moins bien. Mais trêve de plaisanterie. Un puriste du Tetris. Voilà. Oui, non, mais plus sérieusement, non. Alors, j'ai appris effectivement récemment qu'il avait fait des choix matrimoniaux qui étaient en convergence avec l'europhobie. Oui, voilà. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, on peut le dire, c'est pas. En fait, c'est sa liberté. Il veut changer l'immigration. C'est pas qu'il veut arrêter l'immigration, il veut changer l'immigration. Au lieu de faire venir des Africains, il veut faire venir des Asiatiques. C'est plus simple que ça, en fait. C'est un peu ça, mais c'est pas ça. Non, c'est simplement qu'à partir du moment où lui-même a fait un choix qui ne converge pas avec une restauration de l'européanité de l'Europe, il n'a pas tellement intérêt à se retrouver en porte-à-faux avec un discours dominant qui serait opposé au sien. Oui, mais dans ce cas, on pourrait dire la même chose de Gollnisch, alors, par exemple. Absolument. Oui, oui. Oui, mais on peut le dire. Et on le dit d'ailleurs. Mais oui, mais moi, Bruno Gollnisch, j'ai aucun souci, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, etc. Fasciné par le Japon. Passionnant à écouter. Maintenant, au Japon, le métissage, ça passe très mal. Mm. Hein, les Japonais, un Européen au Japon, ça s'appelle un geijin. Donc, c'est pas un mot très valorisé. Il y a une fascination des Japonais pour l'Europe, on le voit dans les mangas et les animés, c'est sûr. Hein, dans la façon de dessiner les personnages de mangas, ils les dessinent à l'Europe comme des Européens. Mais dans la société, moi je connais des gens qui ont essayé de trouver du travail, des gens très compétents à un niveau extrêmement élevé en informatique et autres, qui ont essayé de trouver, ce sont des 1 ou 2 ans pour trouver du travail au Japon en tant qu'Européen, ils n'en trouvaient pas. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une célébrité du web qui a effectivement vu au Japon un certain Boris qui a priori travaille dans des domaines de cuisine française, qui fait que là effectivement les Japonais, quand ils vont dans un restaurant français à Tokyo, ils ont envie d'avoir des serveurs ou des restaurateurs ou des Français. Ouais. Et c'est normal, et c'est pour ça qu'il y est. Parce que, et qu'il est bien tranquille, entre guillemets, hein, parce qu'il a pris des coups juridiques importants. Mais voilà, pour travailler au Japon, il faudrait vraiment des métiers spécifiques. Sinon, on n'est pas recruté. Ils préféreront toujours un Japonais, même un Européen. Oui, bien sûr. Voilà, et les Japonais, ils ont une logique vraiment yu-sanguinis. Hein, c'est le droit du sang au Japon. Hein, mais c'est que tu soulèves un lièvre. C'est vrai qu'on met dans la case un peu nationaliste dissident. Moi, il y a des gens qui disent « Oui, mais Rougeron est quand même nationaliste. » Et je leur dis « Mais attendez... » Oui, c'est français, donc universaliste. Oui, quand il n'y a pas de conscience ethnique de base, c'est quand même embêtant, quoi. Ben, oui, mais ça, moi, je ne suis pas un juge. Moi, je pars d'un principe simple, c'est que moi, je veux le principe de Périclès. Le principe de Périclès est citoyen, celui qui est né de 2 parents citoyens. C'est la règle de Périclès. C'est la règle d'indigénat ou d'autochtonie, c'est-à-dire que c'est l'héritage, le patrimoine qui se transmet directement des 2 parents à leurs enfants, etc. Après, ça c'est un principe juridique. Bon, maintenant je ne juge pas des choix individuels des gens, simplement je me rends compte que quelqu'un qui ne porte pas, qui dans sa vie personnelle fait des choix contraires au projet politique qui sera le mien, il est normal qu'il y soit opposé. Et qu'il ne le cache pas, qu'il ne prenne pas son modèle personnel, ses choix personnels pour une évidence universelle et collective, c'est ça. Malheureusement, l'homme est fait ainsi, hein, quand il fait une vie individuelle qui... Moi, je suis pour un principe très fort chez moi, c'est un trait de caractère, qui est la cohérence. Oui. Le principe de cohérence chez moi est extrêmement important. D'accord. Et je serais troublé et malheureux d'être en divergence avec mes propres idées et mes propres valeurs.
Est-ce que tu te sens proche idéologiquement d'un Renaud Camus, par exemple, qui ne veut pas, justement, qui est contre les discours europhobes et qui veut s'emparer l'Union européenne? Bah, c'est exactement ma stratégie. Il y a une convergence totale avec Renaud Camus ou avec Guillaume Fay quand il parlait de braquer le pilote européen, enfin de détourner l'avion. Oui. Européen, c'est exactement ça, cette idée qu'on s'empare de l'Union européenne démocratiquement par les urnes, par le Parlement européen. Oui. Et ça, c'est ce que je défends, c'est ce que j'ai toujours défendu, ce que j'appelle, moi, le serment européen du jeu de paume. C'est exactement la méthode de la Révolution française en 1789 du tiers-État, qui s'est autoproclamé Assemblée nationale constituante et qui a pris le pouvoir sur le roi, le roi qui a dû se soumettre. Quand tu dis gagner par les urnes, de quelle manière, en fait? Par les élections européennes. Ah, d'accord. Oui. C'est ce qu'on appelle la Révolution par les urnes, c'est-à-dire tu gagnes les urnes, tu as des ralliements, bien sûr, et ensuite, tu changes tout. D'accord. C'est-à-dire que le Parlement européen s'autoproclame Assemblée européenne constituante. C'est lui qui prend le pouvoir. Et puis, il y a peut-être 2-3 millions de personnes qui vont camper autour de Strasbourg. Ouais. Il y aura des défections dans toutes les armées nationales. L'armée européenne, elle viendra se créer en renfort, un peu comme en Ukraine ou ailleurs, ça s'est passé. Mm-hmm. C'est une révolution, bah, c'est simple. Le peuple s'empare du pouvoir et change tous les paradigmes dominants. Alors, non, on pourrait dire qu'on est tellement loin de ça, c'est sûr. Mais il faut bien avoir un horizon. Mais au moins, cette ligne-là serait salvatrice. Parce que mon problème, il est simple, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui sauver l'Europe? Ça ne m'intéresse pas de savoir si la France sera souveraine, ce n'est pas l'enjeu. Les Européens seront 7% de l'humanité en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir représenté 0,4% du globe? En quoi la souveraineté française représentait 0,4% ou 0,5%, c'est notre avenir. Ça ne signifie plus rien, en fait. Et en plus, ça n'a aucun sens. On n'est pas du tout en face des enjeux. Donc le problème aujourd'hui, le principe de réalité qu'on dit souvent... Arriverons-nous à faire de l'Europe notre sanctuaire face à la majorité des non-blancs? On n'a pas le choix, c'est-à-dire ou bien l'Europe remonte la pente, renaît par l'unité et par le réveil identitaire, ou bien elle disparaît progressivement, soit par un long pourrissement, soit par une submersion rapide. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, si on regarde les paradigmes honnêtes, l'Europe, de l'Islande à la Russie, hein, pas seulement l'Union européenne, a disparu en 2100. Oui. Voilà, ça, c'est une réalité. Si, ça ne veut pas dire que cette prospective ne peut pas être enrayée, voire complètement inversée. Mais si on fait un calcul ethno-mathématique, c'est perdu. Pour l'instant, c'est perdu. Donc, ou bien on s'unit, on tente le coup quand même de l'unité au bord du chaos, ou bien on laisse tomber et on jouit le peu d'années encore qui nous restera tranquille, ou on s'abrite, etc. Mais ça, c'est des stratégies de lâche. Le combat européen, il implique de regarder la réalité en face, même si elle ne nous plaît pas, et de faire face, tout simplement. Les souverainistes ne font pas face, ils sont à côté de la plaque, ils sont à côté des enjeux. Donc, d'une certaine manière, ce sont des criminels. Quand on a un ennemi et qu'on le nie, et qu'on en invente d'autres qui n'existent pas pour ne pas agir, c'est qu'on est un traître, c'est qu'on est un ennemi. On voit que tu es passionné vraiment par cette cause politique. Est-ce que justement c'est ça le principe de ton parti, le parti des Européens? Le parti des Européens, c'est pour rassembler le maximum d'Européens pour qu'ensemble on change l'Union Européenne en s'en prenant la tête. Elle changera d'ailleurs certainement de nom dans ce cas-là. L'Union Européenne, ça n'est qu'un moyen. Oui. Notre finalité, c'est l'Europe et nation, c'est l'État européen. Mais l'Union Européenne a quelques qualités, notamment le Parlement européen et son mode de scrutin à la proportionnelle, qui est très intéressant. Parce que tous ces magnifiques souverainistes français qui sont incapables de gagner les élections nationales, vous expliquez que la solution est nationale. Bah, qui commence à gagner les élections nationales pour le prouver. Oui. La réalité, c'est que si Marine Le Pen avait été élue en 2017 présidente, d'abord, elle aurait été catastrophée. Parce qu'elle savait qu'elle était incapable de gouverner. Oui. Mais surtout, elle aurait montré qu'elle n'aurait rien changé à la situation. Et donc, elle était foutue. Alors là, elle est quand même mal barrée. Ça, on peut en parler, si tu veux, de la catastrophe Marine Le Pen, d'ailleurs. Je vais en arriver dans une deuxième partie, mais je voudrais quand même qu'on mette un peu un projecteur sur ta création, alors, sur ton parti politique. Quel en est le concept? L'idée générale, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un parti révolutionnaire. Ça ne veut pas dire que c'est un parti antidémocratique. Au contraire, mais je prône une révolution par les urnes. Oui. En termes clairs, ça veut dire se présenter aux élections européennes, à terme dans tous les pays de l'Union européenne, et avoir au final une majorité, alors une forte minorité et des ralliements. C'est-à-dire, l'idée générale, c'est pas d'avoir 50% des voix. D'ailleurs, cette obsession des souverainistes français, oui, il faut 50,1% des voix françaises pour gagner, ben oui, mais vous ne les aurez jamais. Donc ça ne sert à rien d'avoir cette ambition. Bon, dans les systèmes où il y a la proportionnelle, le but, c'est d'avoir 25 à 30% des voix. L'idéal, c'est 30%. Si demain, le Parti des Européens, par un miracle extraordinaire, par l'audience acquise grâce à ton émission à tant d'autres, ça décolle, est amené à avoir 30% des députés européens de son côté, il y a plein de gens à droite qui sont des faux culs, qui nous ont craché dessus, mais qui, le lendemain, où on sera rentré à 30% dans le Parlement, vont venir nous voir, est-ce qu'on peut se rallier? Évidemment. Et on passe de 30 à 50, et là, on les a, les 50.
Et une fois qu'on a plus de 50% des députés européens, c'est là qu'on lance l'opération autoproclamation de l'Assemblée européenne constituante, qu'on impose un gouvernement européen provisoire et qu'on rentre en confrontation directe avec tous les États, mais qui sont des fruits pourris. La Catalogne face à l'Espagne, oui, elle va céder. Justement, j'allais t'en parler de ça. Ça montre justement le côté les États sont morts parce que toutes les régions se réveillent. Les gauchistes catalans, ce sont des souverainistes. Oui, oui. Moi, ils m'ont expliqué qu'ils étaient, ils n'avaient rien en commun avec les Espagnols. Rien du tout. Par contre, de n'importe qui, venu de n'importe où sur la planète, ils leur vont leur proposer la nationalité catalane, si elle existe. C'est ridicule. Ça veut dire quoi, alors, être catalan pour eux? Bah, catalan, c'est le chauvino-mondialisme dont je parlais pour la France. Salaud d'Espagnol, salaud de Basque, salaud de Français, mais vive les Africains qui parlent catalan. Oui. C'est le gauchisme. C'est-à-dire, c'est l'usurpation du combat identitaire catalan qui est légitime. Oui. Il y a une identité catalane, elle mérite d'être défendue, elle l'est d'ailleurs. L'Espagne, la République espagnole, et c'est beaucoup de liberté aux Basques et aux Catalans pour défendre leur identité. C'est pas la Bretagne. Hein. Les Catalans, il y a des panneaux en catalan partout, l'école enseigne le catalan, etc. On n'est pas en Écosse où le gaélique est. L'État n'est pas oppresseur en l'occurrence. Non, il a été un petit peu avec Franco et compagnie, mais attends, c'est terminé. C'est d'ailleurs parce qu'ils ont eu tellement d'avantages qu'ils voulaient en avoir encore davantage, si on peut dire. Sauf que c'est une manipulation complète. Ce sont des imbéciles. Le Puigdemont, là, c'est couché, lamentablement, dans cette affaire. Alors là, il va trépigner en Belgique, pleurnicher. Enfin, il a fait n'importe quoi dans cette équation-là. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'indépendance de la Catalogne, c'est utile? Est-ce que, lorsqu'on a une perspective européenne, augmenter l'Union européenne d'un État, ça a un intérêt? Moi, je ne me bats pas. Moi, je me bats pour que l'État espagnol disparaisse. C'est pas pour qu'il y ait 8 États qui le remplacent, hein, concrètement. Donc, moi, un État catalan, pour moi, il est aussi nocif qu'un État espagnol. Et peut-être plus si, en plus, il est gauchiste et universaliste et offre, comment dire, sa nationalité à la planète tout entière. Oui. Voilà, parce que c'est comme en Écosse, c'est comme le Sinn Féin irlandais qui expliquait qu'il fallait accueillir tous les immigrés pour lutter contre les Anglais. Le combat des indépendantistes québécois qui font venir des Arabes et des Noirs de France pour peser face à la langue anglaise. Terrible. Bon, ben, ce souverainisme-là. Je souris, mais c'est un cauchemar, hein. C'est un rire jaune. Hein. Et ce souverainisme-là, c'est le souverainisme français, y compris Marine Le Pen. Alors, Philippot vient de sortir, justement, j'en parle un petit peu, sa fameuse charte des valeurs des patriotes. Moi, quand j'entends les patriotes, je pense à Déroulède, 1914, la Ligue des patriotes. Je me dis, un vieux truc ringard qui sort des profondeurs de l'histoire. Ouais. Bon, patriote, ça permet de ne pas dire nationaliste. Patriote, ça ne veut rien dire du tout, d'ailleurs, aujourd'hui, puisque patriote de tous les pays, unissez-vous, d'accord. Mais patriote français de toutes les origines, puisque c'est ce qu'ils défendent. Exactement. Ouais. Alors, dans la charte, c'est très, très clair. C'est est français, celui qui dispose de la cité française, de manière indifférente compte tenu de son origine, de sa race, de sa religion ou de son orientation sexuelle. Je ne savais pas que la nationalité pouvait être orientée par la fonction de la sexualité. Et alors ça, c'est plus ou moins la Convention européenne des droits de l'homme, c'est plus ou moins la Constitution française, article 1, tous les Français, etc. Donc ça, c'est ce qui nous vaut la situation migratoire que nous connaissons. Et quel remède nous propose Marine Le Pen ou Philippot? De prendre la Constitution au mot. Mais la Constitution, il faut la démolir. Il ne faut certainement pas s'en réclamer. Oui. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais dans une Constitution, mais ça veut dire que les principes universalistes qui sont dans la Constitution et qu'on doit au droit à la DUDH et tout ça derrière, et qui existent en Allemagne d'une autre manière, etc., c'est pas ce qui va nous sauver, c'est ce qui nous enfonce. Oui. Donc la guérison par le poison, je ne connaissais pas. Oui. Mais c'est vrai que finalement, Philippot s'est mis dans une position difficile parce que... Il est souvent dans des positions difficiles. Elle est bonne, celle-là. Je crois, d'après ce que je sais. C'est ce qu'on nous a dit, quoi. Mais il aura toujours un peu cette étiquette fasciste collée sur la tête. Alors, il va falloir qu'il se nettoie ça. Et en même temps, il a l'intention de nettoyer cette étiquette. Il n'y a plus aucune différence, pratiquement, avec les discours des... Alors, il a besoin de nettoyer son image. Ouais. Il le fait. D'où les clins d'œil à Mélenchon, etc. Il va gauchiser de plus en plus son discours. Il est obligé, s'il veut se dédiaboliser, il faut qu'il gauchise, et il n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il ait disparu des médias, ce qui va lui arriver dans quelques mois, à mon avis. Ah oui, c'est ta prédiction? C'est-à-dire que là, ils le font vivre, les médias le font vivre parce que c'est un bon client, et parce que... Parce qu'il crache sur Marine maintenant Et donc, mais ça a un temps limité. Ouais. À un moment donné, ça ne va pas les intéresser. Surtout que maintenant, on commence à se rendre compte que Marine Le Pen a peu de chances de réellement réussir en politique. Ah oui. Et donc, se servir de quelqu'un pour la détruire alors qu'elle n'est plus du tout menaçante, les sondages, ça va disparaître. Sont pitoyables. Hein. C'est-à-dire que là, les gens sont... Il y a eu la fameuse émission que j'ai regardée d'ailleurs, parce que n'avoir rien à faire d'une soirée. Hein. Et elle a fait 1,7 million de personnes qui ont regardé son émission sur France 2, qui est le plus mauvais résultat possible de cette émission depuis qu'elle existe. Ouais. Alors, elle n'a pas été catastrophique comme le 3 mai 2017, hein, mais
bon, c'était quand même assez médiocre, assez moyen. Son père, avec tous les défauts du monde, il avait une rhétorique qui avait un niveau largement supérieur. Quand il était dans un meeting, il n'était pas derrière un pupitre à lire un discours écrit par quelqu'un d'autre. Même si ce n'était pas forcément lui qui écrivait le discours, il bougeait, il l'avait par cœur, il arpentait la salle, il arpentait l'estrade. Il était capable d'avoir des citations en latin ou en grec, il avait une culture. Voilà. Après, ce n'est pas peut-être toujours quelqu'un de cohérent. Il a été beaucoup. Quand il a compris qu'il ne gagnerait jamais, il a fait vivre sa structure. Il l'a détourné un peu pour son intérêt personnel, sa gloriole et autres. Il aurait dû se retirer à partir du moment où il avait compris que c'était fini pour lui à cause de certains nombres de propos qui étaient rédhibitoires. C'est comme ça, c'est une donnée. Hein. Oui. Il aurait dû se retirer. Oui. Par exemple, laisser Maigret prendre la place, qui l'a empêché complètement au prix d'avoir épuré de tout le parti, de toutes les têtes pensantes qui pouvaient exister, mais qui n'a jamais réussi à les reprendre. Oui. Tu crois que Maigret avait assez de charisme pour pouvoir... Mais il n'était pas seul. Maigret, c'était pas un fureur, quoi. C'était pas quelqu'un qui était seul, était capable de... Il fallait une forme de synergie, c'est-à-dire avec le galop, avec ces gens-là, une sorte d'équipe, un directoire, entre guillemets. Mais il n'a jamais été, je pense, le connaissant un petit peu, il ne s'est jamais imaginé qu'il ait l'équivalent de Le Pen version Maigret. Et pour terminer cette première partie, comment penses-tu rassembler autour du Parti des Européens ? C'est bien le problème. La seule façon, c'est l'émergence médiatique. L'émergence médiatique aujourd'hui, elle précède l'émergence politique, systématiquement. Les élections européennes, mais il faut de l'argent, il faut des militants, il faut des gens capables d'être candidats, etc. Aucune des conditions ne sont aujourd'hui remplies, on va pas se mentir. Y a beaucoup de gens qui sont en sympathie avec ce que je fais, mais qui n'adhèrent pas. D'accord. Ils n'adhèrent pas pourquoi ? Soit parce qu'ils pensent que c'est utopique, c'est trop irréaliste à un certain niveau, soit ils pensent que le souffle souverainiste est trop fort. Moi, je me rends compte souvent, est-ce que je déplore ? J'en parlais dans mon émission hier sur Courtoisie avec Robert Stöckers. C'est que beaucoup de gens qui sont des européistes identitaires se taisent, le cachent, de peur de se confronter aux souverainistes et d'être, entre guillemets, diabolisés à l'intérieur de leur propre camp. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que c'est très facile de se faire diaboliser par ce camp-là. D'ailleurs, ce camp lui-même existe-t-il ? C'est presque une question. Mais il y a énormément de figures destructrices, de manipulateurs et d'affabulateurs aussi qui existent dans ce milieu-là et qui trompent les gens. On va en parler justement dans la seconde partie. Voilà. Alors, je ne déflore pas cette seconde partie, mais effectivement, on a... c'est très difficile aujourd'hui d'émerger médiatiquement. Et alors justement, le Front National en est en grande partie responsable parce qu'aujourd'hui, c'est le serpent qui se mord la queue, ce qu'on appelle un ouroboros, le serpent dévoreur de sa propre queue, c'est-à-dire qu'on est dans un cercle vicieux dont on n'arrive pas à sortir. Tout le monde nous dit, Marine Le Pen, ça ne gagnera pas, c'est catastrophique. Mais on me dit en même temps, il n'y a que ça. Il n'y a que le Front National aujourd'hui. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire qu'on empêche les structures autres qui pourraient émerger d'émerger. On asphyxie le terrain. Donc le problème aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire que ce parti est en position de monopole sur un discours dont il n'est pas capable d'assumer les conséquences, mais il empêche tout le monde. Donc il y a un bouchon d'étranglement. En étant les choses, tu ne pourrais pas te présenter aux élections européennes, tu n'en aurais pas les moyens financiers. Alors il faut être très clair, il me faudrait 1 million d'euros. 200 000 euros par euro région française. Et il faut 20 personnes, et même 20, donc 10 femmes, 10 hommes. Et puis pas n'importe qui, il faut comme des gens qui ont un certain bagage. Des gens de qualité. Voilà, il faut être crédible. Alors je ne renonce pas. Sinon, celui qui renonce, c'est qu'il a déjà perdu, c'est qu'il est déjà mort. Mais j'alerte les gens qui sont en synergie, en convergence avec mes idées, que c'est le moment ou jamais de venir nous aider. Moi, je suis preneur de toutes les aides. Des aides techniques, des gens qui font des sites, des gens qui font faire des vidéos régulières. On me dit souvent, pourquoi Thomas, tu ne fais pas de vidéos ? J'en faisais un petit peu. Par le passé, j'avais quelqu'un, un ami qui me filmait, qui était très, très capable. Je ne l'ai plus. Parce qu'évidemment, les jeunes, ils font leur vie, bien sûr, etc. Tant qu'il n'y a pas d'argent sur la table, on ne peut pas... Au-delà de l'argent, c'était du temps, on fait sa vie. Donc moi, personne... Pour l'instant, je ne vais pas me filmer moi-même. Ça me plairait. Bon, il faut une petite compétence quand même pour se filmer. Sinon, c'est être interrogé par quelqu'un, c'est différent parce que là, il y a de l'humain. Il y a un échange, voilà. Et parfois, on a des idées qui ne viennent pas. Enfin, on peut s'interroger soi-même, c'est pas formidable. D'accord. Donc, je pourrais le faire, mais si j'ai des gens qui me filment, je suis preneur. Restez avec nous. On a encore beaucoup de sujets à traiter dans la seconde partie. À tout de suite.
Deuxième partie de Vive l'Europe, toujours avec Thomas Ferrier. Je vais rentrer dans le vif du sujet. La première partie était un peu acide par moment, et là, on va aller encore plus loin. Alors, sur la question de la prise de pouvoir, je crois que ça, personne n'a pu manquer le fait que nous n'y sommes pas au pouvoir. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas qui est nous. En tout cas, moi, je n'y suis pas, mais ceux dont on va parler n'y sont pas non plus. Bah, pourquoi ? Parce que je pense qu'ils n'ont pas le niveau pour être élus, ils n'ont pas le niveau pour être crédibles auprès du plus grand nombre. Je précise ma question, on va dire, il n'y a pas de parti anti-immigration identitaire qui parvient au pouvoir en France. Bah, il n'y a pas de parti anti-immigration identitaire tout court. Tout court. Alors, déjà. Justement. Donc voilà. Donc, après, il y a le Front National. Alors, quel est ton avis sur le Front National ? Alors, mon avis sur le Front National, c'est que déjà, il n'y a pas un Front National, il y a une multiplicité de Fronts Nationaux, si on peut dire. Il y a le Front National des années 70. Alors là, c'est assez simple, c'est-à-dire Ordre Nouveau et les survivants du fascisme et de la collaboration qui ont besoin d'exister politiquement et de combattre, et continuer le combat sous une autre forme et qui donc vont créer le Front National. Et ils vont essayer de se trouver une figure emblématique qui va pouvoir diriger le parti. Alors, ils consultent un certain nombre de gens. Ils vont demander à Dominique Vénère. Et Dominique Vénère a connu les déboires et les échecs de ce qu'il avait créé, c'est-à-dire le Rassemblement européen de la liberté, début des années 70. Il a décidé d'arrêter la politique parce que faire 0,2% des voix, à un moment donné, ça suffisait. Et ce qu'a fait Le Pen jusqu'en dans les années 80. Hein, Le Pen, pendant 10 ans, a connu une traversée du désert complète à la tête du Front National. Donc, Vénère et d'autres ont dit non. Et Jean-Marie Le Pen a hésité beaucoup. Et c'est quelqu'un qui vient de la droite classique, quand même, malgré tout. Il était au CNIP, hein, Centre National des Indépendants Paysans. C'est quelqu'un qui n'a pas de tabou. Il avait des amitiés à la fois chez des résistants et chez des collabos. C'est un amateur de la belle vie. Comme disait De Grelle à son propos, c'est un jouisseur. Oui. Et en conséquence de quoi, eh bien, donc Le Pen a finalement accepté. Oui. Et pendant 8 ans, ou enfin même 10 ans, depuis 72 à 82, bon, évidemment, il y a eu multiples scissions parce que ça se passait mal entre eux. Ensuite, Duprat a été tué. Et au final, dans les années, début des années 80, bah, le Front National, c'est quasiment rien du tout. Simplement, il a des points d'entrée avec le réseau mitterrandien. Oui. Et donc, il va signaler à Mitterrand, par des biais détournés, qu'on n'a même pas, avec les médias, on n'a même pas été capable de parler de son dernier congrès. Et Mitterrand. Sans le coup. Mitterrand connaît bien Le Pen, il connaît bien l'extrême droite, et il sait que c'est pas un grand danger pour lui. Donc, Mitterrand va appeler les médias des chaînes publiques et va dire « Vous invitez Le Pen ». Et les médias, à l'époque, hein, c'était peut-être plus le RTF, mais c'était pareil, ben, ils invitent Jean-Marie Le Pen. Et il fait une émission, je crois que c'était « Quatre vérités », où il est très bon. Il se révèle au plus grand nombre, et alors là, la dynamique se crée. Alors évidemment, il y a eu des petits résultats locaux, des cantonales ou à Paris, etc., où il y avait des petits signes qu'il y avait quand même le Front National et commençait à faire quelques 10% des choses dans des endroits très localisés. Donc il y avait quelque chose qui se passait malgré tout, il y avait un besoin qui commence à monter. Mais la médiatisation de Jean-Marie Le Pen change la donne complète. Oui. Et ensuite, il y a le résultat formidable de 1984, des élections européennes. Là encore, on parlait des élections européennes tout à l'heure. Les élections européennes sont les seules élections qui permettent en France d'avoir des nouveaux partis. Les Verts ont émergé grâce aux élections européennes. La liste Tapie, un tapis, on se souvient, avait plus de 12%. C'était un feu follet, mais. Et le Front National doit son existence aux élections européennes, lui, le parti anti-européen. Sans les élections européennes, il n'aurait jamais émergé. Alors, Le Pen n'était pas anti-européen jusque dans les années 92. Oui. C'est venu avec la chute de l'Union soviétique. La disparition du communisme a fait que, on va dire, l'atlanto-européisme du Front National n'était plus d'actualité. Mm-hmm. Et il y a un retournement de Jean-Marie Le Pen, notamment à cause de l'affaire irakienne, où, à ce moment-là, Le Pen va prendre des positions anti-globalistes, anti-occidentales et anti-européennes aussi. Mm-hmm. Mais Le Pen a toujours été ambigu sur la question de l'Europe. Ce n'est pas un anti-européen. Si vous lui demandez s'il est anti-européen, il vous dira que non. Mmh. Moi, il m'avait expliqué, par exemple, qu'il était volontaire dans les années 50, aider les Néerlandais suite aux inondations terribles qu'avaient connues les Pays-Bas. Il s'était porté volontaire pour aider les Néerlandais et qu'il était pas, il n'est pas anti-européen. Oui. Après, il se vante aussi d'avoir enterré des soldats musulmans à Suez. Sur t'aurais été le premier à mettre un député. Voilà. Et autre chose, mais Jean-Marie Le Pen refusera de se dire anti-européen. Marine Le Pen est anti-européenne. Oui. Et elle l'assumera. Même aujourd'hui, elle a essayé d'atténuer son discours contre l'Europe, elle n'y arrive pas. Elle ne peut pas s'en empêcher. Parce que si elle ne parle pas de ça, il faut parler d'immigration. Et si elle parle d'immigration, alors on retrouve les accusations médiatiques, de discours, etc. C'est vrai que plus que son échec cuisant au débat du second tour, qui a vraiment été mémorable dans le mauvais sens du terme, le fait qu'elle ne mentionne pas l'immigration était vraiment choquant. On va dire, la période 70, c'est le néofascisme. La période des années 80, c'est le jean-marisme, c'est le lepénisme pur. Ouais. La période des années 90, c'est le maigrettisme, qui, avant la scission, c'est la nouvelle droite qui entre en masse et qui contrôle idéologiquement, à mon avis de manière salutaire,
le Front National. Les années 2000, c'est le miracle de 2002, complètement artificiel d'ailleurs, mais oui, avec un coup de bol extraordinaire. 2007, est-ce que l'influence de Soral pour toi est décisive dans l'échec de 2007? Soral a encouragé Le Pen dans des dérives qui existaient déjà. Oui, d'accord. Samuel Maréchal, le gendre l'ancien gendre de Marine Le Pen, avait déjà théorisé beaucoup des concepts que Soral a ramenés. D'accord. Racheline et d'autres sont venus derrière, mais le ni droite ni gauche, c'est pas Soral qui l'a amené, c'était déjà là avant. Il y a un islam français, c'est Samuel Maréchal qui a parlé la première fois de ça. Non, mais la dalle d'Argenteuil, le discours de la dalle d'Argenteuil, c'est Soral, mais Le Pen a accepté dès le départ. Soral, c'est un symptôme comme Philippot. Ces gens viennent parce qu'il y a une ligne qui les accueille. C'est pas eux qui impulsent la ligne. Ça, beaucoup de gens croient qu'on imagine que même Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen, les gens les influencent. Non. Ils ont des idées de départ qui valent ce qu'elles valent. Marine Le Pen est europhobe par nature, par principe. Philippot n'a fait que lui donner une technicité, des compétences de message pour dire ce qu'elle pensait. Mais elle le pensait déjà, depuis longtemps. Elle s'était indignée dans les années 2004-2005 contre l'adhésion de la Pologne. Elle avait un débat chez Christine Ockrent sur France 3. Il y a une dame polonaise qui se réjouissait que son pays rentre dans l'Union européenne. Elle dit « Non, madame !» Elle est piquée des crises absolues. Elle devenait folle. Ouais. Donc, c'est vraiment un logiciel chez elle très, très fort parce qu'elle est de gauche. Ce n'est pas un souverainiste de droite, d'ailleurs, Marine Le Pen. C'est un souverainiste de gauche. Alors, je ne vais pas faire comme Marine Lesquin. Mais quand Marine Lesquin dit ça, finalement, ce n'est pas du Mais de trolling, gauche au sens 68-art. Ouais. C'est-à-dire, c'est le discours 68-art, tout court, point. Ouais. Elle le pense réellement. C'est dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre. C'est pas quelqu'un du tout qui a été éduqué dans les valeurs de droite. Son père lui-même a reconnu qu'il avait échoué dans son éducation là-dessus. 68 tard dans ce qu'elle dit. Mais elle est fascinée, par exemple, par le marxisme. Elle a eu un professeur d'économie quand elle était au lycée, un marxiste, qui l'a énormément influencé, au point que Jean-Marie Le Pen avait laissé entendre qu'il aurait bien voulu s'en occuper de ce prof d'économie. D'accord. Elle a un logiciel. Marine Le Pen, elle a essayé d'être avocate. Son nom et son manque de talent, les deux réunis, l'ont empêchée d'émerger dans le milieu des avocats. Elle s'est retrouvée avocate du Front National par défaut, parce qu'il fallait bien gagner sa vie, et papa Jean-Marie n'avait pas laissé de ses filles dans la misère. Elle a raté complètement sa vie personnelle. Elle n'avait plus rien. Ouais. Donc, grâce à Maigret et à l'épuration, elle était en tête de fond, elle était en tête de la guerre contre Maigret, c'est là qu'elle a commencé à émerger. Et puis le miracle de 2002. Alors 2002, c'est quoi? Jean-Marie Le Pen, il voulait certainement pas gagner. D'abord parce qu'il savait qu'il ne gagnerait pas. Et surtout, il était très inquiet d'avoir un rôle à jouer. Donc Le Pen fait une campagne à Le Pen, classique de 2002. Il y a le papy là, qui se fait cramer sa bagnole. Pour le coup, je fais juste une parenthèse. Tu es quand même d'accord avec Célineau sur le fait que le FN aurait toujours été un parti... Non, je pense que Jean-Marie Le Pen a cru à sa victoire dans les années 80. Ah d'accord, ok. Mais après le détail de 87, il a compris que c'était foutu. D'accord. Voilà. Et ce qu'on peut lui reprocher, ce n'est pas d'avoir essayé, c'est d'avoir maintenu, continué après avoir constaté qu'il était grillé. D'accord. Il n'y pouvait rien, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle une fatale erreur en informatique. D'accord. Voilà, et c'était grillé, terminé. Donc il fallait laisser la place à d'autres, Maigret ou d'autres d'ailleurs. Mm-hmm. Et donc en 2002, Le Pen se retrouve au deuxième tour par hasard, c'est-à-dire Jospin fait n'importe quoi, il laisse n'importe qui être candidat à gauche, il s'imagine qu'il est déjà au deuxième tour. C'est-à-dire, il pense qu'il lui fait une campagne de deuxième tour, il a oublié la campagne du premier tour. C'est vrai. Il est complètement à côté de la plaque. Pareil, il y a Chevènement qui est candidat. Il a laissé Taubira être candidate, mais Taubira ne représente rien. Taubira n'était pas candidate, Jospin était deuxième tour. Donc Le Pen fait un score un tout petit peu au-dessus de ce qu'il fait d'habitude. Oui. Il y a le papy qui se fait cramer sa baraque. Il y a deux, trois éléments au dernier moment au niveau de vote. Le Pen a un tout petit peu plus. Jospin a trop divisé son camp. Il est juste en dessous. Paf, Le Pen se retrouve au deuxième tour. Mais un miracle. Autant Marine Le Pen a été au deuxième tour en 2017, cette année, par le choix des électeurs, même si elle a fait un mauvais résultat en réalité, autant Jean-Marie Le Pen est un miracle. Et lui s'est retrouvé catastrophé en disant mince, meuf-là. Alors, évidemment, Le Pen aurait pu avoir le débat avec Chirac. Il commence à dire oui, vous allez entendre les casseroles, je vais tout sortir, je vais tout balancer. Bah forcément, Le Pen, il dit ça. Chirac, il dit j'ai de l'argument pour pas faire c'est le débat. C'est quand même bien dommage qu'on n'ait pas eu ce débat. On pouvait pas l'avoir. De toute façon, il y avait une haine entre les deux, parce qu'à expliquer, peut-être des rivalités sur des nanas. Ah ouais, la cause d'origine serait peut-être des choses comme ça. Le Pen a expliqué que c'était parce que Chirac avait eu des accords avec le B'nai B'rit sur la franc-maçonnerie judéo-américaine qui aurait obligé à ne pas faire l'alliance. Non, je crois pas. Il y a une antipathie personnelle de Jacques Chirac pour Jean-Marie Le Pen, personnelle, donc vraiment au sens littéral. Et inversement. Moins chez Le Pen que l'inverse. Le Pen était moins aussi à Chirac. Mais Chirac a une telle détestation de Le Pen que Le Pen a bien été obligé de lui répondre de la même façon. Forcément, oui. Donc voilà, 2002 c'est un hasard, mais ça relance la mécanique du front qui en fait n'a pas mérité ce résultat et en était catastrophé. Surtout que Le Pen, il n'y avait plus personne. Et aujourd'hui, il n'y a toujours plus personne. Le problème du Front National, c'est que depuis la crise de Maigret, il n'y a plus d'intellectuels au Front National, il n'y a plus de cadres de haut niveau, des gens des professions libérales, des gens qui
qui pèse. Le front n'est plus créateur, n'est pas créateur de cadre, en fait. Non, il n'est plus créateur de cadre, il n'a pas de profession libérale. Les gens, médecins, notaires et d'autres, ne vont pas aller se présenter sous l'étiquette du front. C'est une réalité. Le front, aujourd'hui, c'est un parti comme le Parti communiste, c'est un parti prolétaire. D'une certaine manière, c'est pas déshonorant d'être un prolétaire, mais quand on se présente à des élections, ben les gens ils veulent des crédibilités. Un ouvrier c'est quelqu'un de parfaitement respectable, sauf que dans des fonctions de direction, de mairie, etc., ben les électeurs peuvent se dire, même les ouvriers eux-mêmes peuvent se dire, oui mais bon, il est bien gentil, on l'aime bien, mais derrière, est-ce qu'il peut tenir la route? Le problème de la crédibilité, il est essentiel. Donc les années 2010, c'est le marinisme. Et ce marinisme, c'est le souverainisme pur et dur, ou presque, c'est surtout la dédiabolisation. Donc, grosse erreur stratégique, il ne fallait pas dédiaboliser, il fallait dédramatiser. C'est très différent. D'accord. La dédramatisation, quand ça veut dire qu'on va inviter les gens à retourner dans leur pays, mais que ce n'est pas quelque chose de monstrueux, scandaleux, c'est quelque chose de très tout à fait naturel et sain. Ils sont venus pour de mauvaises raisons, et on va les faire revenir sur la terre de leurs ancêtres pour de bonnes raisons. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'inversion des flux migratoires, on respecte tous les gens de la terre, mais chacun chez soi, respecté en tant qu'égal, mais sur sa terre. Donc rester ferme sur la forme, sur le fond, voilà. Et habile, simplement, mais c'est ça, dédramatisation, mais Madame Chabot, on ne va pas les envoyer à la mer, disait Sarkozy. En provocation, mais on lui répondrait, mais Monsieur Sarkozy, personne n'a dit qu'on allait les envoyer à la mer. On va aider des gens à retourner chez eux. Tout à fait différent. Oui. Mais non, dédiabolisation, mais Madame Chabot, j'ai absolument pas de haine envers quiconque, et ils sont français comme moi, ou comme vous et moi. C'est pas la même chose. Et là, on a plus le discours, la dédiabolisation, c'est du reniement. J'achète la gentillesse de mon adversaire en lui disant ce qu'il a envie d'entendre et en le pensant. Parce que Marine Le Pen, il y a des gens qui pensent qu'elle est dure. Ils pensent justement qu'elle a une forme molle pour cacher un fond dur. Et qu'en fait, elle a un crypto-programme. C'est-à-dire Marine Le Pen, elle dit « vive les immigrés », mais en fait, elle pense qu'on va tous les mettre dehors. Ah, elle ne dit pas « vive les immigrés ». Non, mais je caricature, mais pour bien faire comprendre, l'image, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui vous explique qu'il faut immigrer, mais qu'en fait, tout le monde pense qu'elle veut tous qu'elle en garderait dehors. Sous la pédale et qu'une fois au pouvoir… Qu'en fait, elle est beaucoup plus dure et qu'en fait, c'est vraiment une tactique d'adoucissement. Mais de non-sincérité. Or, non, Marine Le Pen est sincère dans ses positions. Elle n'a pas un logiciel identitaire, elle n'a pas un logiciel ethnique, elle n'a pas un logiciel européen, et c'est son droit le plus strict. D'ailleurs, simplement, elle vide l'image d'un parti politique qui a cela. Et donc, les gens qui votent Front National, ils votent contre l'immigration. Et Marine Le Pen peut aller se mettre avec un black ou n'importe quoi, ça ne changera rien. De toute façon, on dira toujours que ce n'est pas vrai, qu'elle a fait ça par stratégie. Donc, l'électeur continue. Sauf qu'il y a eu un truc à changer le 3 mai. Et ça, c'est tout à fait différent. Parce qu'avant le 3 mai, ce que je dis là, tous les gens politiques qui connaissaient bien les choses le savaient. C'est vrai que ce débat est une catastrophe. Et donc, l'électeur ne le savait pas. Ouais. Moi, je le savais depuis longtemps qu'elle n'avait pas le niveau. Mais l'électeur ne le savait pas, lui. Mais moi, j'ai l'honnêteté de te dire que je l'ai surestimé aussi. Je n'aurais pas cru qu'elle puisse être aussi mauvaise. Ah, moi, je ne pensais pas que ça puisse être une catastrophe comme ça. Ouais. J'ai regardé le débat intégralement, donc j'ai beaucoup souffert. Catastrophique à tous les niveaux, sur le fond et sur la forme. D'abord, tactiquement. Alors ça c'est la faute des deux camps, parce qu'il y avait les philippotistes, hein, les frères Philippou, mais il y avait aussi Philippe Olivier et les durs, hein. Tous sont coupables. Philippe Olivier et d'autres ont commencé à faire croire à dire à Marine, enfin pas à faire croire, à dire à Marine Le Pen, il faut taper dedans, il faut lui rentrer dedans, Macron, il faut l'attaquer à fond. Pourquoi? Parce que Macron avait laissé entendre tactiquement quelques jours avant que si ça se passait mal avec Marine Le Pen, il quitterait le plateau. Il n'en avait évidemment jamais eu l'intention, mais c'était un piège. Donc, c'est un bluff, et... voilà, pour pousser la faute. Et Philippe Olivier et d'autres ont dit à Marine, vas-y à fond. Et puis, autre problème, les philippotistes ont dit il faut taper sur l'euro, il faut taper sur l'économie, c'est le banquier, etc. Donc, va l'attaquer là-dessus. Et ils ont fait préparer des fiches, etc. Alors, elle a eu d'autres conseils. Des conseils de grands ténors de la droite, des gens qui sont très surprenants, je ne peux pas les nommer, parce que je me suis engagé auprès des informateurs à ne pas le nommer, mais des gens de droite classique, hein, ex-UMP ou encore UMP, qui ont fait des entretiens téléphoniques ou physiques avec elle pour la présidentialiser. Donc, lui dire comment il va se comporter, etc. Sauf que les Philippe ont commencé à dire « Il ne faut surtout pas faire ça, c'est une catastrophe. Il faut être dans l'alternative. Il faut récupérer les voix de Mélenchon. » D'une certaine manière, elle a quand même été dans une position difficile. Parce que c'est à elle de trancher, c'est à elle d'analyser. Elle ne peut pas être Jean-Marie Le Pen et il était capable de trancher des positions. Marine Le Pen, elle n'a pas la capacité de dire « Voilà, moi quand tu m'invites là, moi je sais ce que je vais dire à peu près. Je me connais. » Je comprends. Et,
Et je c'est sais pas, comment... Si quelqu'un te dit, ah, tu vas chez Coinsano, dis ça, ça va pas t'influencer outre mesure. Parce absolument que tu pas, sur tes positions. Parce que moi, j'écouterai des conseils, évidemment. Oui, oui. Dire, il faut plutôt insister sur ça et je trancherai. Et je me ferai. Mais j'assumerai une position personnelle, complète. Oui. Marine Le Pen a paniqué, en plus. Le matin, il y a Le Monde 2, un article dans le revue Le Monde 2, hein, Le Monde du vendredi. Il raconte toute la journée de Marine Le Pen, un peu à la veille, catastrophique. Ouais. Première faute de Marine Le Pen. Elle est allée voir un comité africain Théodule la veille du débat. C'est-à-dire quand il fallait prendre 3 jours de repos. D'accord. Voilà. Elle a été à 10h, 11h du soir voir un collectif de 15 Africains. Pourquoi a-t-elle fait ça? Parce qu'il fallait montrer qu'elle n'était pas raciste, pour leur promettre 15 milliards d'euros à l'Afrique par an, alors qu'elle dénonçait 9 milliards d'euros que l'Union européenne coûtait prétendument à la France, sans prendre en compte les avantages aussi de l'Union européenne. Donc, 15 milliards d'euros à l'Afrique, c'est pas grave. 9 milliards de l'Union européenne, c'est scandaleux. Voilà le discours qu'elle a envoyé. Donc, en plus, elle s'est épuisée pour un collectif bidon qui lui a apporté que dalle, aucune voix significative. Donc, elle n'a pas préparé son débat. Le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme n'a pas travaillé, n'a pas préparé ses cours, il va bluffer. Quand une femme n'a pas préparé ses cours, elle panique. J'y peux rien, c'est souvent une réalité. Et Marine a paniqué complètement. Les femmes improvisent moins bien, en général. Non, mais elle ne savait pas où elle était. Elle s'est dit, putain, c'est une catastrophe. Je vais me faire défoncer. Ouais. Je ne suis pas prêt. Elle a quasiment perdu la vue. Elle a fait une crise de... Mais attends, tu dis ça par rapport à... C'est raconté dans l'article complet. D'accord, mais quelle est la stabilité de ce... Ça a été plus ou moins confirmé par d'autres gens. Mais là, c'est un article qui n'a pas été contesté. Elle n'a pas porté plainte contre l'article. Elle n'a pas dit que c'était faux. Il y a des témoignages, c'est elle a fort, fait. Là, c'est somatisé à fond. Elle a ce qu'on appelle une hystérie, une crise d'hystérie. Une crise d'angoisse. Pas complète, donc qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Ouais. Alors, est-ce qu'elle a pris des médicaments, est-ce que, etc. Après, j'en sais rien. Ce qui fait qu'en tout cas. On aurait dit qu'elle était droguée, vraiment. Oui, et dans le débat, elle était catastrophique. C'est-à-dire, d'abord, elle est allée, première erreur stratégique importante dans le débat, elle va sur le terrain de son adversaire. Quand on mène un combat, on amène l'adversaire sur son terrain, on ne va pas sur le terrain où l'adversaire est plus fort que soi. L'euro. On l'attaque pas dessus, c'est pas la peine. C'est un économiste, un banquier. Les histoires d'entreprise, Alstom et compagnie. Surtout qu'elle ne maîtrisait pas du tout les sujets. Il y a aussi le rôle des animateurs, qui orientent dès le début sur l'économie. C'est à elle qui pouvait imposer les sujets. Ouais. Elle pouvait dire je ne veux pas parler de ça. Elle pouvait donner la grandeur au débat. Ouais. Dépasser ça par une perspective, une vision. Écoutez, voilà, la France demain, c'est quoi? Bah oui. La France n'a pas été évoquée, ni l'Europe, quasiment dans le débat. L'euro, est-ce que c'est le problème numéro un? Est-ce que l'Union européenne est la cause de tout? Macron l'a massacré. Ouais. En plus, elle ne maîtrisait pas ses dossiers. Elle avait c'était un bordel sur la partie du pit qui était de son côté. Elle avait des feuilles dans tous les coins. Elle ne s'y retrouvait pas. Elle montre un papier à Macron. De, regardez, on est à la télé. Ouais. Regardez un machin truc, ça n'a aucun impact. Ouais. Alors, quand elle a commencé à voir qu'elle n'y arrivait pas, elle est partie en live complet. Et alors, à la fin du débat, c'était des grands gestes. Du délire. J'en ai des frissons parce qu'elle portait, qu'on le veuille ou non, elle portait symboliquement nos idées. Et c'est comme si nos idées avaient été détruites. C'est ce qu'a pensé Marion. Marion a tenu une heure. Et au bout d'une heure, elle a quitté la salle de transmission du débat dans le Sud. D'accord. Marion n'a pas dû. Elle aurait dit un Le Pen ne gagnera jamais les élections. D'accord. Ça fait partie du processus qui l'a amené à quitter la politique. D'accord. Et d'autres étaient catastrophés. Moi, je n'attendais rien, puisque pour moi, elle n'était pas de mon camp. Mais j'ai été sidéré par son niveau. Je savais que c'était son niveau réel. Alors, il y a des gens qui sont au Front National aujourd'hui, des conseillers, pas des conseillers directs de Marine, mais des gens qui sont importants, et qui ont dit à des amis ou à moi ou à d'autres que Marine Le Pen, ce jour-là, avait été conforme à ce qu'elle est. D'accord. Qu'ils la connaissaient bien, que c'était du Marine Le Pen. Voilà. Mais tout de même... Mais elle l'avait caché parce que Marine Le Pen est avocate. Il y a des interventions de télé où elle oui, elle parce était que bonne, Marine Le Pen même. Est avocate. Oui. Qu'est-ce que l'avocat? C'est celui qui joue la défense. Oui. Elle est bonne en défense. Parce que quand on la traite de nazie, de raciste ou tout ce que là, elle est très facile, qu'elle argumente très bien pour dire c'est pas vrai, vous êtes... Voilà. En défense, elle est bonne. Oui. Ce qu'a fait Macron est beaucoup plus vicieux et subtil. Il dit, mais Marine Le Pen, moi je vous diabolise pas, j'écoute vos propositions. Quelles sont vos propositions? Et la catastrophe. C'est ça. C'est ça la subtilité. Macron a travaillé, il a bossé une semaine avant le débat, il a arrêté tous les meetings, une semaine à fond. Il a eu toute une équipe autour de lui. Il a bossé. Comment on peut la piéger? Qu'est-ce qu'on peut dire? Etc. Mais il n'a pas du tout pris à la légère. Non, pas du tout. Il a pris le débat parce que d'abord lui-même n'a pas le niveau qu'on lui prête. Il n'est pas si fort que ça. Mais il a été très bon parce que d'abord elle a été très mauvaise par comparaison et parce qu'elle n'a pas attaqué là où il fallait. C'est pas le banquier Macron, il est banquier alors. C'est pas un crime d'être banquier. Oui. C'était sa stratégie, elle l'a appelé ministre parce de l'économie. Que Philippot lui a dit tu vas récupérer des voix de Mélenchon, mais comment on peut dire une connerie pareille? C'est clair. Mais pourquoi il Quelle dit ça? Parce qu'il y croit lui. Parce que lui il pense qu'il est comme Mélenchon. Il a pas compris que l'électorat de Mélenchon, l'ouvrier qui vote qui est anti-immigration, il vote déjà FN. Oui. L'ouvrier qui vote Mélenchon,
D'abord, c'est pas un ouvrier, c'est un bobo ou c'est un immigré. C'est pas un ouvrier. Il n'y a plus d'ouvriers chez Mélenchon. Quasiment plus. Donc, de toute façon, l'électorat de Mélenchon, bien sûr, il y a quelques-uns qui sont paumés entre les deux votes. Ça peut arriver, mais enfin, c'est négligeable. Elle n'a envoyé aucun signe à la droite. Il y avait tout l'électorat de Fillon qui attendait des signes. D'ailleurs, au-delà de ce débat, elle a fait un appel à l'électorat à gauche, de Mélenchon. Mais pas à droite. Rien à droite. C'est incroyable. Alors, pourquoi ? Parce que d'abord, elle n'aime pas la droite. Elle avait dit à Robert Ménard dans un séminaire vous, la droite, mais je ne connais pas la droite, je ne sais pas ce que c'est la droite, moi. Marine Le Pen. Elle n'a pas de connaissance de ce milieu-là. Elle est très anti-cato. Peut-être plus anti-cato que moi, ce qui est un exploit. Ouais. Parce que moi, je ne suis pas anti, je suis chrétien. D'accord. Parce que je ne me définis pas par mon adversaire. Celui qui est anti, il se définit par celui qui combat. D'accord. Moi, je suis neutre dans ce sujet, je me définis par moi-même. Je n'ai pas besoin d'un adversaire pour me définir. Donc, Marine est très anti-cato, elle ne sait pas parler à ce milieu-là. Elle ne voulait surtout pas que Marion se mette en avant. Il y avait une phobie de un petit peu le principe comment ça s'appelle ce monde Cendrillon hein, c'est-à-dire la reine veut surtout pas que Cendrillon soit devant les écrans quoi. Donc il y avait une rivalité réelle univoque, c'est-à-dire que c'était que de Marine vis-à-vis de Marion. Marion n'a certainement jamais ambitionné à mon avis de remplacer Marine. Mais Marine elle a peur que Marion la remplace, ça c'est sûr. Alors, ce n'est pas toujours vrai. Leur relation pouvait être compliquée. Et Philippot, évidemment, attisait certainement cet aspect-là. Il devait être un petit peu comme Loki aux oreilles d'Odin, essayer de susciter un petit peu des querelles. Et donc voilà, Marine Le Pen s'est révélée telle qu'elle était, sauf que ce n'est pas devant moi qu'elle l'a montrée, c'est devant 17 millions de personnes. Et que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont ambition encore de voter pour elle, mais en sachant qu'ils voteront pour elle par défaut. Mais alors justement, et pas par conviction. Bon, si on considère que Marine Le Pen est un poids pour nous et nos idées, comment faire pour qu'en 2022, parce qu'elle est partie pour alors, remettre le couvert. On va hein. être très clair là-dessus, elle n'a pas d'adversaire en congrès interne, elle sera donc présidente du Front National en mars 2018 à nouveau, donc, c'est certain. Donc candidate en 2022. Donc naturellement candidate en 2022. Terrible. Elle a d'ailleurs laissé entendre qu'elle ambitionnait d'être candidate en 2022. Donc c'est sûr, la marche est lancée, comment on peut l'empêcher ? Alors, en interne, peut-on l'empêcher ? Non. On ne peut pas l'empêcher. Ce n'est pas Nicolas Bay qui va prendre des risques. Ce n'est certainement pas les autres. Tout le monde, à mon avis, tous les autres, ils pensent ce qu'on pense là. Hein. Ce que je dis là, à mon avis, tous ou presque, ils le pensent. Sauf Alioub et quelques autres. Et encore, je pense qu'ils le pensent tous. Ils savent qu'elle est finie. Et en privé, ils le disent. Hein. Ils disent Marine Le Pen ne gagnera jamais, etc. Ils savent. Sauf que c'est un parti qui marche avec le principe du chef. Et on ne peut pas la déboulonner. Les statuts du Front ne permettent pas de la déboulonner. Alors, elle peut faire des bêtises. Si elle tue le Front National pour changer le nom. Alors ça, c'est très important. Soit elle fait du cosmétique. Elle change le nom du Front National, mais en gardant les statuts. Bah là, ça ne changera rien. Ça sera toujours un Le Pen à la tête du parti jusqu'à ad vitam aeternam. En 2040, il y aura encore Marine Le Pen ou Olympe Le Pen ou je ne sais pas qui. Bon. Si, en revanche, elle change les statuts pour ouvrir à la démocratie interne, elle est morte. Et c'est peut-être ce qu'il faut qu'elle fasse pour nous sauver. Son sacrifice sera remercié. Malheureusement, je pense que le Front National, même sous un autre nom, n'est pas la solution. Je pense qu'il n'y a pas de solution nationale. Et donc, de toute façon, ça serait bien d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate, mais pour permettre l'émergence de tout à fait autre chose. Comme la ligne que je défends, par exemple. Tout à fait, J'ai vraiment été choqué que... Bon, par exemple, Jospin, il a eu cette dignité de partir lorsqu'il a perdu, il n'est pas passé au second tour. Et moi, j'étais persuadé que Marine Le Pen, quelques semaines après cet échec, en se revoyant elle-même, allait avoir la sagacité de se dire je ne peux pas survivre à ce déshonneur. Elle a dû réfléchir beaucoup quand même. Elle a peut-être pensé arrêter, mais c'est là que le système Le Pen existe et prend le relais. Moi, je connais quelqu'un qui a été garde du corps, par exemple. Je ne l'aimerais pas, bien sûr, mais il était garde du corps de certaines personnes. Et il me disait, mais Marine Le Pen, elle va faire du Le Pen, c'est-à-dire maintenant, elle est députée, elle est machin, bah, elle va faire du pognon. C'est rentable. Jean-Marie Le Pen est devenu très riche grâce au Front National, quand même, il faut le savoir. Alors, grâce à l'héritage Lambert, etc. Mais tous les mandats qu'il a pu avoir, etc. C'est rentable. Aujourd'hui, le Front National n'est peut-être pas capable de gagner, mais il est capable de faire entrer des députés européens, quelques députés nationaux, des postes de conseillers régionaux, etc. C'est absolument terrible ce que tu dis. C'est qu'en fait, finalement, eux, ils savent que c'est foutu, mais ils continuent pour la. Eux, ils voudraient bien s'en débarrasser de Marine, mais ils peuvent pas, ils le savent. Ils ne vont pas prendre de risques parce qu'il y a des places où, quand même, derrière, il y a de la carrière et du pognon. Mais c'est catastrophique. Il y a encore récemment des scandales là, qui ont été publiés dans Le Monde. Attends, il y a un bonhomme, là, c'est le gynécologue de la famille Le Pen. Et le gynécologue des filles Le Pen, il est conseiller régional Front National.
C'est sympa d'être gynécologue de la famille Le Pen. Par contre, je veux savoir si les chiens ou les chats de Marine vont être candidates aux élections. Ça, c'est une question qui m'intéresse. Je ne sais pas, peut-être que le portier de nuit qui ouvre la porte de la voiture peut être conseiller régional. Alors, évidemment, il y a ça, mais il y a les maîtresses de machin, les bidules de trucs. À un moment donné, il y avait toute la petite. Tous les suivants d'Henri III, là. Oui. Donc, il y avait Henri III de Forbach. Et Henri III de Forbach, là où il est candidat Philippot, c'est pour ça. Ah, voilà. Et donc il avait toute sa suite, et toute sa suite se retrouvait conseiller. En Lorraine, nous, on a une infestation de conseillers régionaux philippotistes qui sont partis là, mais voilà, et puis qui faisaient la terreur à l'intérieur de. Mais je crois qu'on a bien compris ton idée, que c'est de créer un parti. Mais l'idée, c'est quand tu l'as créé. C'est ce que disait un certain Bardèche, même si je ne me réfère pas à ce qu'il a pu écrire sur d'autres sujets, mais il disait le dépassement du nationalisme, seuls les nationalistes peuvent le faire. Ça veut dire qu'il fallait passer au nationalisme européen. Le problème, c'est qu'en 50, 60, 70, toute la droite nationale était pro-européenne. Oui. Et il suffit de penser aux travaux de Dugrès et de la Nouvelle Droite, Alain de Benoît et compagnie. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et malheureusement, les Maigret et le Gallou, moi je les ai invités parce qu'on a perdu des décennies. Ils sont quasiment en fait, pro-européens comme moi, presque. Ouais. Ils trouvent que je vais peut-être trop loin ou que je suis peut-être un peu utopiste, mais parce qu'ils sont des vieux routiers de la politique. Mais le discours anti-européen, c'est vraiment Jean-Marie Le Pen, mais surtout Marine. Mmh. Marine Le Pen, c'est vrai, et elle n'est pas la seule, hein, parce que l'europhobie UKIP en Angleterre. Mais par exemple, le FP autrichien n'est pas du tout europhobe. Oui, oui, oui. Orban n'est pas europhobe. Et ça les empêche pas d'arriver au pouvoir. Wilders est vraiment europhobe. Mais l'AFD allemande est moins europhobe qu'avant. L'europhobie au sens strict, c'est vraiment la France. Mais justement, ma question suivante, c'est est-ce que Marine Le Pen et son entourage n'est pas influencé outre mesure par la dissidence Internet ? Soral, mais pas que lui. C'est-à-dire vraiment, parce que l'europhobie est très présente sur Internet. Sur YouTube, ça buzz. Asselineau, ça buzz. Soral, ça buzz. Soral, ça buzz. Et d'autres encore. Donc elle se dit, en fait, le peuple veut vraiment sortir de l'Europe. Non, donc voilà. Je ne crois pas qu'elle ne s'intéresse à eux. Je pense qu'elle ne s'intéresse pas du tout à eux. Ah oui. Honnêtement, non. Je pense d'ailleurs qu'elle donne très peu de temps politique personnel le week-end et tout ça. Donc, à mon avis, elle n'a pas le temps d'aller regarder tout ça. Et honnêtement, hein. Et je pense simplement que non, mais ça la dépasse. De l'esca, on a l'impression que le week-end, elle fait je ne sais pas quoi. Non, mais je pense. Attendez, elle a trois enfants, qu'elle essaie de voir quand même un peu. Elle a un compagnon, elle a une maison dans le sud-ouest, elle a une vie normale. Et je peux comprendre. Hein, la politique, ça m'occupe quasiment tout mon temps de cerveau. Oui. Ça m'arrive quand même de regarder des films ou voilà, deux trois trucs, mais. C'est normal, c'est humain d'ailleurs. Hein. Oui. Je veux dire, le problème, c'est que Marine Le Pen, la politique, elle en fait de la politique politicienne tous les jours. Hein. Elle est dans les meetings, etc. C'est épuisant quand même, il faut être honnête. Donc, à mon avis, elle n'a pas envie le week-end de se foutre de la politique en prime. Hein. Elle en fait déjà assez toute. Même si ce n'est pas la politique que j'aime, hein. Elle est gérer un parti, etc. C'est un vrai travail quand même. Oui. Donc, j'analyse, un, les positions, deux, la réalité du terrain. C'est-à-dire la réalité que Marine Le Pen n'a pas le niveau, elle n'y peut rien, c'est comme ça. Elle le sait sans doute d'ailleurs, mais à ce moment-là qu'elle assume ce que ça veut dire. Le problème, c'est que tu vires Marine Le Pen, tu mets qui ? Oui. Parce que le drame, il est aussi là. C'est OK, Marine Le Pen dégage. Philippot, il n'est pas crédible. Je lui disais, Philippot n'est pas capable de remplacer Marine Le Pen là-dessus. De toute façon, il est plus. Il est grillé. Ouais. Nicolas Bay n'a pas le niveau non plus. C'est quelque un garçon qui est intéressant, qui n'est pas europhobe, mais il n'a pas Ravier, le niveau. Ravier, que penses-tu de Ravier, Stéphane ? Non, c'est. De toute façon, comment veux-tu ? Des gens. Le Front National est un parti qui fonctionne avec la génuflexion devant le chef. Des gens qui sont capables d'accepter de se renier en permanence pour ne pas perdre leur place, etc. Comment veux-tu que demain. Une chèvre ne devient pas un cheval de course ? En fait, sur moi-même, on a une forte personnalité qui détruit. Tu peux pas, il faudrait de l'entrisme, mais l'entrisme est impossible. Ouais. Tu peux pas faire de l'entrisme parce dans le parti nord-coréen. C'est ça. Mais tu dois te compromettre pour monter. Ouais. Et en plus, tu dois faire partie de la sphère des amis. Je veux dire, regarde le poids de Lousteau et Chatillon. On pourrait dire, ils sont à peine, mais Chatillon n'est même pas adhérent. Bon, après, moi, j'ai pas d'inimitié contre ces personnes, je les connais pas personnellement, j'ai rencontré Lousteau une seule fois dans ma vie. Mais ce sont des amis de Marine Le Pen. Oui. Leur place au Front National, leur poids. Et uniquement dû à leur amitié avec Marine Le Pen. Amitié très longue, d'accord, très forte. Après, elle en est otage aussi, d'une certaine manière. Et c'est bien naturel, parce que même ils, ça va dans les deux sens, connaissent beaucoup de choses. Et ils ont raison. Enfin, je dirais, ils ont parfaitement raison. Ils jouent bien leur jeu. Ouais. Maintenant, la question qui se pose, et ce n'est pas à eux que je la pose, c'est à, d'une certaine manière, Marine Le Pen, c'est est-ce que vous faites de la politique pour les autres ou est-ce que vous faites de la politique pour vous ? Ouais. Malheureusement, je pense qu'elle fait la politique pour elle. Elle est largement suivi par une grande partie des cadres de son parti. Oui. Moi, j'ai la chance de, pour le moment, d'être indépendant financièrement par rapport à la politique. D'accord. Elle vit grâce à ça. Les autres vivent grâce à ça. Demain, tu es conseiller régional, tu perds tout.
C'est des gens qui ont des enfants, ils sont mariés, c'est l'humain là-dessus qui est important. Donc le problème de Marine Le Pen, c'est simplement elle n'a pas le niveau, il faut donc qu'elle se retire. Mais qu'elle se retire complètement et surtout qu'elle permette l'émergence de nouvelles personnes. Mais les personnes qui constituent actuellement le Front National, à mon avis, n'ont pas la possibilité de la remplacer, ils n'ont pas le niveau. Ceux qui pouvaient, Maigret et les autres, ils sont trop vieux, c'est fini, ils sont grillés par le temps, ils sont, même s'ils sont des gens de grande valeur, on ne revient pas dans les pots qui ont été abandonnés. Bien sûr. C'est comme ça. Donc, oui, il faut empêcher Marine Le Pen d'être candidate présidentielle de 2022. Est-ce qu'on est aujourd'hui capable de l'empêcher ? Non. Est-ce qu'on peut le faire en faisant de l'entrée sur le Front National ? Non. Donc, il n'y a qu'une seule solution pour empêcher Marine Le Pen, c'est la surclasser. C'est réussir, malgré tout, à émerger, malgré ce contexte terrible d'europhobie, malgré le fait que le Front National, aujourd'hui, apparaît pour beaucoup de gens comme le seul recours, essayer de réussir à émerger. Un discours alternatif de droite. Et le faire gagner. Mais pas le côté les amoureux de la France, comme ce que essaie de faire Dupont-Aignan et d'autres. Alors ça m'amène à la question suivante. Bon, le Front National, c'est la partie visible de l'iceberg. Et en dessous, il y a tous les leaders d'opinion Internet qui d'ailleurs te critiquent beaucoup. Si ils me critiquent beaucoup, c'est qu'ils s'intéressent à moi. De manière inversée. C'est déjà bien. Bon, ils te font la critique classique qu'on fait en général aux identitaires, qui est de dire il dit pas du mal des juifs, donc il est pro-juif, donc c'est pas sérieux. C'est un sujet extrêmement délicat que tu abordes là. Oui, non, mais c'est. Moi, je vais dire les choses clairement. Moi, je suis eurocentré. Ça veut dire que m'intéresse uniquement l'intérêt des Européens. Et dans ce cadre, toute alliance, quelle qu'elle soit, toute convergence qui mène à améliorer la défense des Européens est bienvenue. Si des gens de cette confession ont pris conscience que leur avenir est lié au nôtre et que leur destin est aussi sinistre que le nôtre si rien ne change, on ne va pas leur dire du mal, on ne va pas leur taper dessus, alors qu'ils ont compris. Ok, ils ont peut-être mis du temps à comprendre. D'accord. Et alors, principe de réalité. Aujourd'hui, il y a des gens qui comprennent. Eh bien, moi, je dis tant mieux. On ne va pas commencer à leur dire c'est trop tard, etc. Ça s'arrête là. Moi, je n'ai pas d'inimitié de principe contre qui que ce soit, de toute façon. Je n'ai pas d'ennemis obsessionnels qui expliqueraient tout, tout viendrait de certains, etc. Moi, je dis simplement, aujourd'hui, il y a des convergences qui existent et il y a aussi des mythes là-dessus. Notamment, on en parlait un petit peu avant de préparer l'émission, la question du double standard. Souvent, la critique que font Soral et les autres des Judéens, c'est de dire ils sont patriotes en Israël et ils sont cosmopolites en France. Ce n'est pas vrai. Cela n'existe pas. C'est-à-dire, celui qui est patriote, il est patriote partout. Et celui qui est cosmopolite, les BHL et les autres, eh ben, il est partout. Qu'est-ce que veulent les Attali, les BHL et compagnie et la plupart des juifs de gauche américains ? Deux États. Ils veulent une Palestine, Israël. Ils sont les premiers à dire que c'est normal qu'il y ait 20% d'Arabes palestiniens qui aient la citoyenneté israélienne. Etc. C'est-à-dire qu'ils interdisent au peuple judéen d'être souverain et seul sur sa terre. Pour toi, le fait qu'un juif soit de gauche pour la France et d'extrême droite pour Israël est un mythe. Oui, peut-être des cas tordus. Il y a toujours des cas tordus, mais oui, ce ne sont pas les mêmes. Ce qui semble te donner raison, c'est par exemple Netanyahou qui prend la défense d'Orban. Face à la propagande face de Soros. À Soros, tout à fait. Un très bel exemple, il suffit de prendre Lieberman, à Avigdor Lieberman qui est très pro-russe. La position de Poutine là-dessus n'est pas du tout obsessionnelle. Au contraire, il ne fait pas du Staline. Et Poutine, il n'a aucun souci à aller à la synagogue de Moscou. Ça ne pose pas de problème. C'est sain. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème dans ces milieux nationalistes et autres là-dessus ? C'est la rivalité mémorielle. C'est-à-dire que moi, qui suis païen, c'est-à-dire qui crois aux anciens dieux européens et pas du tout aux crucifiés, comme la phrase de Nietzsche que j'aime bien en ce moment, c'est Nietzsche qui dit « nous croyons en l'Olympe et pas aux crucifiés », n'est pas antisémite, parce que l'empereur Julien ne l'était pas. Ça ne veut pas dire qu'il les adulait, mais il a même voulu reconstruire le temple de Salomon parce qu'il pensait qu'il fallait fermer l'abîme. C'est-à-dire qu'il fallait que chaque peuple, y compris les Judéens, ait leur terre, bien à eux, avec leur temple, etc. Ce qu'on leur refuse. Aujourd'hui, demain Israël veut reconstruire le temple de Salomon, ils auront la communauté internationale contre eux. Moi, je suis assez favorable à ce qu'ils le reconstruisent. Mais s'ils font ça, évidemment, ça détruit les restes de la mosquée Al-Aqsa et compagnie, et ça devient un épouvantable crime aux yeux de toute la communauté musulmane internationale. Mais si Israël va au bout de son équation, c'est la reconstruction du temple, c'est la recréation des prêtres, les Kohanim, Kohanim, pluriel. Les Kohanim, ce sont les prêtres. Il faut qu'Israël retrouve des prêtres. Parce que le rabbinat a une des grandes causes de malheur des Judéens. Le rabbin s'est substitué au prêtre. Il faut que le prêtre reprenne sa place. Et donc, en Israël, maintenant qu'il y a la reconstruction de cet État, eh bien, il faut restituer un corps de prêtre. Oui.
Ça, c'est quelque chose qui est assez audacieux, je pense, et qu'on n'entendra pas souvent, dans nos milieux en particulier. Mmh. Je pense également que donc, le chrétien a un compte à régler avec le judéen. Oui, ce que tu me disais au téléphone. Voilà, parce que mais ça, c'est d'abord, c'est avéré, hein, ce qu'on appelle le virus Israël contre le vétus Israël. Le vétus Israël, le vieux Israël, c'est Israël, donc qui est saint jusqu'à Jésus, et diabolique à partir du moment où Jésus n'a pas été reconnu comme le Messie. Et qui est donc un peuple déicide à partir de ce moment-là, puisque n'ayant pas reconnu Jésus, ils ont causé sa mort. Ils ont refusé de reconnaître le Messie. Donc ça, c'est une... Et le virus Israël, c'est l'Église, qui est héritière réellement des anciens judéens. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que l'Église se réclame des anciens judéens, mais condamne les judéens modernes. Oui. Voilà. Par cette rivalité mémorielle, et en fait, ils se sentent honteux. C'est-à-dire qu'ils sont des vassaux en religion d'une famille qu'ils méprisent. C'est ce que disait Renan. Hmm. Les chrétiens sont les vassaux en religion d'une famille méprisée. En fait, tu dis que les nationaux catholiques français sont centrés sur la question juive. Si j'étais méchant avec eux, pour moi, les nationalistes anti-ISM français sont des sous-judéens. D'accord. Oula, bah, ce sont des gens qui sont inférieurs pas te faire des aux judéens parce qu'ils pensent par rapport à eux. Je mettrai un intertitre. Et ils ont honte. Les propos de l'invité n'engagent que lui. Voilà. J'ai peur. Ils ont honte de pardon. Même. Oups. Ils ont honte d'eux-mêmes. S'ils étaient fiers d'eux-mêmes, ils diraient que cette religion ne nous concerne pas. Et ils assumeraient un paganisme pur et dur. Mais dans ce que tu me disais, moi, ce que je trouve le plus fou, c'est que tu me disais qu'il y avait des figures d'extrême droite qui n'étaient pas croyantes, mais qui le devenaient. Oui. Parce que c'est comme si les chrétiens détenaient le sceptre de l'antisémitisme. Il faut devenir cathotradie, parce que c'est là où on est naturellement sur cette ligne-là. Un païen, et certains le disent, les païens sont les alliés des judéens, etc. Ouais. C'est normal, nous défendons des religions ethniques. L'hindouisme est une religion ethnique. On ne peut pas devenir hindou. Mmh. Demain, tu vas aller voir des brahmanes et tu vas leur demander si bonjour, tu peux devenir brahman. Bonjour, puis-je être hindou? Oui, bah, un petit peu comme ça. Ouais. Je suis intéressé par votre spiritualité, etc. Ouais. Je voudrais la partager. Et qu'est-ce que disent les brahmanes? Ils l'ont dit à Alain Danielou, par exemple, et à d'autres. Vous avez votre propre religion, le paganisme. Tournez-vous vers vos dieux. Pourquoi essayez-vous d'aller voir nos dieux à nous? Allez voir les vôtres. Mmh. Vous avez les mêmes chez vous. Mmh. Ça, c'est la vraie tolérance et l'intelligence. Mais ils refusent la conversion. Les Zoroastriens qui sont un peu en Iran et surtout en Inde, les Parsis, on ne peut pas se convertir. On ne peut être Parsi que parce que nos deux parents sont Parsis. C'est une religion qui ne valorise pas le mélange. C'est une religion ethnique, identitaire. Oui. Or, l'hindouisme et le zoroastrisme sont les deux derniers survivants de la tradition indo-européenne, la tradition indo-européenne aryenne, qui est celle de l'Europe aussi. Oui. Ça prouve bien que le paganisme est une religion identitaire ethnique. Contrairement au christianisme et à l'islam, qui sont des universalismes qui veulent convertir l'autre. Le judaïsme, d'ailleurs, non plus, sauf certains courants prosélytes, mais normalement, ne cherche pas à convertir. Et devenir juif, c'est très difficile, normalement, en religion. Il faut se faire rejeter 7 fois par le rabbin. Enfin, il y a tout un rituel extrêmement compliqué. Et tous les courants ne le reconnaissent pas. Certains de nos courants judéens durs considèrent que ce ne sont pas des vrais. Ouais. Donc, il y a vraiment... c'est pas une religion qui cherche à convertir les gens. Le christianisme dispose d'une vérité révélée. L'islam, c'est le texte même de Dieu qui a été révélé via l'ange Gabriel à Muhammad. Et donc, ils ont la vérité. Ouais. Si eux ont la vérité, ceux qui ne la partagent pas sont des menteurs et ce sont des gens nocifs. Donc, on doit les tuer ou on doit les convertir. Ouais. Le christianisme est imposé aux païens par la conversion, par la violence, par la persécution. Ce qu'on ne dit jamais, on pense, oui, les martyrs chrétiens. Non, les chrétiens qui étaient tués dans l'Empire romain l'étaient pour des raisons politiques. C'est-à-dire que les mecs, ils refusaient d'honorer l'empereur, ils refusaient de respecter la loi, de faire le service militaire, etc. Donc, ils allaient devant le juge. Et devant le juge, ils disaient, nous, de toute façon, si on meurt, on venira auprès de Dieu. Ils faisaient la provocation. Donc, le juge romain, il essayait de leur sauver la vie au début. Mais quand on a des fanatiques complètement tapés en face qui disent, de toute façon, moi, si je meurs, je vais directement à côté de Dieu. Ben, si vous voulez mourir, vous mourrez. Et puis voilà, on les envoyait dans les mines, et rarement devant les lions, ça c'est encore une légende. Mmh. En fait, les chrétiens étaient envoyés dans les mines de sel, où évidemment, c'était pas un sort très, très, très enviable. Oui. Il y a eu très peu de persécutions en réalité, et c'était pas des persécutions, c'était des actions politiques. Ils avaient les mêmes problèmes chrétiens dans l'Empire romain que les musulmans en France. C'est-à-dire qu'ils sont dans une société qui a des valeurs, et leurs valeurs sont différentes. Et ben, ça se passe mal. Mmh. Ils veulent que leurs principes religieux s'imposent à l'Empire romain. Alors, ils ont fini par gagner par la trahison de certains empereurs romains, mais ça a été trois siècles de confrontation. Oui. Et donc les chrétiens pleurnichent en disant nous sommes persécutés, les martyrs, et ils arrivent au pouvoir, et qu'est-ce qu'ils font? Ils persécutent tout le monde. Mais la différence, c'est qu'ils ne persécutent pas les gens parce qu'ils ne respectent pas les lois. Oui. Ils persécutent les gens parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Mmh. Vous devez devenir chrétien. Si vous ne devenez pas chrétien, on vous tue.
On brûle les textes. Les premiers autodafés dans l'Antiquité, c'est les chrétiens, c'est pas les nazis qui ont commencé à brûler les livres. C'est bien les moines chrétiens qui descendaient des monastères, piller les temples, détruire les statues et brûler les parchemins. Alors bien sûr, on nous dit oui, mais l'Église, elle a sauvé les textes antiques. Oui, c'est-à-dire que ce que les moines chrétiens n'ont pas détruit, deux siècles après, il y a des moines chrétiens qui ont sauvé les textes et qui les ont repris. Bien sûr, c'était des gens qui avaient un esprit philosophique, comme Saint Augustin. Non, mais c'est simplement que c'est pas la même époque. Oui. Au IVe siècle, on détruit le paganisme. Au VIe siècle, les chrétiens eux-mêmes essaient de le sauver. C'est le paradoxe, mais c'est parce que la civilisation européenne gréco-romaine était admirable et que les chrétiens, à un moment donné, se sont dit c'est magnifique, on ne peut pas se passer de ça. Sauf que pendant deux siècles, ils avaient tout détruit. Oui. Donc le drame, l'islam, c'est pareil. L'islam s'est imposé aux Égyptiens partout. Il a tout balayé devant lui. Oui. Ce sont des religions naturellement portées au prosélytisme, donc à la conversion forcée. Oui. Parce que quelqu'un normal, à mon avis, ne peut pas devenir chrétien ou musulman. C'est très méchant ce que je dis là. Les gens héritent du christianisme en France aujourd'hui. Oui, ça, on hérite toujours de sa religion. Et on ne peut pas les blâmer. Mmh. Mais ce que je vais là-dessus, c'est que moi, il y a des faits historiques. Ces faits historiques, il faudrait les répéter et les faire rentrer dans les cerveaux en permanence. Alors moi, il y a des gens qui me disent « Oui, mais Thomas, tu fais de la pleurniche. Mmh. Oui, les pauvres païens persécutés. Mais bon sang de bois, qui c'est qui a commencé le jeu ?» C'est quand même bien les chrétiens. Ouais. Qui c'est qui en permanence fait de la moraline, comme disait Nietzsche, et toujours la morale du ressentiment et la mauvaise conscience. Nietzsche a été extraordinaire dans son analyse. Qu'est-ce qu'il dit, Nietzsche? Il dit que la solution d'un faible par rapport au fort, c'est donner mauvaise conscience au fort. Et c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. C'est vrai que ça marche. La civilisation européenne, la plus grande civilisation de l'histoire, elle a prouvé son génie dans tous les domaines et elle a honte d'elle-même. Et maintenant, elle se fait bouffer parce qu'elle n'est pas capable de s'assumer. C'est bien la morale c'est bien la repentance. Mmh. C'est bien la morale du ressentiment. C'est bien la honte des forts. C'est le faible qui dit au fort, tu es raciste avec moi, tu devrais avoir honte. Et donc le fort a honte. Il dit, j'ai honte de ce que je suis et donc je vais me faire excuser, je vais me faire pardonner, je vais me dépouiller pour tout vous donner. Parce qu'après tout, En fait, finalement, pour toi, le prélude au gauchisme, ça a été le christianisme. Mais de toute façon, à partir du moment où tu renonces à tes dieux ethniques, pour prendre le dieu d'un peuple dont tu n'as pas beaucoup d'estime, tu cesses d'être un identitaire. Mmh. L'identitaire, c'est celui qui assume qui il est. Nietzsche dit « deviens ce que tu es ». Mais ça veut dire « n'essaie pas de devenir ce que tu seras jamais ». Pourquoi ces chrétiens veulent-ils être plus juifs que les juifs? Pourquoi veulent-ils être plus proches du dieu judéen, de Yahvé, que les yavistes eux-mêmes. Moi, je ne cherche pas à prendre les dieux des autres. Oui. J'ai mes dieux et ils ont le leur et ils ne me dérangent pas, ils ne m'agressent pas. C'est vrai que le problème, c'est que dans le milieu nationaliste, on a l'impression qu'on ne peut que être catholique, sinon, en fait, on prend un volet de bois vert. Ils confisquent le combat national. C'est une réalité, Le catholicisme est un pagano-christianisme et que ce qu'ils croient être chrétien est païen. D'accord. Les croisades, c'est du paganisme. Une région de guerriers, c'est le dieu Mars en armes. La Reconquista, c'est du paganisme. Les valeurs héroïques. Les chevaliers ont les valeurs héroïques. Le chevalier chrétien défend les valeurs héroïques, les valeurs d'Héraclès, d'Achille, de Romulus et de tous les autres. Donc la réalité des choses est claire. C'est les saints, ce sont des dieux cachés. Tout le monde sait que lors de la christianisation, on a déguisé les dieux sous le nom de saints. Là où il y a un Saint-Michel en France, c'est Belénos du Gaulois du Soleil. Un exemple, le Mont Saint-Michel s'appelle Tombelaine. Belaine, c'est Belénos, c'est le dieu du Soleil. Là où il y a Saint-Denis, en région parisienne, c'est un culte de Taranis. Là où la cathédrale de Chartres a été construite où ? Elle a été construite sur le sanctuaire des druides des Carnutes. Mmh. Et Notre-Dame de Paris a été construite certainement sur le sanctuaire de la déesse Brigantia, qui est l'équivalent de la Brigitte irlandaise, et qui est assimilée à Minerve. Oui. Il est probable qu'en dessous de la préfecture de police, ce soit le culte du Mars Camulus, de Camulus, du guerrier des champions des Gaulois. Le paganisme romain, un exemple encore, deux exemples, en Italie, tiens, en parlant d'Italie, le Panthéon est devenu une église, oui. Parce qu'on voit, nous on le restituera comme temple, mais la sainte qui est honorée au Panthéon s'appelle Santa Minerva, c'est la déesse Minerve. Il y a deux fontaines à côté, Santa Venera et Santa Venerina, Sainte Vénus et Sainte Petite Vénus. Mais qu'est-ce que ça cache? On a bien compris que c'est le culte de la déesse Vénus. Oui, oui. Le Vatican, ça vient du petit dieu du dieu romain Vaticanus, qui est le dieu qui veille à ce que les enfants nouveau-nés, puissent faire leur premier cri pour éviter de mourir. Oui. C'est le dieu Vaticanus. Mais écoute, ton diagnostic, d'accord, mais penses-tu que un retour au paganisme est vraiment possible? Un retour à la croyance païenne? Alors c'est très simple. Qu'est-ce que ça signifie être païen en 2017? Crois-tu vraiment à l'existence de ces dieux? Oui, moi j'y crois, mais je n'impose pas l'idée qu'ils croient. D'accord. Je pense qu'il est bon qu'il y ait des dieux, comme disait Sénèque. D'accord. Sénèque ne disait pas qu'ils existaient, mais que c'était bon qu'il y en ait. D'accord. On n'a pas la vérité, on ne sait pas s'il y a des dieux, pas des dieux, etc. C'est une espèce de pari pascalien, le païen pratique la religion du doute. Oui. Nous avons des dieux qui veulent que nous doutions d'ailleurs.
D'accord. C'est pas des dieux qui veulent des fidèles aveugles, pas du tout. Le dieu païen a un rapport avec le fidèle qui est absolument pas celui du chrétien ou du musulman ou même du juif. Oui. La façon de prier. Le chrétien prie à genoux devant Dieu. Mmh. Le païen prie debout. Mmh. C'est très différent. Il faut savoir que c'est très important ce que je dis là, ce qu'appelle la proskynèse, le fait de se mettre à genoux. Mmh. Ça vient d'Orient. Alexandre le Grand, au 4e siècle avant Jésus-Christ, a essayé d'exiger de ses soldats gréco-macédoniens qu'ils pratiquent la proskynèse devant lui, qu'ils se mettent à genoux devant lui. Et ses soldats ont refusé. Intéressant. Ça n'est qu'avec l'empereur Dioclétien, qui, bien que païen, à la fin de l'Empire romain, a obtenu que devant l'empereur, on se mette à genoux. Et les empereurs chrétiens et les rois ont continué sur cette rite. Donc devant Dieu et devant les rois, on se met à genoux. C'est une tradition orientale. Mm. Ce n'est pas une tradition européenne du tout. On prie les dieux debout. Les dieux sont plus puissants que nous. Ils sont immortels et éternellement jeunes. Mais ce ne sont pas des êtres, des seigneurs. L'Orient, le dieu chrétien, même les dieux orientaux, les Baals, Baal, le dieu Baal, ça veut dire le seigneur. Les Baalim, c'est les seigneurs. Il y a un rapport, malgré tout, même en mode polythéiste, en Orient, de soumission à l'égard de son dieu. Mmh. Par exemple, il y a un mot très beau en latin qui est comes. Comes, ça veut dire compagnon. Eh bien, on a beaucoup d'inscriptions, de pièces de monnaie où on voit par exemple Apollo comes, Apollo compagnon, Mars commerce, Mars compagnon. C'est-à-dire que c'est un ami. Bien sûr, il ne faut pas le vexer, il est plus puissant, il peut nous tuer, mais c'est un ami. Le rapport entre le fidèle et le dieu, c'est celui de l'amitié. Alors certes, on n'attend pas d'Apollon ou de Mars qui nous empêche de mourir. Les parcs, elles couperont le fil de la vie, et c'est le destin, et c'est comme ça. Mais ce sont des dieux qui nous rendent forts, qui nous accompagnent dans notre vie, et qui, comment dire, d'une certaine manière, moi je crois réellement aux dieux. C'est-à-dire que moi j'ai été confronté à des cas où, pour moi, ils m'ont apporté une aide réelle. D'accord. Voilà, alors ça peut passer pour ridicule. Non, du tout. Voilà. Pourquoi ce serait plus ridicule qu'une autre croyance? Mais au-delà de ça, je pense qu'un Européen doit être païen, qu'il soit croyant, agnostique ou athée. Il doit être païen. C'est-à-dire que concrètement, il peut ne pas y croire, mais il fera les rites sacrés ancestraux. D'accord. Il y avait des athées dans l'Antiquité gréco-romaine, mais ils honoraient les dieux quand même. Platon et Aristote croyaient-ils aux dieux de l'Olympe? C'est pas certain. Mais ils estimaient que c'était nécessaire de défendre ce culte. En plus, c'est notre tradition, c'est notre héritage, c'est notre religion. Qu'elle soit vraie ou fausse, peu importe, c'est la nôtre. Et je dirais que c'est ça l'argument. Il ne s'agit pas d'avoir la religion révélée. Toute religion révélée est un mensonge par définition parce qu'il y a des hommes au départ. Oui. Il y a énormément d'ouvrages excellents sur les origines du judaïsme et du christianisme. Tous les ouvrages que j'ai pu lire sur les origines du judaïsme. Je parle d'historiens sérieux. Je parle de gens reconnus, y compris par le Collège de France et même par le Vatican. Il y a un historien qui, allemand, je crois, qui travaille en France, s'appelle Thomas Römer, qui a écrit des ouvrages extraordinaires sur les premiers temps du judaïsme. Il montre que d'abord les juifs au départ étaient polythéistes, qu'ensuite le dieu Yahvé, il avait une épouse qui s'appelait Asherah, que les textes de la Bible sont écrits au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire après Homère, oui. Beaucoup plus récent qu'on croit. D'ailleurs, il suffit de lire la Genèse pour s'en rendre compte, qu'on voit des peuples qui sont datés du 6e siècle, etc. Et c'est le roi Josias de Judée qui a inventé le monothéisme. On le sait, c'est attesté historiquement, on peut le prouver. Donc le monothéisme est une invention humaine. Donc à partir du moment où le judaïsme est une invention, le christianisme est une invention, l'islam est une invention. Je ne dis pas que le paganisme ne doit pas être inventé, mais personne ne pourra le prouver. Bien sûr, on peut me dire que Zeus, ça vient du dieu Spater indo-européen. Oui, c'est vrai. Oui. Et qui a inventé le dieu Spater indo-européen? Alors on peut me dire, nos ancêtres ont inventé des dieux pour expliquer une guerre. Oui, peut-être, mais on ne peut pas le prouver. On peut aussi penser que les dieux se sont révélés aux hommes, d'une certaine manière, à l'époque de l'âge d'or. C'est très intéressant que tu sois un païen authentique. Tu es probablement le premier que je rencontre. Voilà. Ça nous a éloigné beaucoup, mais ça fait partie de vision du monde. C'est-à-dire que, par exemple, Marine Le Pen a un mépris total du paganisme. Elle nous qualifie d'adorateurs de la lune à poil dans la forêt. Hein. Donc, parce que déjà, elle croit que le paganisme, c'est une sorte de sorcellerie. Elle oublie que les païens, avant, ils étaient urbains autant qu'à la campagne. Hein. C'est-à-dire qu'un païen, il honorait les dieux à Rome, à Lutèce et ailleurs. Il n'était pas forcément dans la forêt, en train de faire des rituels bizarres. En l'occurrence, c'est de l'inculture. Elle ne sait pas ce qu'est le paganisme. Mais parce qu'elle le méprise, comme elle méprise toutes les religions. Mais elle n'a pas compris le sentiment identitaire derrière. Oui. C'est-à-dire qu'un vrai Européen identitaire, à mon avis, à terme, s'il veut être en cohérence. Je ne dis pas qu'on oblige les gens à être cohérents. Mais moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aime la cohérence. Un Européen qui assume son européanité, qui considère qu'il y a un génie européen de civilisation européenne, alors pourquoi il n'assume pas ses dieux? Ce sont les siens. Parce que dans l'histoire récente, il y a quand même 1500 ans de chrétienté quand même. Ça fait partie de l'histoire de l'Europe maintenant. Il y a eu 1000 ans de paganocristianisme, c'est-à-dire de paganisme caché,
faire un saut en vernis chrétien, ouais. De gens qui parfois étaient illettrés, etc., qui n'en avaient rien à battre. La messe était en latin. Une grande force de l'Église, c'est d'avoir une messe en latin. C'est-à-dire que si les gens, les paysans et les autres, avaient compris ce que le curé leur disait, ils auraient tous foutu le camp de l'Église. C'est ça le drame. Quand on a commencé à parler en français, les mecs, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? C'est incompréhensible, ça veut rien dire, je me sauve. C'est pour ça que les tradis, ils adorent les messes tradis, parce qu'il y a du latin. Et comme ils sont pas bons latinistes, depuis Gutenberg, le catholicisme descend un peu. Le protestantisme arrive quand même en langue vernaculaire, mais le protestantisme, c'est pas pire que ça. Hmm. Honnêtement, si je dois hiérarchiser les christianistes. Je connais très peu. Alors, si on doit hiérarchiser les christianistes du plus nocif au moins nocif, le plus nocif de tous les christianistes, c'est l'évangélisme. D'accord. Ça, c'est le protestantisme up. C'est les blagues qui viennent chez toi à 2h de l'après-midi à la porte pour parler de la parole de Dieu et qui t'expliquent alors, Dieu vous aime. Sister Act. Dieu vous aime. Ce film. Eh ben oui, mais moi je l'aime pas, c'est embêtant. Et puis après, je leur dis, vous vous rendez compte que c'est les Blancs qui vous ont imposé ce Dieu ? Mmh. Non, vous devriez le faire, des Africains, et vous me sortez le Dieu des Blancs. Jamais. C'est vos deux tribaux, ils sont honorables, respectez-les. Non, les mecs, ils deviennent fous. Ils savent plus comment s'en sortir. Alors dedans, t'as les témoins de Jéhovah, t'as tout ça, témoins de Jéhovah. Bon, déjà, ils savent même pas que Jéhovah, c'est une invention moderne, parce que c'est YHW, c'est Yahvé, c'est pas Jéhovah. Ils s'habillent très bien, en revanche. Pourquoi ils s'habillent aussi bien ? Oh, bah, ils s'habillent bien, ils s'habillent tous de la même façon en même temps. Oui, bon, c'est un peu... bon, après, il y a toutes les variantes possibles, imaginez. Donc, ça, c'est l'évangélisme, c'est, qui marche très bien au Congo en ce moment. C'est très, très fort en Congo. Ça essaye en Russie, mais le camarade Poutine, il est pas trop fan de ça et il essaie d'empêcher ça, assimiler ça à des sectes. Enfin, voilà. J'ai donc, vu que le paganisme revient aussi en Russie. Oui, il y a 7 temples à Moscou. Mmh. Pas mal. Il y en a 0 à Paris. Mmh. Et en conséquence de quoi tout ça, donc c'est le pire. Alors, c'est-à-dire universalisme pur, retour au texte sémitique d'origine, complètement décontextualisé. C'est le christianisme comme bolchevisme d'antiquité. Alain Benoît qualifiait le christianisme antique de bolchevisme de l'antiquité. D'accord. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire le gauchisme, la pauvreté, l'humiliation, etc. Les premiers seront les derniers. Ouais, tout ça, etc. Donc ça, c'est le pire. Mmh. Après, tu as le protestantisme classique, luthérien, calviniste, et puis l'anglicanisme qui est un peu bâtard. Mmh. Et sans mauvais jeu de mots. Hein, qu'est-ce que tu penses des anabaptistes, des mennonites Tout ça, je me sens dans les sectes évangélistes. Hein, moi, tout oui, ça. Mais ils ont quand même un côté identitaire, parce qu'ils restent entre eux. C'est pas identitaire de rester en soi. Il faut assumer qui on est. C'est pas, être identitaire, c'est pas rester entre soi. Moi, je peux être au milieu de gens qui n'ont rien à voir avec moi et m'assumer moi-même. D'accord. J'ai pas besoin d'être avec les miens pour savoir qui je suis. Mais ça aide. Mais, donc après, il y a le catholicisme, surtout post-Vatican II, qui est quand même assez monstrueux à tout point de vue. On voit bien les déclarations du pape François qui nous explique qu'il faut accueillir les migrants mieux que les citoyens qui sont malheureux chez nous. Hein. Mmh. Les migrants sont une sorte de nouvelle idole païenne paradoxal pour le Vatican, c'est-à-dire de toute façon le Vatican, c'est un grand marché commercial, c'est une grande entreprise commerciale. Les blancs quittent l'Église, les noirs aiment bien l'Église, donc notre avenir c'est les noirs, c'est logique. Les noirs, l'Amérique du Sud, la Chine, etc. C'est un peu comme Soral avec les Maghrébins finalement. C'est son public, ouais. C'est tout. Et ça, on pourra parler un petit peu du camarade. On va y revenir, mais c'est très intéressant de parler religion. Voilà, mais simplement voilà. Donc le moins dangereux, c'est l'orthodoxie, parce que l'orthodoxie, c'est toujours des églises nationales en Arménie et ailleurs, et assez nationaliste. Et les principes chrétiens, ils s'en foutent. C'est-à-dire oui, tout à fait. Voilà. Sachez que l'orthodoxie grecque n'est pas l'orthodoxie roumaine, qui n'est pas l'orthodoxie russe. Ils n'ont pas parfois les mêmes dates. L'orthodoxie grecque déconne. L'orthodoxie grecque commence à faire comme les cathos, c'est-à-dire du discours un peu immigrationniste. Ils commencent à s'y mettre. C'est pas le patriarche Kirill de Moscou qui va commencer à faire ces conneries-là. Ouais. Ça, c'est clair qu'ils ne le feront pas. Donc, l'orthodoxie, le moindre mal. Mais le mieux, c'est comme le paganisme. C'est vrai. Et pour parler de l'islam deux secondes, je ne sais pas si les gens ont conscience de cette absurdité. Le plus grand lieu saint pour les musulmans, c'est la Mecque. Et c'est quand même en fait des musulmans qui tournent autour d'une pierre. C'est le pierre païenne. C'est le truc le plus païen que j'ai jamais entendu. La pierre de Kaaba. Et ils sont... La pierre de Kaaba. La pierre de Kaaba. Pas conscience de... Alors, je vais donner des éléments que les gens ne savent pas. La pierre de Kaaba, c'est au départ un météore qui est tombé, qui a été interprété comme la chute d'une pierre du dieu Kuzé, ou Kuza, qui est le dieu de l'orage, qui est l'équivalent de Baal, ou Bol en arabe. Bol Kuza, c'est Baal. Et Baal, à l'époque des Arabes païens, envoyait un météore sur Terre, concrètement, et qui a été ensuite repris par les fidèles, qui l'ont sculpté et qu'on en fait la pierre de Kaaba. Donc ce rituel est totalement païen. À l'origine, la pierre de Kaaba a 300 statuettes dessus, pour l'ensemble de tous les dieux du monde arabe. Et le pèlerinage de la Mecque existait chez les païens arabes. Tous les ans, les tribus arabes allaient se réunir à la Mecque pour honorer les dieux. Et Allah, qui était un dieu païen, le dieu du ciel, et tous les autres dieux ensemble, et tournaient autour de la pierre. Et une année, Muhammad a accepté de tourner avec les païens. Donc les musulmans, les premiers musulmans et les païens arabes
ont continué à faire le rituel. Et l'année suivante, alors qu'il revenait de Médine glorieux, il a interdit aux païens d'honorer la pierre de Kaaba et il a fait détruire les 300 statuettes. Mais il a gardé le rituel. Parce que Muhammad avait une stratégie nationaliste. Je ne le mets pas dans le même camp que ses successeurs. D'accord. Muhammad, c'est un nationaliste arabe. D'accord. Lui, il pense que le polythéisme arabe divise les tribus arabes et empêche leur unité et leur force. Mmh. Et son raisonnement, c'est je veux l'unité des tribus arabes, je veux l'unité de l'Arabie. C'est pas faux. Voilà. Historiquement, et donc, il invente une religion pour ça. Et lorsqu'il meurt en 632, il a réussi. L'ensemble de l'Arabie est réunifié. On peut considérer que pour les Arabes, en revanche, l'islam est la meilleure des religions, pour l'unité, je veux dire. Sauf que la réalité, c'est autre. C'est-à-dire que Muhammad avait sans doute raison. Ouais. Mais dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que ses successeurs ont fait le contraire. Mmh. Ils ont universalisé l'islam. Moi, je prétends que Jésus-Christ ne s'adressait qu'aux Juifs et que Muhammad ne s'adressait qu'aux Arabes. D'accord. Et que ceux qui ont cru qu'il s'adressait au monde entier sont des menteurs. Saint Paul en premier. Saint Paul a prétendu qu'il n'y avait ni Juifs ni Grecs. Que... Thomas Ferrier clash des gens qui sont morts Jésus il y a 2000 ans. S'adressait qu'aux Judéens. Pour Jésus. Alors parce que Lesquin, notamment, il dit « Oui, condamnez-vous le Talmud qui compare les gens à des animaux, les païens, enfin les chrétiens à des animaux. » Jésus l'a fait. Dans Matthieu, Jésus qualifie les païens de porcs et qualifie les païens de chiens. C'est dans Jésus, c'est dans Matthieu. Qu'est-ce qu'il dit ? Il ne faut pas donner de perles à des pourceaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner des paroles religieuses aux païens, et il ne faut pas laisser des petites miettes, enfin, il faut juste des petites miettes aux chiens, c'est-à-dire au mieux quelques paroles qui passent. Donc, c'est un texte extrêmement anti-païen que celui de Matthieu, et c'est le vrai Jésus, c'est un Jésus nationaliste que je ne reproche. Je ne reproche pas d'ailleurs ces propos. Mmh. Je considère que les religions ethniques, c'est comme ça. Dans l'hindouisme, les non-hindous, les non-ariens ou non-hindous sont des mléchas, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne seront pas sauvés par le Kalki, le dernier avatar de Vishnu au moment de la fin des temps. Je parlais de la Mecque parce que je trouve très amusant que les musulmans soient très anti-païens alors que leur rituel numéro oui, mais c'est un normal, est ultra-païen. Mais ça va toujours avec. C'est ça qui est drôle. Quand on se renie, on est toujours hostile à ce qu'on, la maison mère. Alors je reste un peu sur la religion parce que c'est très intéressant, on en parle assez peu dans l'émission. Moi, j'ai souvent constaté qu'on a l'impression que chez les Français, le seul fait ethnique ne suffit pas à réunir autour d'une cause. C'est la maladie de l'universalisme français qui a atteint Marine Le Pen et tous les autres. C'est cette croyance messianique que la France, jadis c'était la fille aînée de l'Église, est devenue la fille aînée des droits de l'homme, mais c'est la même mentalité. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu penses qu'une religion est toujours nécessaire pour donner un sens à une... Je pense, parce que l'univers, de toute façon, est complexe. Parce qu'il faut avoir sens à notre existence. Car si on est un vrai athée, ça demande un courage absolument exceptionnel. Le vrai athée, il doit considérer que sa vie ne sert à rien, que l'univers a 5 milliards d'années, qu'on est une somme de hasard historique complet, chute du météore qui a tué les dinosaures, etc. Donc on est là, on ne pourrait pas l'être. Donc on profite éventuellement de la vie qu'on a. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de sens à notre vie, quoi qu'on fasse du bien, qu'on fasse du mal. Ça en tout cas, mais de cette manière, il faut rendre hommage aux athées militants. Et or, nous avons quand même une âme, à mon avis. Moi, j'avais toute une théorie sur les âmes, d'ailleurs, qui est très amusante, qui choque certain nombre de chrétiens et non-chrétiens. Moi, je pense qu'il y a des niveaux d'âme. Oui. Il y a ce que j'appelle les âmes immortelles, corps immortel. Ouais. L'âme et le corps. Hein. La séparation de l'âme et le corps est déjà un concept. Il y a ceux qui ont une âme immortelle avec un corps immortel, ça s'appelle les dieux. Oui. Il y a ceux qui ont une âme immortelle avec un corps mortel, ça s'appelle les hommes. Donc, tu crois à la réincarnation, très clairement. Pas exactement, je vais te dire après. D'accord. Et il y a ceux qui ont une âme mortelle, un corps mortel. Ce sont les animaux. D'accord. Animus en latin, l'animal, c'est celui qui a une âme. Par différence avec une plante ou un rocher. Donc, ça veut dire que les animaux, ils ont une vraie âme. Un chat a une âme, un chien a une âme. Mm. Ils peuvent être gentils, méchants, etc. Mais lorsqu'ils meurent, ils meurent. Mm. Leur âme s'éteint avec leur corps. Lorsqu'un homme meurt, l'âme est immortelle. Le corps est mortel, donc le corps se dessèche, disparaît. La question, savoir, est-ce qu'on a un autre corps ailleurs ? La tradition païenne, d'une certaine manière, pense effectivement que ce soit germanique ou grec, qu'on a un autre corps. C'est-à-dire que lorsque notre âme quitte notre corps, il emmène avec nous une sorte d'ADN, et lorsqu'on arrive dans le monde des morts, eh bien, on a un nouveau corps, identique sans doute à celui qu'on avait sur Terre, mais avec peut-être d'autres moins de caractéristiques, etc. En fait, les héros de l'Olympe, les Héraclès, il a un corps aux Champs-Élysées, Achille a un corps, et les héros germaniques, pour se battre contre Ragnarök, il faut bien qu'ils aient un corps, pourtant ils sont morts. Ils ont bien un corps face à Loki et toutes les troupes de destruction. On va, en fait, heureusement ou malheureusement, sur une discussion qui pourrait nous amener à un autre Europe de 2 heures. Oui, parce que là, c'est l'Europe païenne. Là, mais... J'avais pas écrit cette question, mais je te la pose. Mais est-ce que tout ça, c'est pas pour échapper à la peur de la mort, finalement, cette idée de cette persuader que l'âme existe ? Le paganisme est une religion qui incite à faire face à la mort, à avoir le courage par rapport à cet événement. Et c'est un pari. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a une vie après la mort, mais que cette vie après la mort, je ne sais pas si d'ailleurs elle est estimable. Peut-être que la vie est un combat et la vie de l'au-delà est aussi un combat. Peut-être que rien n'est fixé. Peut-être qu'effectivement, ça peut être la réincarnation, ou il peut y avoir des plans d'existence. Peut-être qu'il y a des réalités alternatives permanentes et qu'on passe d'une réalité alternative à une autre au moment où on meurt. J'en sais rien.
Tout est possible. Mais quand tu disais que les athées ont du courage, quand même, imagine un militant politique. Mais personne n'est athée. Il faut le savoir. Personne n'est athée. Même si on n'appelle pas ça des dieux, même si on n'appelle pas ça, on croit à quelque chose. On croit à un destin, on se dit qu'on sert à quelque chose. L'idée même de se dire qu'on sert à quelque chose, c'est déjà une forme de rejet de l'athéisme. D'accord, ouais. C'est comme ça que tu vois l'athéisme. Oui. En tout cas, quoi. Le vrai athéisme est très rarissime, il est insupportable d'ailleurs, à mon avis. Mais, on peut pas vivre avec. On ne comprend pas un peu le nihilisme là. C'est quand même non, l'athéisme, c'est dire. L'athéisme, c'est dire Dieu n'existe pas et donc on ne sert à rien. Ça va au-delà de ça. Ouais. Ça veut dire que Dieu, on peut appeler ça le destin, on peut appeler ça qu'on veut. Ouais. Mais l'idée, c'est on a un sens à notre vie. Notre vie a un sens. Il y a un destin qui nous dépasse. Ouais, et même. Dieu, c'est un destin qui nous dépasse, c'est tout. Dieu ou les dieux. Pourtant, on ne peut pas donner un sens à sa vie si Dieu n'existe pas. Quoi. C'est Dieu pas... ou les dieux, etc. Ou les dieux. Non, on essaie de s'en donner un. Ouais. Mais si on était réellement un athée, on dirait que ça ne sert à rien. On pourrait être un jouisseur, éventuellement, se dire je suis là un temps donné, je jouis au truc, et puis tant pis, après je ne suis plus, ça s'arrête là. C'est pas ma conception de la vie. Justement, c'est amusant parce que j'allais te faire un peu le tour là, sur mes questions sur le paganisme. L'idée qu'un païen soit nécessairement un libertin sexuel et un jouisseur. J'imagine que c'est quelque chose qui te déplaît. Alors, est-ce que tu pourrais casser un peu cette idée? Oui, ça me déplaît. Oui. Oui, parce que je pense que le païen est un homme d'honneur. Et c'est une culture de la honte. D'accord. C'est pas une culture du péché. Le paganisme, c'est une culture de la honte. Oui. Agir de manière déshonorante, c'est se salir soi-même. Oui. Ça veut dire, c'est pour ça que Sénèque s'est suicidé, que Mishima au Japon, etc., un païen, est capable de se suicider par honneur. C'est-à-dire considérer qu'il est indigne de lui-même, et donc il essaie de sauver son honneur au maximum. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs que dans le paganisme. C'est la culture du héros, finalement. Ça va avec la culture du héros. Héraclès se sacrifie dans la souffrance. Héraclès se sacrifie sur le mont Œta lorsqu'il il porte la tunique de Nessus qui dévore ses chairs, et il va créer son propre bûcher et se mettre dessus. Et ça lui permettra d'être immortel, d'ailleurs, parce que Zeus va accueillir Héraclès sur l'Olympe après sa mort, lorsqu'il s'est immolé lui-même. D'accord. C'est d'ailleurs le christianisme a plagié tout ça. Hein. Jésus a été Jésus historique, non, mais Paul et les autres ont donné à Jésus toutes les caractéristiques des dieux païens pour justement faciliter la conversion. Jésus a sauvé, ramené les morts à la vie, comme Asclépios, le fils d'Apollon. Il est mort en sacrifice, comme Héraclès. Il est né d'une mère vierge, un peu comme Zeus sous forme de puits d'or avait fécondé la mère de Persée, etc. Donc pour toi, Jésus est un héros ou un martyr? Jésus est un patriote judéen. Point. Son message est mort avec lui, et les seuls qui pourraient se revendiquer de lui seraient les judéens. Les chrétiens qui se revendiquent de lui sont des gens qui croient que Jésus s'adresse à eux. Je suis désolé de leur dire, Jésus ne s'adressait pas à vous. Non, Jésus s'adressait à son peuple, et c'était très respectable. Ça veut dire que moi, le païen, je reconnais à Jésus et même à Mohammed d'être des figures de l'histoire universelle respectables. D'accord. Je considère qu'ils ont été trahis par les leurs, et on est d'ailleurs souvent trahis par les siens. Donc l'islam cesse d'exister à partir du moment où on ne respecte pas la parole de Muhammad. C'est-à-dire que si l'Arabie était restée, n'avait pas conquis le reste du monde, elle était fidèle à l'enseignement de son prophète. Si les Judéens avaient pris Jésus comme figure et s'étaient battus pour l'indépendance contre les Romains, même s'ils étaient morts, eh bien, ils auraient été fidèles à l'enseignement de Jésus, a dit globalement qu'il était venu pour amener le glaive. En fait, c'est un nouveau Judas Maccabée, il est là pour chasser les Romains. Et les Romains l'ont tué parce qu'ils avaient bien compris que c'était un fauteur de troubles. Donc les Romains se sont dit, voilà un rebelle qui va qui va nous foutre le bordel, ben on l'élimine. Et pour moi, Jésus a été tué par les Romains pour trouble à l'ordre public, à mon avis. Trouble à l'ordre public et incitation à l'émeute ou un truc équivalent. D'accord. Mais d'un point de vue judéen, il est tout à fait respectable. D'ailleurs, je pense que beaucoup de judéens ne sont pas anti-Jésus. Oui. Mais ils ont essayé de salir l'image après, au certain officiel, et que ce sont les juifs eux-mêmes qui ont préféré sauver Barabbas. Voilà, mais ça, c'est la mythologie de Paul et des judéens retournés. Paul était judéen normal et il s'est retourné contre son peuple. D'accord. Paul, en devenant chrétien, a tourné le dos à son propre peuple. D'accord. Est-ce que ta position est pareille un peu avec celle d'autres personnes à Radio Courtoisie, ou on t'embête pas pour ces... D'abord, je ne suis pas une promotion du paganisme de Radio Courtoisie, parce que d'abord, mon thème, c'est la politique européenne. Oui. Je ne cache pas mes conceptions païennes. C'est l'occasion de faire la promo de ton émission. Hein. Voilà. Pas, donc, effectivement, j'ai une émission une fois par mois donc sur Radio Courtoisie, le mardi, donc c'est ce qu'on appelle la semaine C en général, donc toutes les 4 semaines. Mm-hmm. Là, c'était la 14e émission. Oui. Donc, une émission qui s'appelle Le Libre Journal des Européens. Donc, pour donner la parole à différents Européens, ça peut être Daniel Conversano et Yann Mercado, ça peut être Guillaume Fay et Renaud Camus, Jean-Yves Le Gallou, Bruno Maigret et tant d'autres. Alors, souvent, soit des figures du nationalisme européen, oui, soit des gens qu'on pense anti-européens et qui sont pro-européens, et leur faire accoucher, reconnaître, entre guillemets, dans l'émission, oui, et le font assez volontiers, qui sont pro-européens.
D'accord. Bruno Maigret, qui avait bien invité, n'a jamais autant parlé d'Europe qu'avec moi. Il m'a remercié à la fin de l'émission en disant jamais on ne faisait parler d'Europe à ce point. C'est l'intérêt de l'émission. Après, il faut redoubler les invités, ce n'est pas toujours facile. Moi, je travaille, donc c'est pas toujours il y a une vraie prospective pour les invités. Et c'est dur. C'est dur parce que moi, j'essaie d'avoir Julien Rochedi, avec qui j'ai de bonnes relations, mais hier, il a enregistré son émission sur TV Liberté, je crois. Bernard Lugan, j'ai essayé de le contacter, mais Bernard, il n'aime pas venir sur Paris, etc. C'est compliqué. Il y a plein de figures intéressantes de ce style. C'est très difficile de tenir une émission sur la longueur. Hein, voilà. Moi, j'aimerais mieux qu'elle dure 3 heures, d'ailleurs. Non, mais ce qui est difficile, c'est de trouver l'invité. Une fois que j'ai l'invité, je gère. Ouais. Pas de souci. À l'émission, moi, je préférais qu'elle dure 3 heures qu'une heure et demie. Une heure et demie, c'est court. Et tu as pu remarquer ce soir que je suis un grand bavard. Non, mais oui, mais c'est très bien. Dans une émission, normalement, je ne suis pas l'invité, donc je suis obligé de parler moins quand même que l'invité. Je suis quand même là aussi pour faire l'audience de l'invité. Hein. Voilà. Donc là, tu es bavard, mais tu exprimes beaucoup d'idées, alors ce n'est pas gênant. C'est pas... Voilà, je suis un bavard, mais un bavard que j'essaie de donner du sens à ce que je dis. Donc pour revenir à Soral, puisqu'on a parlé un peu de ce personnage, je vais raconter des anecdotes. Oui, finalement. Parce que, c'est mieux de parler avec des anecdotes. Si tu as des comptes à régler, on peut terminer là-dessus. En feu d'artifice. Voilà. On peut continuer et terminer, on verra quand on terminera. Hein. On verra bien. Hein, parce on verra bien. J'ai encore du matériel. Hein. Ah bah, je t'en prie. Voilà. Donc, le père Soral, j'aime bien appeler les gens comme ça. Bon. Mm. Le père Soral, moi, j'ai rien contre lui, évidemment. Au départ, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a commencé à faire sa carrière et le buzz dans les médias mainstream traditionnels. Hein. Oui. C'était le bon client. Hein. Le bon client pour c'est mon choix et taper sur les féministes à la con et compagnie. Il faisait plaisir, il faisait rigoler un peu les mecs. Ce qu'il disait n'était pas idiot. Hein. Ces mots d'ailleurs là un peu plagié plus ou moins vrai, sur le troisième sexe, etc. Bon, le mec Soral, il a dérapé. Le problème, c'est qu'il avait un mauvais entourage, comme tu donnais, de gens qui avaient des préoccupations toute la journée, qui étaient des obsessions sur le Proche-Orient, notamment et compagnie. Donc, c'est par l'antiracisme et par tout ça que Dieudonné et Soral se sont retrouvés dans la merde. Parce que, et Le Pen et les autres, c'est pareil. Quand on se branle la nouille toute la journée à parler du même sujet, alors évidemment, on se dit, il ne faut pas le dire publiquement. Mais quand tu parles tout le temps de ça toute la journée, bah, tu vas déraper. Oui. Pourquoi Jean-Marie Le Pen a fait son déterre en 87? Parce qu'à la maison, il n'arrêtait pas de parler de ça, de faire venir des mecs qui parlaient de ça. Oui. Forcément, à un moment donné, il était pas, le jour où il a fait le détail, il était malade, il avait la crève. D'accord. Donc, il n'était pas en pleine forme totale. Ouais. Et donc, il s'est laissé aller à déraper et il a essayé de s'excuser derrière la compagnie. C'était trop tard, malheureusement, parce qu'il s'est révélé. Ouais. Si tu parles de ces sujets toute la journée, tu dis ça n'a pas eu lieu toute la journée chez toi, bah, un jour ou l'autre, devant quelqu'un, paf, tu dérapes puis tu sors le truc. Soral, il a dérapé son affaire avec, c'était Benoît Duquesne à l'époque, je crois. Ouais. Et il a commencé à dire que si certaines populations ont été maltraitées, c'est parce qu'elles avaient foutu la merde partout où elles étaient allées. C'était le truc qu'il ne fallait pas dire. C'était bon, c'est faux et c'était idiot. Mais au-delà de ça, on sait que les règles du jeu aujourd'hui, il la connaissait comme les copains, il a dérapé, il a payé. Dieudonné, il va avoir Fogiel, il fait à Israël et compagnie. Bah, désolé, voilà. Où veux-tu en venir? Tu veux dire que il y a une aigreur chez ces personnes? Je veux dire qu'ils se sont grillés. Ils sont grillés. Donc leur carrière, c'est fini. Donc il faut exister et gagner sa vie. Donc une fois qu'on est grillé, autant essayer d'exploiter le fait d'être grillé. Mais c'est normal, c'est humain. Un mec comme Ayoub, Serge, il a certainement essayé de sortir de ce milieu. Oui. Et il a bien eu raison. Oui. Sauf qu'on le ramène toujours à ça. C'est vrai. Bon, bah, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Ça nomme beaucoup plus subtil que ce qu'on croit. Machin. Oui, tout à fait, mais j'exploite le terreau. Puis de toute façon, si je ne l'exploite pas, de toute façon, on va me le reprocher. Donc autant y aller. Et Soral et Dieudonné ont créé un nouveau public, ils ont créé une nouvelle audience anticonformiste et dissidente, parce qu'ils n'avaient plus accès aux grands médias, et que, donc autant rentabiliser leur diabolisation. C'est tout. C'est un constat d'échec. C'est parce qu'ils ont échoué qu'ils font ça. Alors ça ne veut pas dire que derrière, ça ne marche pas complètement, mais. Le problème, c'est toujours. Attends, tu penses pas qu'il y a une conviction antisémite quand même chez Soral? Moi, je pense que Soral est authentiquement antisémite, qu'il l'est. Je pense qu'il s'est crié parce qu'il pensait ça. Oui, oui. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est pas la question. Je me fous de savoir s'il pense ce qu'il pense ou pas. Oui, oui. Moi, je regarde l'objet politique. D'accord. L'objet politique, il a pris une position qui est celle-là. Oui. Bon, point pourquoi il l'a prise, parce qu'il est grillé là-dessus. Il passe pour l'être. Donc, même s'il l'était pas, de toute façon, c'est foutu. Donc, autant l'être dans ces cas-là. Bon, mais c'est tout le principe. Il s'est grillé, Jean-Marie Le Pen et les autres, c'est pareil. Et ils sont souvent grillés à cause de ce sujet-là. Mais c'est tant pis pour eux, c'est leur punition. Moi, je suis d'accord pour dire que la liberté d'expression devrait être totale. Je suis pour la liberté d'expression totale, mais je suis pour le principe d'intelligence. Quand c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des règles du jeu, c'est tout. Et de toute façon, c'est faux ce qu'on raconte. Oui, qu'il y ait une surexploitation, une surinstrumentalisation, ça a été écrit par Gonadel. Hein. Gonadel, il le dit dans son bouquin. Hein. Et moi, j'ai eu Jean-Yves Camus qui est converti au judaïsme dans mon émission, il me l'a dit. Il est revenu plusieurs fois en disant le problème aujourd'hui, c'est qu'on ramène tout aux années 30. Et c'est pas des gens antisémites ou extrêmes qui me disent ça. C'est des gens qui sont judéens. Ils le reconnaissent eux-mêmes, ils me disent il y a une connerie là-dessus. Oui. Bon, et ils ont raison.
On ne peut pas, l'Europe ne peut pas vivre dans la repentance permanente, la génuflexion, les horreurs qu'on a faites. Simplement, il faut être intelligent, c'est tout. Mmh. Donc, moi, je considère en plus que cette forme d'antisionisme et compagnie, c'est un gros clin d'œil qui est envoyé aux communautés importées. Mmh. Parce qu'eux ont un logiciel là-dessus extrêmement dur. Tu me disais aussi, je ne sais pas si tu veux en parler là, en direct, on n'est pas en direct, mais que certains inventaient des sources pour conformer à leur vision. En tout cas, certains mentaient dans leurs livres. Bien sûr. Ouais. Oui, mais bien sûr, ils inventent des citations, ils font n'importe quoi. Hein. Et grandes citations, il y avait assez... Ah, au début, j'y croyais à ces citations, parce que je me disais que c'était possible. Oui. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a une citation de ce Benjamin Franklin qui est complètement inventée, il y a une citation sur machin, sur truc, c'est complètement faux. Oui, oui. Tout ça est inventé, tout ça. Ou alors, c'est mal sourcé. Un exemple, qu'est-ce qu'il y avait ? Ben oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont peut-être vrais dans le passage, et puis ils vont le mélanger avec autre chose. Mmh. Donc, il faut se méfier. C'est pas rigoureux, en fait. Ben, on parlait, alors justement, on n'a pas parlé du tout, on va parler dans des cas. Donc, on voulait parler de Ryssen au début, puis on n'a pas du tout parlé dans l'émission. Ah oui, c'est vrai. Le père. Le ah ben non, mais c'est surtout, on voulait parler de Ryssen parce qu'il t'a attaqué, en fait. Oui, mais bien sûr, mais il t'a attaqué aussi, donc ça s'appelle les convergences. Oui. C'est pas la convergence des catastrophes, comme disait Game of Thrones, c'est la convergence des attaques. Bon, alors, sera rapidement, donc moi, simplement dans cette équation sorale, je l'ai rencontré une seule fois, réellement, physiquement, à Nancy. Oui. Il était invité par un ex-identitaire, ex-réseau radical, proche de Boucher, de Christian Boucher à l'époque. Comme tout le monde, t'as pas réussi à avoir une conversation avec lui parce que c'est impossible. Si, bien sûr que si. Si, si. Donc d'abord, il y a eu le speech. D'accord. Et Soral a fait du très bon Soral, très provocateur, intelligent, dialectique, travaillé, rhétorique très bonne. Ouais. C'était très bon, mais gros bluffeur. Mmh. Et moi, j'ai posé une question. Et je lui ai fait avouer qu'il fallait voter Sarkozy. Hein. J'ai dit, le vote révolutionnaire, c'est le vote Sarkozy à l'époque de 2007. Bah, quel était ton argument? Ben, l'argument, c'est que comme tout le monde l'attaquait, ben, c'était le seul vote révolutionnaire, c'est celui de voter pour celui que tout le monde attaque. Ouais. Et Soral a dit, oui, parfaitement, il faut voter Sarkozy. Parce que c'est un bluffeur pur. Et il avait vu l'argument bluff pur, de provocation pure, et il, est tombé, et il a compris le message et il a joué tout de suite. D'accord. Donc j'ai compris avec le mec, j'ai dit, c'est un bon bluffeur. Un excellent bluffeur, il doit être bon au poker. Ouais. Très bon bluffeur. Et après, on a fait. J'ai parlé du droit du sang, il connaissait pas les règles sur la nationalité française. Derrière le paravent, la culture politico-historique était pas là. Et on peut pas lui reprocher, c'est pas son logiciel d'origine. Donc il a des défaillances clairement là-dessus. Et ce qu'il lit, il lit des choses, je pense qu'il lit assez, il lit beaucoup, mais il a pas les fondements idéologiques, les bases. Il n'a pas fait de grec et de latin, à mon avis. D'accord. Oui. Et ça joue, hein. Il y a énormément de gens qui ont fait du grec latin. Moi, j'ai eu la chance de faire du grec, un peu moins de latin, mais j'ai fait les deux. Et ça aide beaucoup. Le grec ancien, c'est une école d'ouverture d'esprit absolument considérable. D'accord. Et donc, bah, c'est comme ça, il ne connaît pas les règles du jus sanguinis, si ce n'est pas que la nationalité française, c'est le droit du sang, ce n'est pas le droit du sol, contrairement à ce que tous les imbéciles croient, etc. Je lui ai dit, mais je crois qu'il l'a pas retenu. Parce qu'il a quand même l'ego du personnage. Oui, oui. Mais avec moi, il n'était pas arrogant. Il n'était pas, je suis Soral. Donc, il voyait que j'avais quelqu'un qui savait de quoi il parlait, que j'avais une culture, etc. Au-delà de ce que ces gens pensent de tout un tas de sujets. Après, on a fait un billard et j'en veux à mon camarade Bruno de Nantes, parce qu'il m'a fait perdre la partie de billard contre Soral. On était en train de battre Soral au billard. D'accord. Et il a perdu et Soral a gagné. D'accord. J'étais pas content. Et par contre, je me suis dit en même temps, est-ce que Soral aime bien perdre? Il m'a peut-être cassé la figure. Mais. Parce qu'il m'a fait. Tu l'as quand même pas laissé gagner. Il m'a fait une savate à cette distance avec pour montrer ses capacités à lever la patte haut. Ah, donc, d'accord. Non, il m'a pas touché, mais c'était pour montrer qu'il assurait. Voilà. Oui, oui. Donc voilà, Soral, moi, j'ai pas des. Ça s'arrête là, mon expérience personnelle d'Alain Soral. J'ai pas d'inimité contre lui. Je pense que ce qu'il fait ne sert à rien. Bon, je pense qu'il ferait mieux de faire autre chose. Je pense que égalité, réconciliation, bah, globalement à Nantes. La réédition de bouquins, quand même. Bah, on va résumer un peu égalité, réconciliation. À Nantes, égalité, réconciliation, c'est des Arabes et des gauchistes. Okay. À Nancy, c'est des néo-nazis. Bon, qui sont très sympathiques, hein. Mais ce sont des gens. Bah, là, c'est les Vosges, c'est la Lorraine, hein. Elles sont vraiment Lorraine, c'est terre et peuple, c'est vrai. C'est les Vosgiens et c'est les Toulois. Les Vosgiens et Toulois, c'est 80% des skiettes de France. Donc, on les connaît bien, nous, à Nancy, hein. Finalement, j'ai l'impression que le problème dans ce mélicident, au-delà de ce que pense chacune de ces figures, c'est vraiment un problème d'ego. C'est Rougeron a un ego démesuré, absolument. Soral c'est inimaginable, et Ryssen aussi, il a énormément d'ego. Alors, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de mes adversaires prétendent que j'ai un ego démesuré. Ouais. Ils disent, vous verriez, c'est arrogant, il étale sa culture, machin. Je ne sais pas si je le suis, parce que d'abord, on est très mauvais juge de soi-même. Peut-être qu'en disant ça, d'ailleurs, j'envoie deux niveaux de langage. Hein. En disant que je suis, je suis mauvais juge de moi-même, on pourrait dire au premier degré, c'est une forme de modestie. Et au deuxième degré, non, en fait, c'est une superbe forme d'arrogance. Il utilise l'argument de la modestie comme argument d'arrogance. Non, je pense que... Il y a déjà un signe, par exemple, parce que toi, tu refuses des débats, par principe. Parce que ce que j'ai remarqué comment souvent... Comment ça, je refuse des débats? Non, c'est une question. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai remarqué souvent que les gens qui avaient un ego démesuré,
refuser souvent les débats parce qu'ils ne supportent pas la contradiction. Moi, je suis un croisé de l'Europe unie. Donc, concrètement, je suis un porteur de messages. Oui. Voilà. Si je peux être le porteur et le récepteur de messages, c'est-à-dire si je peux réussir politiquement pour porter ce message, j'en serais content. Si quelqu'un est meilleur que moi, mais je suis de ma place. Là-dessus, je ne suis pas du tout... on va dire, j'ai une souffrance politique. C'est que moi, je me bats et donc je souffre. Je souffre parce que je suis malheureux de ne pas voir mes idées émerger. Et je les vis, ces idées. Moi, le samedi, dimanche, je pense, même quand je regarde une série, un télé ou un jeu vidéo, je pense politique en même temps. Bon, c'est au travail. Il invente des concepts, il essaie d'analyser, etc. en permanence. Au travail ailleurs, je suis 100% politique toute la journée, matin au soir. Je me lève politique, je mange politique, je me couche politique. Tu accepterais bon, ça n'existera jamais, mais sur le principe, tu accepterais un débat avec Rissène qui te dit femme ou pas? Alors, parce que lui ne l'accepterait pas. Je ne sais pas s'il accepterait, mais je l'accepterais peut-être pas quand même. Je vais dire pourquoi. Oui. Donc, notre cher Hervé Lalin. Oui. Parce que moi, j'appelle les gens par leur nom. Okay. Surtout qu'il m'a appelé par un ancien pseudonyme que j'utilise plus depuis 12 ans. Mais c'est pas grave. Donc, Staller. Hein, Thomas Staller, c'est moi, il y a 12 ans. C'est-à-dire avec moins de maturité, non? Je veux dire, non, mais je mettrai une affiche. Voilà. Mais voilà, c'est quand quelqu'un. Rissène a prétendu que Thomas avait tenu certains propos sur Rêve de Souche. Ah, j'en parlais. C'est de ça qu'on parle. Voilà, pour dire clairement les choses, moi j'utilisais déjà il y a 12-13 ans un pseudonyme pour dire un peu plus ce que je pensais à l'époque et qui a évolué, hein, parce qu'on évolue en permanence. Je suis resté sur le fond à peu près pareil, mais sur la forme, j'ai évolué. Bon, j'ai arrêté tout ça. Moi, j'assume mes idées sous mon nom propre et sous mon image propre. Après, je sais qu'il y a des gens qui m'attaquent. Oui, il est gros, machin. Il y a des attaques de merde. Hein, mais j'ai eu encore sur Twitter, l'obèse férié, ou des conneries de ce genre. C'est l'argument vachement politique. Toujours extrême. Bah, l'argument vachement pas politique. Pas du tout obèse, en plus. Non, mais c'est l'argument, le bouffi, le porc férié, ça tombe récemment. Il y a des mecs, The Carl, là, sur Twitter, qui sont tarés. Je ne sais pas si c'est un soralien, un dieu donesque ou autre chose. Et voilà, c'est des arguments physiques. Bon, je m'en fous. Hein, moi, j'assume et je les emmerde concrètement. Donc, Hervé Lalin, c'est clair. Hervé, j'ai déjà vu au bar d'Ayoub il y a quelques années. Il m'a expliqué que, selon lui, le judaïsme, qui est une religion, était un projet politique. C'est bizarre comme projet politique, c'est une religion. Mais si, il croyait, il savait. Et puis, évidemment, il sait tout sur ce sujet. C'est un expert professionnel extraordinaire. D'ailleurs, j'ai essayé de discuter avec lui en n'étant pas antisémite et pas antisioniste, donc c'était pas facile. Oui. Et bon, il m'a pas cassé la figure, mais disons que, il était. Voilà. Je suis pas allé trop loin avec lui quand même. Hein, c'est le hasard. Ben non, j'avais pas envie de me faire casser la gueule. Hein, c'est pas quelqu'un qui est. Il en est capable. Après, je dois peut-être défoncer la tête aussi, mais ça, c'est un autre débat. C'est pas le but. Non, voilà, moi, j'ai pas d'inimité contre Hervé Lalin. Simplement, il raconte des conneries sur mon compte. Alors, bon, qu'est-ce qu'il raconte comme imbécile? Je crois qu'il y a beaucoup de bluff hein, dans sa. Ce que j'aime pas, c'est que Hervé. Il est pas si combatif que ça. Il essaie de faire croire que c'est un super écrivain, historien. Et donc le mec il est super sourcé et que donc personne peut le mettre en difficulté, personne l'a mis en difficulté, sauf qu'il refuse tout débat. Bon, parce qu'il veut pas être mis en difficulté, mais il dit que voilà. Et Hervé, finalement il est antisème, on va pas dire qu'il. Je pense qu'il le dit pas, il le cache pas. Hein. Ah oui, non mais et, ça. Et la totale. Donc simplement dans cette affaire, il a des informations de seconde main et il les exploite outrageusement dans mon cas. Alors, je pense qu'il n'a pas aimé que je t'invite. Hein. D'autres m'ont reproché, les Soraliens et d'autres. Il y a un certain Félix Nietzsche qui a essayé de se foutre de ma gueule aussi. En écrivant des imbécilités sur mon. Ce qui est amusant d'ailleurs, parce que je fais une petite parenthèse, dans ses livres, en fait, il est sur des lignes assez identitaires, hein, Félix Nietzsche. Mais bon, je pense juste que Soral ne lit pas tes bouquins, Félix, hein, parce que sinon, il t'aurait dégagé. Hein. Bah, je sais pas, mais d'une manière générale, le pauvre Félix Nietzsche, il a aussi besoin de faire la promotion de son grand chef, donc c'est un peu normal. Mais je ne le reprocherai pas. Bon, il parle de moi, il ne me connaît pas, donc il parle sans savoir, c'est pas grave. Bon, Hervé Lalin ne me connaît pas beaucoup plus non plus. Simplement, dans cette affaire. À une époque, effectivement, j'étais sur Rêve de Souche. Oui. Comme posteur anonyme, individuel, hein, absolument aucun engagement, aucun lien. Je n'ai jamais d'ailleurs pu parler à Sautarel à l'époque sur Rêve de Souche. J'ai dû envoyer plusieurs mails suite à des divers bannissements dont j'avais été victime par celui-ci. Pierre Sautarel ne m'a jamais répondu. Il ne me répond jamais. Il ne me parle pas. Je fais partie des gens qui, pour lui, sont honnis. D'accord. Pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est comme ça. Qui plaît à tout le monde a des choses à se reprocher. Oui. Bon. Donc concrètement, non. C'est-à-dire que les mecs. Donc j'étais leur gros posteur sous 25 pseudonymes environ parce que j'étais banni 25 fois. Oui. Jusqu'au jour où ils ont banni mon IP et tout truc qui pouvait faire que. Même des trucs éloignés qui faisaient que ça pouvait être moi. C'est sûr que je ne revienne pas.
Ça m'a libéré, ça m'a permis d'aller prendre, d'utiliser du temps à meilleur escient qu'essayer de faire comprendre à des ergumènes qui écrivent en 5 caractères des conneries, Frexit et compagnie, que l'Europe c'était bien. Donc il n'aimait pas que je défende l'Europe, donc à chaque fois que je faisais la défense de l'Europe, j'étais banni. Si j'attaquais trop le christianisme, j'étais banni, pas forcément par lui, hein, mais par Aetius, par d'autres modérateurs. Et puis évidemment, voilà, donc j'étais banni régulièrement et je revenais. Alors j'étais Iron Man, j'ai Gelesinis Vilkas, qui veut dire loup d'acier en lituanien. J'étais Curtis Newton, le vrai nom du capitaine Flamme. J'ai été, je sais rien moi, Staller Wolf. Oui. J'étais machin. Mais dans ce cas isolé. Et à un moment donné, j'étais eurosocialiste. Alors c'est notamment pseudonyme, parmi tant d'autres que Lalin a eu un propos rapporté, des photos d'écran d'un énergumène, je sais pas qui lui a envoyé des photos d'écran. Alors il y avait deux propos. Oui. Premier propos, c'est je disais que globalement, dès que je voyais un antisème, je le bloquais immédiatement. Ouais. En fait, je parlais de mon propre forum sous mon nom personnel. Ah oui, tu parlais pas de souche. Où je ne voulais pas prendre de risque juridique. D'ailleurs, c'était pas vrai, j'étais tolérant avec les gens, mais je voulais pas que des propos illégaux apparaissent sur mon forum, parce que c'est pas moi qui vais prendre des coups et me retrouver au tribunal pour des propos que je ne cautionne pas. On n'est pas aux États-Unis, donc moi, j'assume pas des propos que je ne partage pas et je ne vais pas les assumer devant le juge. C'est comme ça. Hein. Bon, chacun fait, parce que ça dépend pour quoi on se bat. Moi, je me bats pas pour la liberté d'expression, je me bats pour l'Europe. Bon, voilà. Ceux qui veulent se battre pour la liberté d'expression, mais se battent pour la liberté d'expression. Je dis pas que c'est pas un combat utile, mais je dis que c'est pas le combat prioritaire et je vais pas aller en prison et avoir des ennuis pour défendre des idées qui sont pas les miennes. C'est clair. Le principe Voltaire, je me battrai pour viser. Oui, bah non, il y a des limites. Ouais. Bon, voilà. Mais je suis tolérant à l'égard des gens. Et donc j'avais dit ça. Donc il a cru sur interprétation fallacieuse d'un propos hors contexte. Il a cru que tu étais modérateur. Je voulais dire que, en fait, sur dessous, je modérais systématiquement les antisémites. C'est pas vrai, je n'ai jamais été modérateur. Et Pierre Sautarel a confirmé un tweetos qui avait posé la question, qui m'en avait parlé et qui lui a posé la question, est-ce que Thomas Ferrier a été modérateur un jour sur dessous? Et Pierre Sautarel sur Twitter a répondu non, jamais. Bon, c'est clair, net et précis. Et le deuxième propos qui m'était reproché, c'est que j'avais dit que j'étais le plusteur, le plus pro-J de Sautarel, c'est un pro-juif. En raison des convergences que je t'expliquais tout à l'heure, stratégiques et intellectuelles, qui sont logiques, les religions ethniques contre les religions universelles, la convergence face aux phénomènes mondiaux de destruction simultanée des deux entités, c'est-à-dire à la fois de l'Europe et d'Israël, qui sont menacées l'une et l'autre dans leur existence même. Donc voilà, et donc on peut m'accuser de pro-sionisme, ça ne me dérange pas. Moi, je me définis comme européiste, donc si les gens ne comprennent pas que je défends l'Europe, bah, c'est leur problème. Oui, mais en l'occurrence, ce qui était ridicule, en fait... Et donc voilà, et c'était une boutade, évidemment, c'était un clin d'œil. D'abord, ça voulait dire qu'il y avait peut-être beaucoup d'anti-judéens sur F de souche, et puis ça voulait dire c'était une boutade hors contexte. Non, voilà. Mais surtout, moi, je voulais parler de ça, parce que ça montre en fait à quel point l'obsession... Voilà, mais tout se ramène à ça. Le rend con, parce qu'en l'occurrence, finalement, il reproche quoi? Qu'une personne qui tient des propos pro-juifs m'invite, moi qui suis un identitaire racialiste, il devrait être content que je sois invité sur Radio Courtoisie. Il va parce qu'il a dit que j'étais un nazi vendu aux juifs, aux judéens. Ah. Et un hitlérien vendu aux judéens. C'est pas mal. J'ai dit ça à Jean-Yves Camus, ça l'a fait rigoler. Oui, je suis donc j'étais qualifié d'hitlérien vendu aux judéens. D'accord. J'utilise judéen parce que j'utilise pas d'autres termes en général. Ok. Voilà, mais voilà. Bon, on a compris, c'est amusant. C'est quand même pas commun. C'est quand même pas commun, hein, comme attaque. Donc voilà. Bon. Toi, tu as lu les ouvrages de Ryssen? Qu'en penses-tu? Il m'en a envoyé un il y a très longtemps. Je crois que c'était les trucs planétariennes, là où je sais pas quoi. C'est son premier. Planétarienne. Qui était sans doute le meilleur. Il y a des bons passages, c'est bien écrit. Bon, après, ça m'a pas apporté grand-chose. Mais c'est un ami qui avait dit, il faut envoyer à Ferrier ça. Donc l'autre, il s'était dit, je vais envoyer à Ferrier ce bouquin. Voilà. Le problème, c'est que je pense qu'il ne fait même pas le lien entre moi et celui avec qui il avait discuté. Je pense que les liens, il ne les fait pas. Enfin, je suppose. D'accord. Mais j'en sais rien. Bon, de toute façon, il fait sa vie. Ce sont des gens qui ont un combat unique. Oui. Et ce combat unique, il les détruit et les rend infréquentables. Donc, je suis désolé, mais non, je n'accepterai pas un débat avec Hervé Lalin. D'accord. Je n'accepterai pas un débat avec Renoir. Je n'accepterai pas un débat avec Pierre Hillard, par exemple. J'ai refusé un débat avec Pierre Hillard Radio parce que pour moi, je ne peux pas discuter avec un complotiste. Lui voulait un débat avec toi. Il savait pas qui j'étais. Non, mais il y a quelqu'un qui d'accord. Nous a invité. D'accord. Moi, j'ai décliné l'invitation parce que je ne peux pas discuter avec un complotiste. On n'est pas dans le même monde. Il a le droit d'avoir ses convictions. J'ai pas de problème là-dessus. Oui. Mais moi, je suis dans le réel. Je suis pas dans les trucs qui les Allemands du XIIIe siècle qui ont fait un complot capitaliste ou sur le talmudisme qui fait ci ou rien à battre de ces conneries, ça ne m'intéresse pas et je ne vois pas comment je peux discuter avec quelqu'un sur ça. Pas en l'humiliant sur en montant qu'il a tort, c'est un sujet. On peut pas humilier quelqu'un comme ça. Ouais. Comment tu veux humilier un fanatique, par exemple, sourcer du complot. Mais dire par exemple, quelle est votre source. Ou dira que tu fais partie du complot, c'est tout. D'accord. Ouais. Bah oui, non, mais je veux dire,
Le mec qui pense qu'il y a un complot, il a toujours raison. Tu peux jamais gagner contre lui. Ça n'a rien de débattre contre quelqu'un qui n'est pas dans le même mode de fonctionnement que toi. Tu peux pas te combattre avec, si t'as pas un terrain, une joute, il faut qu'il y ait un terrain d'entente. Il faut qu'il y ait un lieu où tu puisses t'exprimer. Si le mec, il est perché complètement dans... Un mec comme Assino, il va m'expliquer que les Allemands ont ouvert l'Union Européenne, que les Américains sont derrière tout. Si tu veux que je discute avec Assino, où je dis à Assino, vous racontez que des conneries, et le débat, il est fini. Ou je me lève et je défonce la tête, ou je ne débat pas. Donc, je ne débat pas. D'accord. À la rigueur, Assino, c'est le... Oui, on pourrait débattre malgré tout avec lui, mais je ne suis pas sûr qu'il resterait calme. Oui. Bon, on a bien vu quand il s'est énervé sur les porte-avions, je sais plus quoi, par un campagne présidentielle. Mais comme je dis, moi, je n'ai pas de haine envers quiconque. Mm-hmm. Un adversaire politique, je le respecte en tant qu'adversaire. Je l'écraserai politiquement si j'en ai les moyens, mais c'est pas la question. La question, c'est que Assino ou tous les autres, simplement, je ne peux pas débattre avec eux parce qu'on n'est pas dans le même monde. Eux, ils sont dans la 9e dimension, moi, je suis sur Terre. Donc voilà, ça s'arrête là. D'accord. Et c'est vrai, alors un mec comme Alain Soral, c'est plus possible de discuter avec Alain Soral, on peut pas. Et puis alors, le problème, c'est qu'il faut prendre compte du réel aussi, c'est que ce sont des gens qui sont diabolisants pour rien. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller discuter avec des gens qui vont t'amener des emmerdes. Si moi j'accepte ton invitation, c'est parce que je sais qu'on est en bonne compagnie, qu'on va pouvoir parler intelligemment, qu'il y aura pas de. Et voilà. Et... Certains m'ont reproché de venir chez moi. Hein. Mais attention, je le sais très bien. J'assume complètement. Et justement, ce que j'avais envie de démontrer un petit peu aussi aujourd'hui. Et ce soir, c'est de démontrer d'abord qu'on peut discuter intelligemment ensemble, ça c'est important, faire tomber un peu des légendes, et puis voilà, là, tu as entendu un discours qui est quand même pas courant. Oui, tout à fait. Hein, donc, et j'ai évité d'aller encore très loin dans les concepts. Mais... Ouais, tu sais, c'est, je t'inviterai bien dans quelques mois pour parler du paganisme, on fera une émission spéciale là-dessus. Pas mal hein, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, pour revenir un peu aux thématiques politiques, parce que moi je suis quand même un politique au départ, ça veut pas dire que je connais. Alors qui veux-tu te clasher? Allez, t'es sur ta lancée. Voilà, on va clasher tout le monde maintenant, on va se plaisir. Attention là. Bon, on a quand même clashé. Oui. Le père Assino, oui. Gentiment le père Soral. Le père Rissen, on a clashé Marine qui a pris comme cher. Oui, bah là oui. Voilà, on a un peu clashé Philippot. Tu en pourrais parler de Philippot un petit peu quand même. Mais je sais pas si tu as encore quelque chose à en dire, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire sur Philippot. Mais quel va être l'avenir de son parti finalement, parce que. Bah l'avenir. Mais non, je pense que Florian Philippot c'est quelqu'un d'intelligent, mais c'est quelqu'un qui a un logiciel complètement décalé du réel. Son logiciel est totalement inadapté de nos enjeux. Oui. Comme Soral d'ailleurs, comme les autres. La réconciliation du torchon de la serviette, bon, moi j'y crois pas trop. J'ai une bonne machine à laver, arrivera quand même à tout transformer en gris quand même. Oui. Mais je pense que c'est ça. Soral, c'est la machine à laver du nationalisme. Je mets des Français de souche et des Maghrébins, je les mélange et puis ça fera une pâte toute grise. C'est le problème des intellectuels de gauche, en fait. Ils jonglent avec les concepts, ils ne se rendent pas compte que la réalité est impossible. Quand Paul de Tarse, pour reprendre le sujet d'origine, dit « il n'y a ni juif ni grec », il est anti-juif, anti-grec en disant ça. Oui, c'est ça. C'est le métis idéologique qui refuse les souches dont il est issu, qui reproche d'être ce qu'elles sont. C'est un peu classique, ça. C'est la honte de soi, tout simplement. Peut-être on peut finir sur une note positive. Est-ce qu'il y a des figures sur Internet ou à la télévision que tu apprécies, que tu respectes, que tu trouves positives? Moi, je pense qu'Éric Zemmour a un déficit d'européisme, parce que je pense qu'il a du mal à s'identifier à l'Europe. Ça, il peut rien, c'est comme ça. Mais il dit des choses extrêmement courageuses. Il faut le reconnaître. Et il a pris un petit peu cher par rapport à ça. Il faut qu'il m'invite dans son émission parce que je pense qu'il n'a jamais eu un vrai Européen en face de lui. D'accord. Alors moi, je serais d'avis aussi qu'il vienne à mon émission. Mais je ne pense pas que ça va être communiqué. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Bah, on peut le contacter, tu sais. Hein, il a une adresse mail. Qu'il vienne à mon émission, ce serait très bien. Mm-hmm. Je pense qu'il a tout à fait sa place au Libre Journal des Européens et qu'il pourrait. Moi, j'ai envie qu'il découvre un discours comme le mien. Oui, oui. Parce que je pense qu'il n'en a jamais eu. Oui, tout simplement. Oui. Et tu penses à un manque d'exposition. Il ne sait pas que ça existe. Voilà. En fait. Ouais. Il a besoin de savoir. Et je pense qu'Alain Finkielkraut, très décrié, ouvre les yeux progressivement. Il ne faut pas lui demander trop. Il faut qu'il prenne son temps. Mais il évolue favorablement. Elisabeth Lévy, pareil. C'est drôle parce que tu te fais traiter de pro-juif et toi, tu enfonces le clou. Mais tu cites trois juifs en disant « je les adore, ils sont excellents ». Voilà. Après, moi, j'aime bien ce que dit Julien Rochdy, etc. Je voudrais qu'il assume plus. Parce qu'il est très politique, donc il ménage idéologiquement les gens avec qui il travaille. Moi, je ne le fais pas. Je ne ménage pas. Donc, moi, je suis un vrai païen. Je ne me cache pas, etc. Je suis un vrai européiste. Moi, je ne crois pas à la ligne de Ménard actuelle. Ménard a écrit un excellent texte sur l'Europe, un magnifique hommage à l'Europe unie, que j'ai cité d'ailleurs dans mon émission. Sauf que politiquement, Robert, sa ligne, c'est quoi? Libéral, catholique, conservateur, souverainiste.
Oui. Donc souverainisme, c'est non, c'est une impasse. Catholique, on a bien compris, c'est pas forcément ma tasse de thé, même si je suis tolérant à l'égard des gens qui le sont. Hein. Ouais. Moi, j'ai des amis catholiques, j'ai des camarades catholiques, c'est pas de souci à sûr. Hein. Mais simplement, ma ligne politique intellectuelle, elle est beaucoup plus dure. Conservateur, ça veut dire réactionnaire dans mon esprit, bon, même si c'est à tort, hein, parce que le mot latin conservateur, c'est dire sauveur. Mais voilà, libéral. Alors, il y a certaines personnes qui disent que je suis un vilain libéral et que j'étais beaucoup plus socialiste. Alors, ça, on va parler deux minutes. Si ça bah oui, justement, c'est une question que j'avais écrite, mais j'ai oublié de te la poser en économie. Bah, quelle est ta que position? Moi, en tant que fonctionnaire, je suis plus libéral qu'avant parce que je me rends compte des failles de l'étatisme. Mais je pense que je serai dans le privé, je serai plus socialiste parce que je verrai les failles. C'est banal ce que je dis, mais c'est souvent vrai. Moi, j'ai des amis qui sont dans le privé, ils seraient contents d'être fonctionnaires. Et de la même façon... voilà. En général, on a la position économique qui correspond à son métier. Mais en l'occurrence, ouais, je voulais savoir... Les fonctionnaires qui sont par libéraux, rapport à l'immigration, mais... est-ce que tu es... Oui, parce que, moi, je suis socialiste sur l'immigration. Bah, non, mais moi, clairement. Non, parce que moi, je me dis que, justement, les discours libéraux, au départ, j'y étais hostile. Et je me dis, finalement, si supprimer les aides sociales pendant un certain temps permet de faire en sorte que la France soit moins attirante pour les immigrés, ça peut être intéressant. C'est la ligne « Pourquoi les ouvriers votent à droite ?» C'est un peu ce que fait Trump à sa manière, etc. Oui. J'ai été tenté par cette équation, c'est celle de Guillaume Fay. Hein. Guillaume Fay défend un libéralisme schumpeterien, comme il le dit. Ouais. Oui, mais en fait, c'est parce qu'on accepte la situation actuelle en disant ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à être libéral parce qu'il y a de l'assistanat qui est dévoyé. Oui. L'assistanat est dévoyé, il faut y mettre fin. Mais on y met fin par l'exclusivité citoyenne. L'exclusivité citoyenne, c'est t'es citoyen, t'as toutes les aides sociales et tous les trucs, t'es pas citoyen, tu les as pas. Oui. C'est le principe grec, d'ailleurs, de la démocratie athénienne. C'est vrai. Le citoyen a tout, le non-citoyen n'a rien. Bon, c'est dur, mais c'est la position cohérente. Donc, non, il y a un système de socialisme intelligent est imaginable, pas marxiste. Le marxisme est un égalitarisme dévoyé qui détruit l'identité. Mais oui, il faut peut-être... Mais non, de toute façon, on ne va pas inventer l'eau chaude. Le modèle économique de demain sera forcément un modèle dosé plus ou moins de libéralisme et de socialisme, oui. De protection. Au fond, le socialisme, c'est le bouclier, le libéralisme, c'est l'épée. Tu as besoin, pour être un bon chevalier, d'avoir un bouclier et une épée. Donc, il faut être un peu socialiste, c'est-à-dire un bouclier pour quand même protéger, pour ne pas te faire percer à jour. La protection sociale, l'aide médicale, on ne te laisse pas dans la rue crever. Et puis, de l'autre côté, l'épée, c'est-à-dire bah, un peu de concurrence, des prises de risques, un meilleur salaire quand on travaille plus, quand on est un créateur, un talent, il y a la méritocratie. Hein. Moi, je suis pour que le talent soit récompensé, le mérite soit récompensé, après, dans des mesures raisonnables. Un footballeur, je ne considère pas que c'est un apport considérable à la société qui justifie des salaires monstrueux. Oui. Donc voilà, mais sur le je me suis un peu écarté du sujet général. Non, je t'en prie. Sur l'économie, en fait, je te demandais ta position sur l'économie. Avant même l'économie, d'ailleurs, on était sur un truc juste avant que j'arrive à l'économie. Bah, je te demandais les figures positives, tu m'as cité. Voilà, donc j'ai parlé du libéralisme. Là, je ne suis pas spécialement libéral, je suis moins socialiste que j'ai pu être avant, moins étatiste, mais je pense qu'il faut des deux. Je pense qu'effectivement, il y avait tout ce qu'on appelait le socialisme européen, eurosocialisme, c'est des choses qui sont des mots qui me sont sympathiques à l'oreille. Maintenant, le mot socialiste, je vais dire clairement, est inaudible aujourd'hui. Oui. Politiquement, c'est inaudible. Donc, c'est pas la peine de s'en réclamer. Il y a des mots comme ça dont il ne faut pas se réclamer parce que... Parce que le mot veut tout dire et rien dire. Et que, voilà, ce mot sera peut-être rénové, comme le mot Europe, j'espère, va l'être. Comme des notions positives, on redevient positive. Mais voilà, le vrai combat politique, c'est pour ça que c'est un peu dans ton émission le cœur du sujet. Et là, on va faire un peu flatter l'invitant et pas seulement l'invité. C'est que tu as été très décrié, et j'ai été décrié parce que j'étais invité, des mots méchants, des mots faux, incultes, je ne sais plus quoi, sur des attaques physiques, des conneries. Globalement, que ce n'était pas intéressant et que ce n'était pas la peine de discuter avec toi et avec Yann Mercado et avec d'autres. Trucs méprisants, mépris de classe, mépris d'intellectualiste, je ne sais pas. Bon, moi, je parle à tous les Européens déjà, première règle, et à tous les niveaux, etc. Après, je n'accepte que d'être invité que par des gens que je respecte un minimum, déjà. Oui. Et sinon, je ne serais pas là. Et j'espère. Voilà, une émission qui s'appelle Vive l'Europe, déjà. C'est déjà un signe de sagesse et d'intelligence, parce que déjà, dire qu'on est pour l'Europe, voilà. Donc, après, les figures que j'estime, c'est beaucoup des gens qui sont morts. Hein, c'est Louis Ménard, philosophe français du 19e siècle, remarquable, poète en plus, et tout. C'est Nietzsche, bien sûr, ça va être Montaigne, ça va être les grands figures de l'humanisme. Bien sûr. Hein. Ça va être Machiavel, ça va être Voltaire, oui, ça choque. J'aime bien Voltaire, oui. Moi aussi, j'aime bien Voltaire. Surtout le pire, le Voltaire des essais sur les nations et compagnie, celui qui est censuré, qui n'est plus réédité. Oui. Parce que Voltaire, il faut savoir qu'il est censuré en France.
soit des œuvres de Voltaire ne sont plus rééditées, soit trop, même le dictionnaire philosophique est amputé de certains articles trop hostiles à certains peuples. D'accord. Oui, mais ça fait partie de Voltaire, il faut l'assumer comme tel. Ça ne veut pas dire qu'on se réclame de ce qu'il pense. Bien sûr, mais il l'a écrit, donc il l'a écrit. Hein. Mais parce que, en fait, et ça a été dit par Pierre Milza dans une biographie de Voltaire, il tape sur ce peuple pour mieux taper ce christianisme. Nietzsche faisait un peu la même chose. C'est-à-dire pour accabler le christianisme, on attaque la souche judéenne. Ce qu'a fait, par exemple, le poète latin Rutilius Namatianus, qui, dans son bouquin D'Hereditus Suo, qui veut dire sur le retour, qui revient de Rome. Et il dit qu'il tombe sur un judéen apparemment antipathique, et il en profite pour faire une bouffée de colère contre ceux qui ne mangent pas de porc, qui ne travaillent pas le samedi, en fait, parce qu'il dénonce les moines et les chrétiens derrière, puisque c'est un païen qui en parle. Donc ça n'a plus de sens aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, analyser les souches du christianisme, c'est très intéressant d'un point de vue historique, mais on oublie que le christianisme s'est retourné contre le peuple d'origine, et donc accabler le peuple d'origine n'engage pas le christianisme. Oui. Est-ce que tu vois d'autres choses qui, pour finir, non, mais en fait, je crois que t'as presque conclu. Hein. Non, mais t'as déjà pour des questions de batterie technique, il va falloir que j'arrête. Exactement. Mais simplement, je pense que ce qui, je me sens proche de toi sur un point, c'est qu'on arrive à faire la hiérarchie des priorités, et il y a un gros problème, c'est la disparition possible de l'Europe, de la culture européenne, de l'Europe et des Européens, l'ethnie des Européens, du peuple. Voilà. Et c'est le problème numéro un. Donc oui, pour terminer, en fait, je crois que ce qui... C'est ce que tu disais, c'était la thématique migratoire, pour utiliser une terminologie très travaillée. Il faut faire une hiérarchie des priorités, et la disparition possible de l'Europe est un cauchemar, l'Europe, de la culture européenne, mais donc mais le peuple... Mais le salut de l'Europe, et c'est la leçon que je veux essayer de faire comprendre au maximum de gens, c'est qu'il n'y aura pas de salut des Européens sans Europe politique, et il n'y aura pas d'Europe politique sans les Européens. Les deux sont intimement liés. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauver l'Europe si on ne se rallie pas à la thèse que je défends de l'État européen unitaire, identitaire. On n'a pas le choix. Soit l'Europe s'unit et elle luttera contre ce péril migratoire avec des moyens juridiques qui lui permettent, soit elle ne sera pas. Parce qu'il y a un point essentiel, j'en ai pas parlé, mais on ne peut pas parler de tout. Oui. Mais j'ai ouvert la porte sur la question de l'exclusivité citoyenne, et je pense que c'est la meilleure conclusion. Oui. En 3 minutes. Au 5e siècle de notre ère, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Périclès. Oui. Qui était un stratège d'Athènes et qui est arrivé au pouvoir après une dictature. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les Pisistratides. Les Pisistratides, c'est une famille, une dynastie. Ils ont ouvert la citoyenneté athénienne à plein d'étrangers. Alors, des étrangers qui étaient grecs, certes, pour une grande partie d'entre eux. Quand Périclès arrive, il fait deux choses. D'abord, il instaure la loi de citoyenneté et il dit que celui qui est citoyen, c'est celui qui a le père et la mère qui sont citoyens. Oui. On ne peut être citoyen à Athènes que si on a les deux parents citoyens. Eux-mêmes héritiers de citoyens, etc. C'est-à-dire ses droits du sang intégral. Mmh. Sans accommodement, on est athénien par ses parents, point. Et si tu n'es pas de parents athéniens, tu ne seras jamais athénien. Mmh. Ça, c'est remarquable. Et il a été plus loin, ça, c'est un droit moderne, on ne peut pas le faire. Il a enlevé la citoyenneté athénienne à tous les amis des tyrans. D'accord. Qui n'auraient pas dû l'avoir autrement. C'est-à-dire qu'il a fait deux choses remarquables. Un, il a redéfini la citoyenneté, ce principe du droit du sang. Et deux, il a enlevé la citoyenneté à tous ceux qui n'avaient pas à l'avoir. Si on appliquait cette règle qui est le père de la démocratie, hein, le fondateur de la civilisation européenne au niveau de la démocratie athénienne, à la société française aujourd'hui, ça veut dire que concrètement ne seraient français que ceux qui auraient les deux parents français et tous les autres qui ont été naturalisés depuis 50, 70, 80, 100 ou 200 ou n'importe quoi, ne seraient plus français. C'est inapplicable concrètement à l'échelle de la France parce que je n'ai pas envie non plus de dire aux Italiens, Espagnols, etc. Mais appliqué à l'échelle de l'Europe. Une nouvelle nationalité européenne qui reposerait sur le principe de Périclès et qui serait indépendante des nationalités existantes parce que trop dévoyées et qui donc reposerait sur des critères de convergence, exactement comme on a mis les critères de convergence pour l'euro, c'est-à-dire les 3% d'inflation, mais là, ça sera un critère juridique, serait remarquable. Et on peut le justifier très facilement. Si on pense qu'on a un destin commun avec les Polonais, les Russes et les Hongrois, on voit bien que les Polonais, les Russes, les Hongrois, les Slovaques, ils n'ont absolument pas envie de faire l'Europe unitaire avec la France, l'Angleterre ou l'Allemagne qui s'allogénise. Voilà, c'est clair, eux, ils veulent pas de ça. Ils tout à fait. Ouais. Clairement. Donc, si on reste dans les paradigmes actuels avec une Europe occidentale qui s'ouvre au monde entier, au flux migratoire du monde entier, et une Europe centrale orientale qui se ferme au flux migratoire du monde entier, l'Europe est déjà coupée en deux, elle est finie, elle est divisée. Et il n'y a plus d'Europe unie, jamais. Donc, il faut une convergence. On n'imposera pas aux Polonais le laxisme migratoire de la France et d'Angleterre. Et donc, on va prendre les règles, les situations les meilleures, et on va s'indexer sur les situations de la Pologne, de la Hongrie, c'est-à-dire on va converger nos politiques, nous, chez nous, vers ce qui se passe en Russie et en Europe de l'Est, et eux viendront sur nos valeurs. C'est-à-dire qu'ils mettront peut-être moins d'autocratie, peut-être plus de démocratie chez eux, et en échange, nous, on mettra l'identité. Et c'est ainsi, bien que tu on dis ça. Converger, les uns actuellement, c'est eux qui ont raison,
et c'est à nous de les rejoindre. Ils ont raison sur certains sujets, pas surtout. Mais par exemple, quand la Pologne lèche le bot des Américains, achète des Américains. Tu sais pourquoi ? C'est par russophobie. Voilà. Il faut que les pays de l'Est, notamment la Pologne, la Lituanie, rompent avec cette russophobie pathologique, mais il faut que la Russie fasse des efforts, parce que Poutine sauve le maximum de ce qu'il peut faire, mais il y a des dérives autocratiques qui sont comme là. Elles se comprennent dans un contexte où d'abord il y a une agression un désir d'empire américaine, mais d'abord parce qu'il y a une agression américaine permanente des Russes. Et donc le problème là-dessus, c'est que la Russie doit maîtriser et mesurer sa façon de se comporter en Ukraine. Je ne les blâme pas, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Il était inacceptable que la Russie perde la base maritime de Sébastopol. Il était inacceptable que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et soit aux portes de la Russie, à moins de faire rentrer la Russie dans l'OTAN, ce qui était prévu à l'époque de même peu de Poutine, donc tout début et à la fin d'Eltsin. La question de faire rentrer la Russie s'est proposée à rentrer dans l'OTAN, il faut le savoir. Et les Américains ont refusé que la Russie rentre dans l'OTAN parce qu'ils ont besoin d'un ennemi. D'accord. Donc si la Russie était dans l'OTAN, tout changeait déjà. Donc la réalité d'aujourd'hui, elle est claire, c'est que la Russie doit effectivement être attentive à ne pas exciter trop la russophobie des Polonais, des Lituaniens et compagnie. Elle doit montrer là-dessus une capacité d'écoute des inquiétudes et de rassurer ces pays-là. Et l'Europe occidentale doit clairement tendre une main fraternelle totale, sans état d'âme, à la Russie, quitte à rompre complètement avec l'Alliance américaine, quitte à quitter l'OTAN, quitte à... Et à terme, moi je le dis, et c'est ce que je veux, une Europe de l'Islande à la Russie unie, clairement, nettement, la Russie jusqu'à la Sibérie, parce qu'on ne va pas virer les colons russes européens qui sont installés en Sibérie, on ne va pas dire vous êtes indépendants, c'est débile. 60% de la Sibérie est peuplée de Russes et d'Européens. Donc il y aura des statuts de république autonome pour les populations locales paléo-asiatiques, c'est-à-dire le Buryat, les Buryat, Yakout, ils ont un statut de république autonome avec des droits indigènes chez eux, ils ont un statut particulier, mais ils n'auront pas la citoyenneté européenne, etc. Ils auront une identité spécifique, comme le petit Hussard d'ailleurs, hein, pour les nationalités, au Groenland, même tarif. On ne peut pas lâcher Groenland, sinon c'est toutes les multinationales américaines du pétrole qui vont tout dégueulasser. Et c'est une catastrophe. Alors, plus les Islandais sont les découvreurs, donc les Européens sont les découvreurs de Groenland. Les Inuits sont venus au moment de la glaciation, quand ça a commencé à se glacer, ça leur a permis de passer d'Amérique du Nord vers le Groenland. Le Groenland est une terre découverte par les Européens, c'est à nous. D'accord. C'est comme les Kerguelen et compagnie, on ne lâchera pas les Kerguelen, on ne gâchera pas la Terre Adélie, l'Antarctique et compagnie. On les a découverts, personne n'y avait foutu les pieds avant nous, c'est à nous, point. Et on ne laisse personne. Donc la Grande Europe de l'Islande à la Russie, avec un seul État, avec une capitale, Europolis par exemple, qui serait près de Prague, le centre de l'Europe, là où. Il faut créer une cité nouvelle, parce que l'Européen crée des villes. Alexandre le Grand en a créé partout, etc. Rome est une création, Constantinople, etc. On ne crée plus de ville en Europe. C'est vrai. C'est une maladie. On crée des banlieues poubelles, oui, ça, on sait très bien faire, et des tours immondes. On a l'impression que c'est figé, que l'histoire européenne est figée. Si, comme on peut ça. Construire des pyramides débiles comme faire Hidalgo à Paris, hein. Tout est possible. Mais dans les conneries, on est très fort. Mais dans la création d'une ville, voilà. Alors, c'est l'idée. Ton projet, c'est une nation européenne. Mais qui sera respectueuse, parce que beaucoup ont peur de ce que ça veut dire, nation européenne. Vous voulez tout fusionner, vous voulez détruire notre identité. Pas du tout. L'Europe, c'est une nation des nations. C'est-à-dire qu'aucune des identités nationales ne sera détruite. Au contraire, elles seront rénovées, elles seront régénérées, elles seront sauvées. L'État français est le fossoyeur de l'identité française. L'Europe-nation sauvera l'identité française au prix de sa souveraineté. Et les Bretons apprendront le breton en Bretagne. C'est-à-dire que non seulement aucune identité d'Europe ne sera lésée. Les Catalans, etc. Tous verront leur identité protégée, défendue, soutenue, constitutionnalisée même. C'est-à-dire concrètement, ils seront tous. Le français pourra être fier d'être français, le breton fier d'être breton, mais ils auront une nationalité qui sera la nationalité européenne, ils feront partie d'un État qui sera l'Europe, et leur identité sera en réalité. L'Europe sauvera les identités. Le mensonge des souverainistes, c'est qu'ils nous font croire que leur Brexit, Frexit et compagnie vont sauver les identités des pays concernés. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Ils vont sauver une identité pervertie, dévoyée, cosmopolitisée, halogénisée. Ce qui est sûr, c'est que l'unification ne détruit pas les coutumes, parce qu'aux États-Unis, même si tu ne veux pas faire des États. Mais il y a une massification aux États-Unis, il y a une langue unitaire. C'est vrai, mais il y a quand même une différence. Les gens ne se comportent pas de la même manière au Colorado qu'en Floride. Il y a des traditions locales. Mais c'est illusoire de croire qu'en fait... C'est vrai, mais il y a la langue qui est la même. Et un Américain n'a aucun problème pour aller travailler en Californie ou à New York, bouger dans tous les coins. Il y a des dialectes. Hein. Il faut savoir que l'Américain, il y a plusieurs types d'Américains. Il y a un Américain du Nord, un Américain de l'Ouest, un Américain, etc. Hein, au niveau linguistique. Mais il faut être très clair là-dessus. Par contre, ça montre aussi l'existence de l'Europe. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que l'Amérique au départ ? Ce sont des Anglo-Saxons et des Allemands qui s'unissent, font venir des Suédois. Maryland a été créée par des Suédois, des Néerlandais. New Amsterdam, New York, c'est New Amsterdam, c'est des Néerlandais. Les Français qui sont venus en Louisiane, des Espagnols, en Floride et en Californie. Je parle des Européens, je parle pas des Chicanos. Ensuite, des Russes, des Polonais.
Près de San Francisco, il y a un fortin russe. Les Russes par l'Alaska sont venus créer un fortin russe en Californie. Il y a des Albanais, il y a 130 000 albano-descendants. Il y a des Grecs, il y a des Italiens, il y a beaucoup d'Italiens qui sont allés. Ils ont été mal reçus au début. Mais au final, quand on y réfléchit bien, tous les Européens, les WASP et les non-WASP, se sentent parfaitement ensemble. Oui. Il n'y a pas de problème. Les Irlandais sont parfois plutôt dans la police, etc. Mais voilà, à Chicago, la ville de Chicago est à 35% blanche seulement, mais il y a les banlieues à 98% lituaniennes. Mm. Bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas annulé leur tradition. Bien sûr, il y a la langue anglaise. Mm. Mais ils se souviennent de tout ce qu'ils sont. En Amérique, quel est le problème de l'Amérique ? L'Amérique, c'est le problème latino, oui. C'est le problème afro-américain. Le cosmopolitisme blanc n'est pas un problème, n'est jamais un c'est problème. C'est pas un cosmopolitisme. Mm. Quand on est cosmopolite, quand on réunit des gens qui n'ont rien à voir. Mm. Mais là, on parle de frères d'un même sang. Ce sont nous sommes. Moi, quand Mélenchon, vous en connaissez des Lituaniens ? C'est quoi la Lituanie ? Mais crétin des Alpes. Tu connais rien à la Lituanie, c'est sûr, Mélenchon. Et il y a beaucoup de souverainistes de droite qui n'y connaissent rien. Mm. Sauf que la Lituanie, c'est le conservatoire de la tradition indo-européenne la plus authentique. Oui, oui. En religion, en langue, etc. On part sur un autre débat. Après, on pourrait dire qu'il y a quand même une différence phénotypique entre les Européens du Nord et du Sud. Mais par exemple, il y a plus de points au Nord, plus de points au Sud. Voilà. Adaptation climatique. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand je vais en Espagne ou dans les Balkans, je ne dépareille pas. Les gens n'ont pas l'impression que je suis. Même en Suède. Ils me prennent pour un mec, un autochtone. Mais on pense que les Suédois sont tous bons. Il y a beaucoup de Suédois bruns. Les Irlandais, évidemment, il y a des types qui se retrouvent plus. C'est-à-dire, je vais donner un exemple concret. Hein. Moi, quand je suis à Nancy, je me sens petit. Je suis 1m68, je suis petit. Hein. Oui, oui. À Limoges, je me sens grand. Pourtant, on est en France. Ouais, on est même peuple. Et ben non. Ouais. On voit bien qu'il y a des gens qui sont plutôt blonds en Flandre ou en Alsace. En Provence, moi, je suis d'origine provençale et donc limousine. Voilà. Après, moi, j'ai les yeux bleus parce que j'ai aussi un arrière-grand-père ou arrière-grand-père allemand, un bavarois qui était brun et qui était protestant puis catholique. Donc, il a foutu le camp parce que les protestants puis catholiques ont aussi des ennuis en Allemagne lors du Kulturkampf de Bismarck. Et donc, il est allé se réfugier en France et grâce à lui et à d'autres. Bon, voilà, par exemple, pendant les ancêtres, il y a. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme Ferrier ? Il y a Jules Ferrier, par exemple, c'est intéressant. Mmh. Jules Ferrier, il a pris une balle en 1934 lors de l'attentat du roi Alexandre Ier de Yougoslavie. Donc, il faut savoir qu'à Marseille, donc, il y a une réunion, une grande réunion. Donc, le ministre Louis Barthou, ministre français des Affaires étrangères, va à Marseille en 1934. Le roi Alexandre Ier de Yougoslavie va à Marseille. Il y a un terroriste tueur de l'ORIM, de l'organisation macédonienne terroriste, payé par les plus ou moins les services italiens avec l'aide de l'Oustacha croate contre le roi de Yougoslavie. Et le roi de Yougoslavie se fait flinguer par le terreur. Sauf qu'après, il est dramatique. Les policiers français deviennent fous, ils tirent dans tous les coins, ils se blessent entre eux. Donc, mon arrière-grand-père, il a pris une balle d'un collègue. Et le ministre Barthou s'est fait tuer par les flics français. Parce qu'ils ont tiré dans tous les coins, le ministre a pris une balle. Donc voilà, il y a des quelques fériés qui existent comme ça. Et j'ai retrouvé les sources amusantes. Alors en plus, il était un peu RG, un peu comme il était inspecteur de police de Marseille. Quand pendant la guerre de 14-18, il avait des petits cahiers, qu'on appelait les cahiers noirs, qui ont été donnés au ministère de la Défense en archives. Et il notait l'état d'esprit des troupes. Voilà. On va pas lui dire ça, on va dire il a une mentalité de collabo. Voilà. Simplement pour éviter les désertions. Je vais finir là-dessus d'ailleurs. Pour moi, avec les questions immigratoires, etc., il y a des crimes. Je considère le plus grand crime de notre histoire et un crime que je fais porter à tout l'État français, aux souverainistes, etc. Et quand on sait ce vers quoi l'Europe est promise, si on ne réussit pas, si ce que je porte et le tien et tant d'autres n'émergent pas, ne parvient pas à gagner et donc nous disparaître, eh bien, tous ceux qui sont morts en 14-18, aujourd'hui, moi je considère qu'ils ont été assassinés par leurs propres gouvernants. Tous les camps confondus. Ceux qui sont morts en 14-18, en 1945, ont été trahis. Ils ont été assassinés. Ils sont morts pour ça. S'ils sont morts pour ça, il valait mieux qu'ils se retournent contre leur propre chef et zigouillent les généraux. C'est vrai. La réalité d'aujourd'hui, c'est que le déshonneur, on rend hommage le 11 novembre, là. Trahison. Le vrai hommage, c'est faisons que la France et l'Europe soient dignes que ces gens soient morts pour elles, au lieu de faire de l'Europe la poubelle du monde entier. Essayons de montrer aux gens qui sont morts pour elles, il y a des millions d'Européens depuis toujours, depuis des millions, depuis 130 000 ans. Et voilà ce qu'on leur donne comme héritage. Voilà comment on se montre. C'est absolument lamentable. Ces mots, et il y aurait un film à faire sur un poilu qu'on réanimerait comme ça par la science. Et moi je dis, il fallait tuer les généraux, il fallait que les soldats allemands se retournent contre Guillaume II, que les soldats français se retournent contre Clémenceau. On ne peut pas refaire l'histoire. Non, on ne peut pas la refaire. Tout ça. Mais par exemple, je veux dire un truc très provocateur pour finir là-dessus. Demain, le général de Gaulle, le vrai général de Gaulle, ce qu'il a vécu, sa pensée, etc. Demain, on le met à Saint-Denis, à côté de la cathédrale des rois de France. On le lâche comme ça. Non préparé, hein. Il arrive, poup, il apparaît d'Asgard ou n'importe où. C'est Saint-Denis ici. Voilà, il apparaît automatiquement. Ouais. Et il voit ce qu'il y a. Ouais. Il se dit, j'ai peut-être trompé de camp à une certaine période. Et le problème, c'est est-ce qu'on peut lui donner vraiment tort aujourd'hui quand on voit ça ? On peut se poser la question.
Eh bien, on finira là-dessus, les amis. Merci pour ton enthousiasme. Beaucoup de contenu dans cette émission. J'espère que l'émission vous a plu. Tu reviens quand tu veux, Thomas. On a un tas de sujets à éplucher encore. Et merci de me suivre. Merci aux tipeurs, encore une fois. Et je te souhaite une bonne continuation dans ton émission. Merci à toi. Et puis, on va espérer qu'il y a beaucoup de buzz quand même derrière tout ça, parce que ça mériterait quand même, non ? On va voir si c'est buzzant, tout ça. Voilà. Faites buzzer. C'est à vous qu'il appartient de le faire. Et peut-être de rejoindre la cause de l'Europe sur Twitter, Facebook et tous les lieux possibles. Tout à fait. Je mettrai les liens vers ton Twitter et vers Je n'ai pas Facebook. Je suis Facebook-phobe. Et simplement, moi, je suis accessible. C'est-à-dire que concrètement, je ne suis pas là m'enrichir, me faire plaisir. La politique me saoule presque d'une certaine manière parce que c'est 100% de mon esprit. D'accord. Quasiment. Donc, je mettrai le lien vers ton Twitter et vers le site de ton merci parti, à toi. Le Parti européen. Le Parti européen est un site lacunaire parce que je ne suis pas un très bon informaticien. Et donc, il est extrêmement fonctionnel. Mais le mieux, c'est de me suivre sur Twitter et mon blog, Thomas Ferrier, donc THOMASFE2RUR. .oefort.com où il y a quand même 600 articles sur tous les sujets, le paganisme, la politique européenne, les élections, je recense toutes les élections, je fais des analyses systématiquement de toutes les élections en Europe. Récemment, l'Islande, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait tout ça. Donc voilà. Je mettrai un lien vers ça, encore une fois, et il ne me reste plus qu'à vous dire. Et pour finir, moi je dis souvent dans mon émission, l'Europe vaincra, et s'il y a des germanophobes provocateurs qui sont parmi nous, à nous regarder quand l'émission sera diffusée, Europa zikt. Que les dieux ou que Dieu t'entende. Vive les Européens, vive l'Europe. À très bientôt.